La team, rediffusion, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en forme, que vous avez passé une bonne journée. On est en live sur YouTube pour du Dokkan Battle et attention, pas des moindres, parce que là aujourd'hui, c'est exceptionnel, C'est un grand jour pour Dokkan Battle et pour la version globale, parce que vous le voyez, ce Gohan SSJ qui nous a tellement fait plaisir, il nous a tellement régalé par le passé, eh bien il vient d'obtenir son ZLR. Et c'est pas le seul, il y a également le Cell qui est face à lui, qui vient d'obtenir son ZLR et apparemment ils sont juste monstrueux. Donc ce que je vous propose durant ce live, eh bien c'est très simple. On va déjà les farmer pour essayer de les monter en ZLR, parce que là ils sont LR mais on va les monter ZLR. Et à côté de ça, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va les tester. Obligatoirement on est obligé de les tester dans différentes teams. Surtout que les deux je crois je les ai 100% si je dis pas de bêtises. Ils sont bien montés, on pourra mettre même des sphères d'aptitude si besoin. Ils sont full lien 10. Donc on va s'amuser et bonjour les premiers arrivants. Kirito, Momo, Dekuzo, Roberto, Gaming, Alan, Chris, etc, etc. Ça va ou quoi les gars? Vous allez bien? Ça va en forme? Vous allez bien? Vous êtes les premiers arrivants là sur le live. J'ai même pas partagé encore. Je vais juste avant qu'on débute le farm, tout ça, je me permets, je vais aller partager sur, sur Twitter. Et comme ça on est bon. Comme ça on est bon. Je vais aller partager. Alors attendez. Tac, on a le lien ici. Allez, allons-y. Ça va, vous allez bien en forme? Tu peux me répondre s'il te plaît? Ouais Mohamed, dis-moi, dis-moi, qu'est pas ça? Tu me dis, je te réponds. Tu me dis, je te réponds. Ça va, mon son, il est pas trop fort. C'est la première fois que je viens sur ton live. J'adore ce que tu fais. Ben, merci beaucoup, Oreo. Et puis, bienvenue, du coup, sur les lives, notamment sur YouTube. Parce qu'après, on va aller sur Twitch ce soir. Mais dans un premier temps, on est sur YouTube. Comment ça va? Ben, écoute, ça va. Journée tranquille. Hein, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est un petit TikTok. Aujourd'hui, c'était plutôt chill. Voilà, et puis là j'avais envie de faire les ZLR en live. D'habitude je fais le format en vidéo, d'habitude tu sais j'éveille de mon côté, ensuite je teste en vidéo. Mais là je me suis dit, bon bah vas-y, on va, vu que c'est attendu, on va le faire en live, les deux. Et on va tester les deux en live également, voir un peu ce que ça donne. En plus on a des belles équipes pour les deux joueurs. Donc c'est plutôt pas mal, enfin pour les deux joueurs, pour les deux unités. Voilà, on va être bien quoi. Est-ce que si on n'a pas Gohan LR, on invoque sur son portail? Je t'avoue que j'ai même pas regardé son portail. Il y a un portail avec Gohan LR et Cell, c'est ça? Ouais, ils ont fait un portail avec Cell et Gohan. Après, c'est risqué, le problème de ce genre... Moi, je suis pas fan de ces portails-là, vraiment. Hein. Je suis vraiment pas fan. Hein. À la rigueur, je te dirais, si t'as pas de, si t'as des pièces rouges de côté, à la rigueur, utilise-les, mais... Pff, ce genre de portail, franchement, j'ai très peur, surtout qu'il n'y a même pas de promotion. Ouais, il y a même pas de promo et t'es même pas garanti de quoi que ce soit. Pff, en vrai, dangereux, hein. Vraiment très très dangereux. Hein. Vous allez bien pour ceux qui arrivent? Théo, Marshall, Polo, salut, salut Ahmed aussi, ça va et toi? Franck, pareil. Comment va Bordeaux Rouge sous une pluie? Comment va le chat? Bah écoute, Bordeaux Rouge, je pense que ça se porte plus ou moins bien. Mais écoute, ça va et toi? Alors attendez deux secondes, je mets juste un message sur Twitter et on y va. Hein. Tu vas faire quoi après sur Twitch? Hotguard Legacy, je l'ai toujours pas terminé, faut que je continue d'avancer parce que là vraiment, vraiment j'abuse. Alors du coup, on est en live... YouTube Thing, hop ZLR Gohan et Cell, hop, parfait, je mets juste la miniature dessus et on est bon. Alors tac tac et le petit hashtag Dokkan, c'est vrai que je l'oubliais celui-là. Battle God Dokkan Battle. Voilà, parfait. Normalement, enfin normalement, ça partage bien au bon endroit. Enfin, j'espère. Attends, parce que le lien, je suis même pas sûr. Si, c'est bon, c'est ça. C'est le bon. Ouais, si, c'est bon, c'est bon. Putain, elle est bonne la qualité aujourd'hui, non? Je sais pas, elle est bonne. Hein. T'as fait le Goku LR puissance. Ouais, c'est bon, je l'ai monté, les gars. Je me suis fait une petite équipe, d'ailleurs, pour tester vite fait. Voilà l'équipe. Enfin, après, il y aura des trucs modifiables, mais ça, c'était pour monter les liens, du coup. J'en ai profité. Du coup, on la éveille. On a 55% et on a monté un peu les liens niveau 5-6. Donc, on va pouvoir le tester aujourd'hui directement avec, ben avec le Gohan. On va pouvoir le tester avec le Gohan et voir un peu ce que ça donne, quoi. Il va envoyer un lien sur une vidéo de chat. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, Tanguy, ça va et toi? Tu vas bien aussi? Ça va en forme? C'est quoi tes plus grosses cartes Dragon Ball? Oh, je sais pas, il y en a tellement des cartes. Franchement, je saurais pas te dire une précisément ou quoi que ce soit, quoi. C'est bon, j'ai vu ta chaîne. Ah, ben parfait, parfait, parfait. T'es mon youtubeur préféré, t'es un monstre, continue comme ça. Mais merci beaucoup Ahmed, c'est très gentil, merci, merci à toi en tout cas. Ça fait plaisir. J'ai trois du jeu Black Clover sur mobile. Bientôt, bientôt. Ah, ils ont mis le bataille de combo acharné.
Ok, alors j'ai pas suivi, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi, on va aller regarder vite fait. Il y a un truc qui a changé, le Goku Gohan, il lead à 170%, alors que Gohan en ZLR, le leader 180% après ZLR, donc pour le mieux possible, change ta team MDR. Ouais, t'inquiète, y a pas de soucis. Mais le Goku Gohan, il lead à 200% si jamais, hein. Il suffit que tu sois Saga de Cell et que tu sois famille de Goku ou Super Saiyan et t'es leadé à 200%. Les persos efficaces, ah, bah oui. Eh oui, et forcément. Alors attends, ça joue qui, ça joue quoi? Ouais, ah, ça joue le Gohan Int ici. Oh, que des Gohan, que des Goku Super Saiyan, alors ça c'est parfait. Par contre, ah, les Vegeta, waouh, je vais avoir un problème. Ah là, ça joue un Gohan, je sais quoi, c'est... Ah, mais ils sont ZTUR, non, eux? Bon, après, je peux jouer avec lui, là, comme... Eh, comment il a fait, lui, pour le jouer là et là? Je crois que tu peux pas, normalement, si. Normalement, tu peux pas faire les deux. À moins que je dis une bêtise. Ouais, il joue beaucoup avec le Gohan, les gens, mais je l'ai pas... C'est bien parce que je les ai pas ZTUR. Ça joue avec le Goku Agi. Ouais, en gros, faut que je fasse le ZTUR 2. Ok. Bon, bah alors, j'y touche pas pour le moment. On verra plus tard. De toute manière, nous, les gars, on va aller s'occuper bah, de faire, du coup, les ZLR. Et let's go. Il a deux fois. Si t'as deux exemplaires, tu peux... Et ouais, je les ai pas fait, eux. Ils sont arrivés il y a longtemps ou pas? J'ai même pas fait attention, en vrai, à quand ils sont arrivés. Bref, on va commencer par le Gohan. À choisir entre Gohan et Cell, je préfère commencer par Gohan. Salut Nolan, tu vas bien? Salut Genox aussi. Ça va en forme pour ceux qui débarquent? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Nickel. Allez, alors il faut quoi comme équipe pour les faire? Cyborg, Saga de Cell et de l'extrême, du coup. Ok, bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Lilian, si j'ai pas compris, c'est encore Windows là, je sais pas quoi. Enfin, Google qui s'est activé. Lilian, tu peux voir mon message, s'il te plaît. SN, c'est quoi ton message? Le Gohan, il tape 17 millions au KLM en transfo et je l'ai même pas 100%. Ouais, il va être abusé en fait. Il va être vraiment abusé. Eh ben écoute, on va voir, on va tester. Donc, on a dit Cyborg, Saga de Cell. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons en Cyborg, Saga de Cell? Je pense que nous avons normalement de. Ouais, on a de belles choses, hein. Cyborg Saga de Cell. C'est qui le meilleur leader, en vrai? Parce que lui, c'est un quoi, 150%? Est-ce qu'il n'y a pas des cyborgs comme ça qui sont même... Non, Saga du futur. Il n'y en a pas un qui lead à 200%? Genre lui, là, c'est combien? 170%? Ah si, bah si. 200%, lui, en vrai. Tac, direct. Lui, il n'avait pas eu le ZLR? Il avait eu un ZLR aussi. On peut le tester, en vrai, voir ce que ça donne. Je regarde... En vrai, je regarde un peu ce que je peux jouer, ce que je peux mettre côte à côte. Lui, je vais le jouer parce que c'est rare. Donc bon, faut du LR. Ah oui, c'est vrai qu'il faut du LR. Bon, là, j'en ai deux déjà. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre du LR, effectivement. Tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler parce que sinon, j'aurais fait n'importe quoi. Enfin, j'aurais fait... En vrai, c'est pas impératif d'avoir du LR, mais bon, c'est quand même mieux, quoi, c'est sûr. Yo, Nexus, tu vas bien aussi en forme? Pareil, Prudy, ça va? Tranquille. Le problème, c'est que s'il faut du LR, alors j'ai... Attends, lui, il est de type quoi? Extrême? Ouais, mais le problème, c'est qu'il va pas trop bien se marier là-dedans, en fait. Le problème, c'est que lui, niveau mariage, ça va pas être fou. Après, ça peut servir, ça peut dépanner. Je me dis que ça peut dépanner, tranquillou. Aïe, salut l'escroc des pubs de Genshin Impact. Comment ça, Jordan, l'escroc des pubs Genshin Impact? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, attendez deux secondes. Je suis trop con, j'étais en train de... Alors déjà, je me suis trompé de scène, et puis surtout, j'ai lancé avec un Gohan sur l'autre rotation, rien à voir. Hein. Rien à voir ce que j'ai fait. T'as récupéré les 1000 CC sur DB Legends? Pas du tout, j'ai strictement rien fait. Salut David, ça va aussi en forme? Tu vas bien? Je mets juste ça, attendez deux secondes, j'ai perdu le truc. Let's go. Allez, je vais quitter juste le mode parce que j'ai lancé sans faire exprès. Jeu mobile, voilà, j'ai lancé, donc je quitte en vrai parce que je me suis trompé, j'ai pris un ami leader de merde, donc laisse tomber. Lilian, c'est qu'à l'insu de Hot Girl Legacy, juste après sur Twitch. Alors juste après, d'abord je ferai une pause, j'irai manger et ensuite on ira sur Hot Girl Legacy. Et ce soir il y a une conférence Sony aussi, et eh bien on regardera ça en live, on regardera ça en live. Salut le pouf souffle, bien, ouais Bedkou, ça va et toi? Le pouf souffle, ça y est, j'ai une réputation comme ça maintenant, pouf souffle et tout, putain c'est terrible. C'est quoi ton jeu préféré? Ah je sais pas hein. Tu manges où? Je mange nulle part, Sam. Je vais manger à la maison, en fait. Je peux pas venir ce soir. C'est vrai que j'ai oublié de t'envoyer un message. De toute façon, tu m'as pas recontacté, mais ce soir, en vrai, ça va être trop chaud. Parce que là, je live YouTube après Twitch et il y a la conférence PlayStation. Donc, du coup, je voulais pas la rater. Donc, si on peut manger demain plutôt, ça m'arrange. Ouf souffle, c'est le best en soi. Ouais, c'est le best. Je sais pas si c'est le best, mais... En tout cas, moi, je kiffe. Je suis bien. Hein.
On se verra demain. Bah voilà, bah demain, c'est très bien, demain. C'est parfait. Je suis Serre d'Aigle. Prudit et Serre d'Aigle. Incroyable. Tu vas faire du Tekken 8. Ouais, Tekken 8, bien sûr qu'on va en faire. Tu regarderas avec Nico ou pas? Peut-être, il m'a contacté, on va voir si, s'il est dispo ou pas. J'attends l'arrivée du Bardock Tech avec impatience. Il arrive quand, là? C'est lundi, non? Je crois que... Ouh, 7008. Je crois que c'est lundi que ça arrive, hein, le Bardock. Après, les gars, le portail du Bardock, c'est risqué aussi. Hein. C'est risqué, hein. Parce que du coup, il y a le Saiyan Day qui arrive bientôt. Bon, tu me diras, d'ici le 18 mars, t'as le temps de te refaire. Mais le portail va y ressembler, en fait. C'est le 1er mars. Ok, ok. Le 1er mars. Ok. Le 1er mars. Ah ouais, mais donc, c'est pas de suite, alors. C'est mercredi prochain. Mercredi prochain, ok. Oh, Marshall Wulong, ça va ou quoi? Tu vas bien? Je te conseille de skip, là. De skip quoi? Les gars, faut skip Bardock, la moitié des persos seront sur le portail du Sunday. Ben c'est ça en fait. C'est que c'est un portail qui au final est pas super rentable malheureusement. C'est un peu le problème, c'est dommage parce que en soi l'unité elle est sympa, il est loin d'être mauvais, il est même bon. Mais bon, voilà, le problème c'est que tout le reste à côté, bah... On a connu mieux quoi, on a connu mieux. 3-3, vas-y on va partir comme ça. Nanana. Alors c'est vrai que j'ai pas le pouvoir légendaire là qui va s'activer. Avec les deux LR côte à côte. C'est quand que tu feras le let's play sur Dragon Ball Z Infinite Ward? D'ailleurs, ah bah tiens, Sam, t'es dans le chat ou pas? Ah oui, mais non, Infinite Ward c'est sur PS2, je suis bête. Non, faut que je le fasse en émulateur Infinite Ward. Par contre, Sam, si t'es encore là, est-ce que t'as toujours les Rajin Blast sur la Xbox 360 ou pas? Je l'ai pas. Rajin Blast, t'as pas? Ah mais attends, peut-être que je peux avoir accès à sur ma Xbox Series S. Y a pas moyen d'avoir de l'émulation ou quoi? À quand du Mario Kart avec le viewer? Oula, Genox, c'est pas prévu ça. C'est pas prévu. Lilouche, petit avis sur. L'OEW de. Sur. De quoi? Hogwarts Legacy, c'est ça? Tu trouves pas que c'est un peu trop surchargé avec les 1000 épreuves de Merlin collectible? Non, bête coup, en vrai, plus il y en a, mieux c'est. Donc. Non, non, y a pas de surcharge, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Enfin, moi perso, je kiffe comme c'est. Ça me va, je suis content que ce soit bien. Qu'il y ait beaucoup d'activités et que ce soit pas tout le temps les mêmes en fait. Après, faut voir s'il a des promos, mais en toute honnêteté, si t'es free-to-play, faut skip, mon gars. C'est vrai que pour le portail de Bardock, les gars, c'est vrai qu'on disait ne pas forcément invoquer parce que les unités reviennent. Mais en vrai, Chopitito, tu fais bien de le signaler et de le faire remarquer, mais à tout moment, c'est vrai que s'il y a des promotions sur le portail, sur les trois premières multi ou sur la première, j'en sais rien, alors peut-être vaut-il mieux ne serait-ce que tenter un petit peu, tu vois, le temps de la promotion et après garder pour le reste. T'as les Rajin Blast, Sam, ok. Faudrait que je vois... En vrai, je voulais faire Infinite Ward d'abord, mais Rajin Blast, j'y ai jamais joué, je me suis dit que ça serait l'occasion aussi. T'es ma source d'inspiration sur YouTube, Lilian. Ah, carrément, Marshall Wulong. À ce point, je sais pas si je suis une source d'inspiration, mais en tout cas, c'est gentil, merci. Bardock, après un soir, il reviendra très probablement juste avant l'anniversaire. Après, si on part de ce principe-là, toutes les unités reviennent de toute manière, à un moment donné ou à un autre. Donc le but, c'est de vraiment choisir qu'est-ce qui nous est favorable par rapport à tel portail et par rapport à la date où ils arrivent. Ouais, t'inquiète, Sam, t'inquiète. TDLS lundi. Je pense Genox, ouais, je pense carrément, ouais. Tu préfères Dokkan ou Legends? Moi, je suis Team Dokkan, les gars. Hein. Je suis Team Dokkan, même si j'aime bien Legends. Team Dokkan. Team Dokkan. Après, c'est deux jeux différents. D'ailleurs, là, faut que je me connecte sur Legends. Ça va, la musique, elle est pas trop forte ou pas trop basse en fond? Ça va, en vrai? C'est Lilian, je commence. Attends, ça va. Vas-tu regarder Ouzer Bank? C'est quoi ça? Je connais pas du tout Loïc. C'est quoi? Le Guan et CLLR, ZLR sont ultra ouf, tu vas être choqué. Ah ouais, à ce point? Bah moi j'ai hâte de voir, hein, j'ai hâte de découvrir. Hein. Hâte de voir. Hein. Moi aussi je me suis lancé sur YouTube à cause de Lilouche. Ah ouais, Prudy, sérieux? Tu fais quoi toi sur YouTube? Enfin, vous faites quoi du coup pour ceux qui font des vidéos? Oui, depuis longtemps, depuis tes Xenoverse vidéos sont toujours de qualité, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, tu mérites le million, vraiment. Bon. Bah merci en tout cas, merci, merci beaucoup. On verra si un jour on va y arriver. Tu vas être choqué des dégâts de fou malade, je pense. Ah ouais, Anes, à ce point? Bah j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. J'espère que vous dites vrai. J'espère que vous dites vrai. D'ailleurs le Bardock SSJ1 de tu vas kiffer à l'époque, va obtenir son ZTUR avec Bardock Tech. Ah, bonne nouvelle ça, bonne nouvelle. Tu m'as répondu sur Insta, t'es vraiment un bon Lilouche. Bah je réponds dès que je peux, hein. Je réponds dès que je peux, bien sûr. Ah Thibaut, je t'avais pas vu, tu vas bien aussi? Je fais du Roblox, c'est pour ça que je t'ai envoyé un DM sur Insta. Ah, c'était toi, Prudy, ok, ok. D'ailleurs, faut que je tourne ma vidéo pour demain sur Roblox, là, pour la suite. C'est vrai que j'ai toujours pas tourné, donc demain, début de journée, je pense que je vais bombarder, hein. Je pense que je vais bombarder demain, début de journée. Faut que j'avance, là.
Faut qu'on farm, faut qu'on aille d'île en île. Voir un peu ce qui se passe ailleurs. Tu te souviens des dégâts du Super Vegeta? Le Super Vegeta puissance, alors je me souviens parce qu'il fait que des critiques déjà, et je me souviens que c'était des 3-4 millions à chaque fois, ouais. Minimum en critique, voire 2 500 000. Bloxfree. Ah, Bloxfree, c'est incroyable, les gars, en vrai. Franchement, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Oh, 8 millions. Ouf. Non, le sel ZLR, un doublon, 9 millions en valeur d'attaque. Après, le mien, il est... Je sais pas s'il est 100% mon sel. Je crois il est à 79 ou 90%, un truc comme ça. Ouais, c'est bien et tout, Thibaut. T'aimes vraiment bien le jeu Bloxfree? Ouais, franchement, Slowix, j'aime bien, hein. Je trouve pas ça... c'est pas le jeu de l'année, tu vois, mais c'est un petit jeu sur lequel tu as moyen de t'amuser, voilà, de profiter. Pendant quelques minutes, tu y joues une demi-heure par jour, un truc comme ça. Moi, je trouve ça rigolo. Elle va bien, Vivi, toujours. Ouais, t'inquiète, Marshall, y a pas de... T'inquiète. J'ai 5 doublons de Gohan de côté, MDR. Ah bah, t'es bien, là. 5 doublons de Gohan, t'es pas mal. Ah si, il est 100%, mon sel. J'avais pas vu. Il est 100%, donc c'est bon, c'est bon. Ça va et toi, Saphir? Tu vas bien aussi en forme? Ça va, ça se passe? T'as vu les ZLR, DLR des 5 ans? Oui, 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 apparemment, là aussi, c'est monstrueux, quoi. Parce que YouTube est fait pour toi, dire. Ah, carrément, YouTube est fait pour moi. Arrête, si tu me racontes. YouTube est fait pour moi. Ah, c'est YouTube, enfin, c'est moi qui suis fait pour YouTube, non? Pas l'inverse? Oh, Chilian, j'ai ZLR 100%. Bah, tu vas te régaler avec le ZLR, tu vas te régaler. Tu feras quoi le jour où tu passeras le million? Je deviens chauve. Ouais, on se fait un petit rasage de crâne, quelque chose comme ça, je pense. Ou soit on se fait une crête, je sais pas. On verra, on verra. Silent Day, t'aimerais voir qui? Pff, je sais pas, moi tout ce que je veux, c'est être surpris. Tu sais, Dokkan, je le prends un peu au jour le jour. Et à chaque fois qu'ils font une annonce, bah c'est là où je découvre et je me dis, ah oh, bah stylé ou pas du tout stylé, tu vois, ou Osef, quoi. Donc moi, tout ce que je veux, c'est être surpris et positivement. Voilà, c'est juste découvrir à chaque fois ce qui va arriver, sans avoir vraiment d'attente. Parce que en fait, déjà, moi, je voulais... aux 8 ans, je suis content, parce qu'il y a le SSJ3. Le Goku SSJ3 des 8 ans, lui, je l'attends très fortement. C'est quelque chose que j'attendais énormément. Je crois qu'il y a toujours pas de Kid Buu LR, par contre. Hein. Je crois qu'il y a toujours pas de Kid Buu LR. J'aurais voulu un Kid Buu LR aussi, mais il n'y a pas. J'espère un jour, ça viendra. CP25, il joue 100%, Thibaut. Ouais, t'es bien. Tu vas te régaler, hein. J'espère que tu auras le million fin 2023. La mine, tu forces un peu, hein. Le million, les gars, à tout moment, on l'atteint même jamais. Les gars, déjà, on est à 300 000, hein. C'est déjà bien. N'en demandons pas plus, hein. Enfin, si, demandons-en plus, mais restons à notre niveau, tu vois. Restons qui nous sommes, et c'est déjà pas mal. Et après, on verra jusqu'où on va. Les persos du Silent Day, il y a moyen que ce soit une dinguerie, il faut faire gaffe. Ah ouais, à ce point. Bah, après, si on regarde les deux précédents, on avait eu Broly, le Hint. Alors, il était pas mauvais quand il est sorti, il était même très bon, mais malheureusement, je l'ai eu beaucoup trop tardivement. Et l'année dernière, on a eu Meijin, et je vais pas vous mentir, le Meijin Vegeta, j'ai pas réussi à le drop l'année dernière, je pense qu'il y a la vidéo invocation, toujours sur YouTube, et je l'ai drop, franchement, il y a quelques mois à peine en arrière, et je le joue jamais, parce que j'ai pas de doublon, et... Ouais, en fait, je joue plus d'autres unités, en fait, entre-temps, c'est pas il est dépassé, mais il y a d'autres unités peut-être plus intéressantes qui sont arrivées, qui se jouent dans plus d'équipes aussi, et qui font que le Meijin, je le joue quasiment pas, quoi. Ouais, Jordan, ouais. Niveau 7. Bon, par contre, ça va vite, là, le... En vrai, j'ai une belle équipe aussi pour le faire, hein, le ZLR. Hein. Tu vas jouer au nouveau jeu Inazuma Eleven qui sort bientôt. Bah, écoute, dès qu'il sort, on verra si le jeu est de bonne qualité, moi, avec grand plaisir pour y jouer. Moi, les unités du Saiyan Day, je les ai jamais vraiment jouées. Bah, c'est ça, hein. Moi, c'est pareil, hein, au final. C'est vraiment pareil, j'ai le même souci, quoi, du coup. Ouais, il n'y a pas de spé... Ouais, pas de spé max, malheureusement. Bon, allez, je garde comme ça, mais bon. Je suis pas convaincu de la rotation, là. Que Vegeta MF? Le Vegeta MF, le multiforme? Mais le problème, c'est que lui, il a toujours... D'ailleurs, comment ça se fait que ce Vegeta, il n'a toujours pas de ZTUR? Attends, c'est lui ou Goku qui a pas de ZTUR? Non, je crois que c'est le Vegeta qui a pas de ZTUR, non? Le jeu 7DS, il sort en 2024, ça devient un peu long. Non, non, c'est 2023, normalement. Il va passer ZTUR au Saiyan Day, le Vegeta. C'est confirmé, ça, ou pas? Télécharger les vidéos et le compte Twitter est un bon moyen pour les jeux vidéo et les élèves qui ont fait un tour de mode avion dans le jeu. J'ai rien compris, Lolo Pro, mais pourquoi pas. Il y a un monde où son ZTUR arrive à ce Saiyan Day, sûrement. Bah, ça serait cool, en vrai, parce que depuis le temps, il mérite, hein. Il mérite, le Vegeta. Mm. Et ouais, non, il a pas.
Fais gaffe, sinon tu risques de te faire défoncer. Je crois qu'ils sont plus forts que d'habitude, tes adversaires. Oui, oui, je sais, mais en vrai, j'ai une belle équipe. Même s'ils sont plus forts, normalement, ça va. J'ai de quoi rivaliser là. Tu vois, on est au niveau 7. J'ai pas perdu beaucoup de santé pour l'instant, donc... ça va, ça va. Tu joues Goku Ultra Instinct. Ça fait longtemps, hein, les persos des 7 ans. Non, c'est 7 ans ou 8 ans. Non, des 8, des 6 ans, pardon. Perso des 6 ans, ils ont pris un coup de vieux quand même, hein, je trouve. Hein. Notamment le Vegeta. Hein. Goku, ça va. Mais Vegeta, c'est chaud. Hein. Ça va et toi, Ludo, tu vas bien? Likez un max, les gars. Ouais, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. De toute façon, il y aura la rediffusion comme d'habitude. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent les rediffs de live, et notamment quand c'est des ZLR comme ça, pour savoir quelle équipe faire, dans quelle équipe les jouer et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Voilà, ça coûte pas grand-chose, si ce n'est un petit clic sur le téléphone ou sur votre souris. Donc en vrai, n'hésitez point. Ça pronostique un Goku God pour le Saiyan Day, si c'est ça, je suis trop hype. Un Godku? Godku, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Tout dépend de ce qu'il fait, de comment il est, mais en vrai, Godku, ouais, ça peut être intéressant. Le Gon est trop fort. Hein. Bah, apparemment, le sel est très bon aussi. Hein. T'es un Road to 2017, retour sur Twitch, par pitié. De quoi, retour? Ah non, mais Ice, après, il y a Twitch après. Hein. T'inquiète, on fait du YouTube et on fait Twitch, t'inquiète même pas. Ouais, moi, bah écoute, ça dit qu'on est en train de faire le ZTUR de... comment ça s'appelle? Le ZLR, pardon, du Gohan, SSJ. Ainsi que du sel. Bardock est l'un de mes persos préférés dans le tome 18 de Dragon Ball Super, c'est le boss. Attention à pas spoil, Hunter, parce qu'il y en a qui lisent pas forcément Dragon Ball Super et qui attendent l'animé. Donc attention à pas dire ou à pas faire de bêtises. Le sel transformé est incroyable et le Gohan aussi, mais normalement, tu le finis facilement. Bien sûr, je le finis facilement, tu vas voir. Dommage que je pars pas en spé ultime, par contre ici, c'est dommage. J'espère que c'est un bête de perso, comme ça je peux stack. C'est pas un bête de perso. Ah d'accord, ok, Saphir, tu veux économiser tes pierres du dragon jusqu'à quand? Jusqu'à l'anniversaire, j'imagine. Il vient le 25 de ce mois-ci. Si à la coupole de Nîmes, il y a un concours de jeux vidéo, il y a Mario Kart, FIFA, Act, tu veux venir? Moi, j'y jouerai au championnat. Je pense pas venir, Marshall Wulonga. On est le combien? On est le 23, donc le 25, c'est dans 2 jours. Je suis désolé, dans 2 jours, malheureusement, je serai pas là, parce que dans 2 jours... À 20h45, j'ai ma séance au cinéma pour aller voir le premier épisode de Demon Slayer, de la saison 3 du coup, donc qui dure 1 heure je crois en plus, donc désolé, c'est mort, on ira voir Demon Slayer en priorité. C'est pas grave, t'inquiète, je t'en veux pas, ouais, j'espère. Hein. Elle est où la vidéo Bloxfruit là? Ah, Gogeta, bah, demain. En fait, j'avais zappé qu'aujourd'hui il y avait les ZLR, donc c'est pour ça, je fais ça aujourd'hui. Moi je dis un petit Godku End. Un Godku End? Oui, c'est vrai que des Godku, il y a du Tech, il y a du Int, il y a du Pui, il y a du Agi. Il y a pas de... Ah si, il y en a un Godku End. Il y en a un, mais il est nul. Il est vraiment horrible, en vrai. À l'ancienne. C'est un des premiers, d'ailleurs. C'est bon, je vois lequel c'est, ouais. Je visualise, là. Ouais, ouais. Bon, je pars pas en SP Ultime. Faudrait que le Goku SSJ 3 LR Tech, il ait un ZTUR. Le fameux... Point du dragon, ouais, carrément, ouais. Tu peux dire tu vas jouer à quelle heure, comme ça je te rejoins. En vrai, me rejoins pas, hein, sur Bloxfruit, les gars, il y a trop de monde, après c'est le bordel. Hein. Mais je sais pas encore, je vais y jouer en début d'après-midi, je pense, vers 13-14h. T'as récupéré les 1000 CC sur DB Legends? Non, Nate, je t'ai répondu tout à l'heure, pas encore, je me suis pas connecté à DB Legends aujourd'hui. Pas encore. Hâte de l'animé Dragon Ball Super. Mais on espère une reprise... J'espère une reprise à un moment donné, pas de date précise, mais ouais, ben là, ils ont tout l'arc Moro à adapter, ils ont l'arc Granola. Là, actuellement, dans Dragon Ball Super, au niveau des scans, ils sont en train de traiter d'un arc avec Goten et Trunks. Ça leur fait une bonne marche, tu vois, ça fait déjà 2-3 arcs en cours. Je pense que ça tardera pas, en vrai, hein. S'il y a un studio qui s'en charge, bah la Toei, quoi, mais ça serait bien, ouais, ça serait bien, ça serait bien. Attends, 2 secondes, ça me gratte l'oreille, hop. Non, Hunter, je connais pas du tout ce manga. Ouais. Oh, bah parfait ça. SP Ultime. Lien, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de faire des vidéos en premier sur PS4 quand on n'a pas d'ordinateur? Bah, tu peux, bien sûr. Tu sais, moi, mes premières vidéos, elles ont été faites sur la Xbox 360, qui était l'équivalent de la PlayStation 3 à l'époque. Donc, bien sûr, tu peux. Hein, t'es pas obligé de faire sur PC. Tu dirais que t'as joué combien de temps à Dokkan?
Alors là, c'est ça, je sais pas, mais c'est une bonne question, ça. Je sais pas du tout. Je sais pas. La saison 2 de Tokyo Revengers, non, parce que j'ai toujours pas regardé la première. Ah, je suis pas Tokyo Revengers, j'ai les mangas à la maison, mais l'anime, j'ai jamais regardé. Faudrait que je m'y mette un jour, mais actuellement, j'ai trop de choses à regarder, donc compliqué. Pour moi, l'anime de SNK, c'est une honte. Ouais, bah alors, c'est que pour toi, Hunter, hein, c'est que pour toi. Hein. Ton premier compte perdu. Ouais, Saphir, le premier compte perdu à l'époque de Dokkan en fin 2015, avec le Guan SSJ de type Int. Je m'en souviens de l'arc de boue, là. C'était mon premier SSR. Mais du coup, on l'a perdu et on a recommencé. On a eu Goku SSJ3. Pareil, de l'arc de boue puissance. Je l'avais perdu, je crois, en janvier. Genre 2-3 mois après. Salut Alexis, tu vas bien? Tu pourrais faire du Son of the Forest, Lilouche. Nikto, je connais pas du tout l'univers. Mais je sais que c'est sorti... Attends, c'est sorti aujourd'hui, non? C'est ça? Ou ça doit sortir? Il y a un délire comme ça. Je crois que ça doit sortir aujourd'hui. Donc, à voir. Après, moi, j'attends les premiers retours parce que le jeu, il est en phase d'alpha. Il n'est pas vraiment sorti. Il m'a mis une esquive ou c'est moi qui ai mis... Ah, c'est moi qui ai mis une esquive. Incroyable. Ton compte Jap aussi où tu avais braqué le portail de SVAJ Coquin. Putain, ça date, ça, la merguez. Hein. Ça date, hein. Le fameux Végéto, là. À quand une vidéo avec Shiny et Yekeis? Bah, vous inquiétez pas, ça sera dans un mois, le 18 mars. 18 mars, Saiyan Day. Il y aura le triple duel invocation pour l'unité vedette. Voilà. Ah, il sort à 18h le Son of the Forest? Vous avez pas peur que les serveurs ça crache? Parce que je pense il y a moyen que ça merdouille un peu, non? C'est mieux que tu fasses tes vidéos sur YouTube, Twitch c'est bien, mais trop de bugs, j'apprécie la qualité. Bon, ça bug pas Twitch, Nkous, qu'est-ce que tu racontes? Ça va Twitch, en plus c'est pas des vidéos, c'est des lives. Alors Yacine, je sais même pas c'est qui. Tu me parles d'un mec, je sais même pas c'est qui. La collab Chainsaw Man x Nikkei. Oui, c'est vrai qu'il y a une collab. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est bizarre, ils m'ont pas demandé de faire de vidéo dessus. Je suis assez étonné, parce qu'en général, dès qu'il y a des collabs ou quoi, ils sont plutôt chauds. Mais en plus, avec Chainsaw Man, ça aurait pu être pas mal. Bon, ils m'en ont pas parlé. Tu peux en trouver à combien des caméras PS4 les moins chères de bonne qualité? Ah, des caméras PS4? Alors là, je sais pas à combien ça coûte, ça. Franchement, je sais pas, ça doit coûter quoi? 80€, même moins aujourd'hui. Je pense que tu dois pouvoir en trouver entre 50 et 100€. Hein. Ta live, Outgore Legacy. Ce soir sur Twitch, aux alentours de 21h un petit peu avant. Genre 20h30. Ça va te mettre dans la sauce. Ah ouais, par rapport à qui? Par rapport au mec là de Twitter là? Je sais pas, mais moi je sais pas c'est qui lui. Hein. Le mec des bannes là, je sais pas quoi, je sais pas c'est qui. Hein. Ouais Lolo, non, je me souviens pas c'était qui. Tu viens d'arriver, c'est ça? Mais bienvenue sur la chaîne YouTube, hein. Bienvenue. Hein. C'était il y a 10 ans ta première vidéo. C'était il y a même plus, c'était il y a 11 ans maintenant. Hein. Eh ouais, le temps passe vite, c'était il y a 11 ans. Allez, le niveau 10, c'est parti. En vrai, c'est bien parce que là, ça fait grave des DS. Les ZLR, pour ça, c'est... Quand t'en as deux qui arrivent en général, tu sais que t'es refait en DS, quoi. Bonjour, Camonde. Ouais, la merguez. Salut, Camonde. En ce moment, je joue que Outgore Legacy, c'est trop bien. Le jeu est incroyable, tu m'étonnes. Le jeu est vraiment incroyable. Oula, il y a les paroles derrière. Je sais pas si c'est pas une... S'il y aura pas des problèmes de droit d'auteur avec ça, j'espère pas. Le problème du contenu, les ZLR. Ouais, les ZLR, en vrai, ça fait plaisir quand ça arrive. Surtout que, en vrai, on va pas se mentir, hein, Dokkan, on est un peu dans une période un poil creuse, là, depuis quelques temps. Donc, en vrai, petit ZLR, on dit pas non. Vraiment, on dit pas non. Enfin, je dis période creuse. En vrai, on est en quoi, là? On est mi-février, donc depuis le nouvel an, quoi. En vrai, ça va. Vive un Naruto Storm 5 avec Boruto. Alors, Naruto Storm 5... Peut-être, mais dans l'immédiat, on sait qu'il y a un nouveau jeu Naruto Storm en préparation, puisque il s'appelle Naruto Storm Connection. Le nom a été déposé. Le nom a été déposé, mais on n'a aucune info. Sinon, mis à part Dokkan, quelles sont tes opinions politiques? Yacine, frérot, mes opinions politiques, j'en ai strictement aucune. Je t'avoue que je ne m'y intéresse que de trop loin à tout ce qui est politique. Toi, ça se voit, tu poses des questions, tu veux... Ouais, j'avoue, tu cherches un peu la merde, en vrai. Mais en vrai, en termes de... Franchement, j'ai pas de position particulière. Je ne suis intéressé à la politique que de trop loin, en vrai. Je préfère me concentrer sur mon contenu et vivre à la fin du mois que sur la politique, à choisir. J'ai pas trop le temps pour la politique. On verra dans des années. Voilà. Ouais, t'inquiète, la merguez. Tu pourrais faire du Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch? C'est sur quoi? C'est sur Nintendo DS, ça, non? Il n'y a vraiment que sur YouTube que ça peut demander de ses opinions politiques. Ouais, non, mais les gens trollent comme ça. Voilà, je sais qu'en général, c'est beaucoup sur YouTube. Ouais.
des triples random rush ou des triples change battle, Slowik, c'est pas prévu, non. C'est pas prévu. En fait, les gars, faut que vous compreniez une chose par rapport à ça, par rapport aux triples duels et tout. Alors, les triples duels invocation, oui, on continuera d'en faire. Il y en aura à chaque fois, vous inquiétez pas, il y en aura un par mois approximativement. Peut-être un peu plus, genre, enfin, un peu plus, genre un mois et demi, un mois. Mais des triples challenge battle, triple random rush, dans l'immédiat, laissez tomber, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que Shinny ne joue plus au jeu, ou très peu. Voilà, il n'a pas le temps pour ça, c'est, il n'a pas l'envie non plus. Donc en vrai, on ne peut pas faire des triples. Par contre, ce qu'on peut prochainement faire avec Kaïs, c'est un Dokkan Olympique. Dokkan Olympique, c'est quoi? C'est en live, challenge battle, random rush. On avait fait un troisième mode de jeu, mais je ne sais pas si on peut faire encore ou si on fera autre chose, quoi. On verra. Ça, par contre, oui, ça, c'est faisable. Ça me fait rêver, le jeu Naruto. Tu penses que le gameplay sera renouvelé ou modifié? Par rapport au Naruto Storm Connection? Ah, nous verrons bien. J'espère qu'il y aura de la nouveauté et que le jeu sera un peu plus ambitieux. Mais je sais pas. Moi, je veux juste être surpris à chaque fois. Hein. Non, la version Puni Puni, c'est une version dispo sur smartphone qui est au Japon, mais il existe une technique pour l'installer en Europe sur son smartphone. Ouais, coop quoi, Nikto, non? Pour Yo-Kai Watch, hein, tu parles, c'est ça? Putain, mais je suis revenu sur ta chaîne après un long moment, j'ai vu du Bloxfree, j'ai cru voir, j'ai cru je voyais triple. Ah, Blue Aizen, ben en fait, pour t'expliquer le contexte de comment j'ai commencé à jouer à Bloxfree, en vrai, c'est tout con. À la base, j'ai fait un TikTok où j'étais en live et je disais, enfin, j'essayais de visualiser quel pouvait être le meilleur jeu One Piece à l'avenir. Parce que c'est vrai que les jeux One Piece, franchement, en ce moment, c'est cataclysmique, quoi, c'est horrible. Donc, je réfléchissais et je proposais des idées et tout, je parlais de ça. Et en fait, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont repris le... Enfin, qui sont venus commenter en me disant « Ouais, ça existe déjà sur Bloxfree. » Alors moi, je connaissais pas du tout. Je me suis dit « C'est quoi Bloxfree ? J'ai jamais entendu parler. Comment ça, il y a un jeu One Piece de fou et tout ?» Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur Bloxfree. J'ai lancé par curiosité. Et en vrai, bah, le jeu est cool, hein. Le jeu est cool, hein. Franchement, c'est cool. Par contre, vrai de vrai, je m'attendais pas à autant d'engouement. Parce que il y avait grave du monde. Enfin, sur les deux vidéos que j'ai fait, 17 000 vues, je crois, les deux. Plus de 200 commentaires à chaque fois. C'est du hold-up, hein. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de joueurs et autant d'intérêt, tu vois. Vraiment. Ouais, Nikto, bah, on verra. Ouais, Bloxfree, Kamel y a joué, il y a peu le jeu, il est lourd en vrai, c'est grave complet. Ah, c'est pour ça aussi qu'il y a du monde, ok. Le jeu parfois, tu atteins les 1 million de joueurs, c'est ouf. Ah ouais, à ce point, boah, c'est un délire, hein. C'est un délire. Après, à l'inverse, la dernière vidéo que j'ai faite, à la toute fin, si tu regardes, il y avait un perturbateur, il y a un mec, il est venu, il farmait tout. Je pouvais pas farmer, je pouvais plus monter en niveau. J'arrivais, il tuait tout le monde, il fracassait tout en fait, tu vois. Et c'était un peu relou, quoi. Tu peux montrer quel team pour Gohan? Ouais, je te montre ça juste dès que j'ai terminé le run, de toute façon. Je te montre ça dès que j'ai terminé le run. Ah bah attends, même pas, regarde, je peux te montrer ici. De toute façon, on a terminé, mais regarde. Voilà, là, t'as l'équipe que du coup on utilise pour faire le Gohan ZLR. Après, t'as les serveurs privés. Ouais, faudrait que je vois en serveur privé, à l'air guerre. Ouais, en vrai, les ZLR, ils sont aise. Bah, ça dépend, hein. Tu dis ils sont aise, ça dépend, parce qu'il y en a, ils ont une box avancée, oui, mais ceux qui ont une box... qui débute le jeu depuis quelques mois à peine, à tout moment, c'est pas simple non plus. Hein. Lilian, tu deviens joueur Bloxfree à partir d'aujourd'hui, MDR, tout pour les vues. Ça y est, c'est fini, je vais m'appeler Blox Lilian, je vais faire une chaîne que du Bloxfree, c'est bon. Let's go, tous les jours, une vidéo Bloxfree, tous les jours. Pfiouf. T'inquiète. Il y a aussi Grand Peace Online, mais c'est dur. Ouais, on m'a expliqué ouais, qu'il y avait d'autres jeux One Piece, faudrait que je teste hein, en vrai. Hein. Je testerai à l'occasion en vidéo. Je testerai à l'occasion, ça peut être sympa. Refais du Xenoverse 2. Bah, j'en fais déjà, t'inquiète, il y aura un live de prévu fin de semaine ou début de semaine prochaine. Xenoverse 2, objectif rang Z, on continuera les quêtes qu'on n'a pas terminées. Ça fait plaisir que tu rejoues à Xenoverse 2, surtout que pour ce jeu incroyable, mais ça serait bien que tu joues en live pour jouer avec les abonnés. C'est prévu. Lithian qui atteint les 30 millions d'honneurs et qui passe amiral en chef MDR. Mais bien sûr, Blue Aizen, t'es pas prêt en vrai. T'es pas prêt, hein. Salut Oden, ça va ou quoi? Du coup, tu nous as pas dit ce que tu penses d'où ça marche, je sais même pas c'est qui lui. Je sais pas, Yacine, frérot, mais écoute, dans le doute, vu que t'es un peu relou, hop, voilà. Dans le doute, Yacine, vu que t'es relou et je sens le merdier arriver, je préfère te bannir rapidement.
Ouais, je sais pas, Merguez, en vrai, si je ferais des lives sur Bloxfree, je sais pas. Après, vu que c'est un jeu à full XP, je me dis en live, ça peut être pas mal aussi. Vraiment, ça peut être pas mal. Bon, niveau terminé pour Gohan. On va les ZLR, au moins c'est fait. Et on va aller faire celui de Cell. Envoyer les petites DS ici, ça fait toujours plaisir. Tu as Sonic Frontier sur PS5 ou pas? Ouais, je l'ai, mais j'ai pas beaucoup, beaucoup joué. Tu vas voir le match de ce soir. Non, je pourrais pas, je serai en live. Je regarderai de loin ce qui se passe. S'il te plaît, arrête les lives YouTube. Je vois mes messages. Attends, je vois des messages. T'as peur, les gens sont plus matures sur Twitch. Jukban, tu sais, je continue Twitch, hein. Après, YouTube, on le sait, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais en vrai, on continue Twitch, bien sûr. Et si jamais il y en a qui ne me suivent pas sur Twitch, bah n'hésitez pas à passer. Normalement, il y a le lien. Ah non, il y a peut-être pas le lien dans la description. Je sais pas si je l'ai mis, attends. Si, il y a ma chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à checker parce que, en vrai, je fais toutes sortes de jeux. Ce soir, on va jouer au jeu Harry Potter, par exemple. On va regarder une conférence PlayStation pour voir les futurs jeux qui vont arriver. Et on fait vraiment tout plein de jeux différents. On fait du Mario Kart là-bas, on fait du FIFA, on fait... Bon, Dokkan, j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais on fait du Harry Potter. Là, on a fait Atomic Hearts aussi, un jeu qui est arrivé dans le Game Pass. On fait vraiment tout plein de jeux, donc n'hésitez pas à passer, ça fera plaisir. Le sel, attends, il faut quoi comme équipe? J'imagine Kamamea. Ouais, Kamamea est de type super, si possible. Ok. Allez, c'est parti. MK le lundi et dimanche. Ouais. Allez, let's go alors. On a dit, c'était quoi, Kamamea? Kamamea, ça va être... ça va être sympa, Kamamea. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, même, Kamamea, d'avoir un leader 200%? Ah oui, mais il faut du LR. Eh ben écoute, s'il faut du LR, écoute, on va y aller simple et classique et efficace. On prend lui. Ben vas-y, on va tester le Goku, justement. On va mettre que des LR. Ah oui, mais ils sont Kamamea, eux? Comment ça se fait, ils sont... Ils sont quand même à quel moment sur l'attaque ultime? Ouais, c'est ça, sur l'attaque ultime, ouais. Okay. Ah ouais, mais il y a moyen de faire des sales équipes. Il me faut du endurance. Ouais, il me faut que du LR, attends. Tac, on va mettre LR juste. Oh, même en LR, voilà toutes les unités qu'il y a, c'est... Ça va être sympa, en vrai. Bah, tu sais quoi, on va y aller comme ça. On va y aller... il est où, Attends, je le cherche, je le vois pas. Il est où? Ah, il est là, voilà. Oh là là, je vais prendre le puissance ici, lui, il est incroyable. C'est une machine de guerre, en vrai. Et ouais, Vinman, il demande comment tu vas. Ah, ben, on va bien, Thibaut, et lui, comment il va? Ça serait bien de pouvoir fusionner les cartes UR entre elles, en gros, qui sont compatibles. Je sais pas c'est quoi cette mécanique, mais ça serait bizarre quand même un peu, non? Enfin, je sais pas, ça me paraîtrait un peu bizarre. Je mets qui en dernier, je réfléchis. Là, je joue des unités un peu de cœur, donc... bah de l'endurance, en vrai, je vais mettre en dernière. Allez, je mets de l'endurance, c'est parti. Je mets de l'endurance. Prends le Goku ZLR. Non, mais même pas, regarde. En vrai, j'y vais comme ça. Je prends de l'endurance, vu que c'est du int en face. Je vais l'atomiser, hein. Je vais l'atomiser. Le Goku puissance, il rentre dans quelle équipe? C'est quoi? C'est prodige de combat, non? Je sais plus, je crois que c'était ça. Ok, alors, est-ce qu'on a du lien ici? Ouais, 3-4 liens, c'est pas mal. Attends, et avec lui? On a que 2 liens avec lui. Oh la tristesse. Mais tu sais quoi, on va le tester direct. Hop, c'est parti. 4 liens de côté. Spé ultime. Ok, let's go. En vrai, je pense que le ZLR du Cell va être beaucoup plus rapide que celui de Gohan. Et encore, déjà, il était rapide à celui de Gohan. Mais là, avec l'équipe que j'ai. Ah, mais j'ai même pas ZLR le Gohan, je suis bête. Attends, je vais me stopper après. Et voilà le one turn. Ah oui, bah là, c'est one turn, c'est clair. Là. Bah, 6 millions déjà. Plus après le. Voilà, lui. Et là, c'est terminé. Adieu, Cell. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, merci, merci d'être passé. Combien de dégâts juste? Qu'on rigole? 23 millions. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Hein. Attends, je vais ZLR le Gohan, attends. Comme ça au moins ça me permet de voir déjà. Bon après il y aura un gros boost, hein. Il y aura un gros boost, mais... je veux juste voir et rigoler quand même un coup. Bye bye Cell. Ouais non mais là c'est... Là cette équipe en vrai c'est nimp. Hein. Le duo SSJ4 lui arrache la gueule même niveau 10. Ah non mais c'est... C'est honteux, hein. Vraiment c'est honteux. Alors, éveil. Non, merde, je suis con, c'est pas là-dedans. Ah, j'ai fait n'importe quoi. C'est dans renforcer, dans éveil. Cette fois-ci. Ouais, let's go. En vrai, Gohan, il est pas très fort. Ouais, d'accord. Hein. Gohan, il est pas très fort, il nous a dit. Hein. Gohan n'est pas très fort. Bah, pourquoi pas. On aura tout entendu. J'ai pas de Gohan LR de côté. Ah, c'est dommage. Oh, j'en ai 290 des comme ça. Attends, je vais en mettre. Vas-y, je vais en mettre. Allez, 15, je pense que ça suffit normalement pour monter de 5 niveaux.
normalement. Quoique, c'est pas sûr en vrai. Hein. Je savais même pas. Ouais, j'ai pris plus 5. Quoi. En vrai, tu vois, j'avais peut-être pas besoin d'en mettre 15. J'ai un peu abusé. En vrai, j'ai un peu abusé de mettre 15 là. J'aurais dû mettre moins et 10. En vrai, ça aurait été bien. Là, j'ai gaspillé des vieux Kai. Tellement j'en ai 290. Le Gohan ZLR, c'est top 5 sur la Jap. Ah, tu vois, comme quoi. Alors, si sur la Jap, c'est top 5, sur la Glow, ça doit être sympa. Par contre, attends, en vrai, ce Gohan, je l'ai strictement pas respecté. Et ça, c'est vraiment pas cool. On va aller dans potentiel. Faut que je regarde ce qu'il fait en ZLR, du coup. Augmente la défense à l'infini. Ok, comme d'hab, ça bouge pas. Est-ce qu'il a des chances de... S'il y a un ennemi de catégorie cyborg, grande chance de coup critique. Ouais, donc c'est le même principe. Spé supplémentaire, full attaque sup. Ouais, ben voilà, ouais. C'est... j'ai capté, ouais. Full attaque sup. Eh bien, écoute, allons-y, full attaque sup. Après, on peut mettre un peu de critique aussi, non? Si je lui mets un 5-5, il mérite en vrai. Il critique en SSJ2. Ah, il critique. Ok, bah dans ce cas-là, ok, je vais pas mettre ça alors. Je vais mettre ça, je vais booster l'attaque SP. Vas-y, let's go. Banks. Allez, let's go. Et en argenté, on va voir. Bien sûr, il mérite. Ouais, mais s'il full crit, déjà, il y a pas besoin. Par contre, ah, j'ai pas de truc SP supplémentaire ici. Ah, si, niveau 4, avec de l'esquive. Ah, c'est pas la folie en vrai. Hein. Après, esquive, bon, c'est toujours ça de prix, mais j'ai que ça en. J'ai que du crit en fait, c'est bizarre, hein. J'ai rien d'autre. J'ai pas de spé supplémentaire. Ah si, là j'en ai un qui booste la défense. Bah, vas-y, parfait, allez, je lui mets ça. Mets l'équipement HP en vrai, ça sert à rien. Ouais, ouais, l'équipement. Mets autre chose que l'équipement. Oui, oui, non, mais je sais, mais lui c'est ce que j'avais mis au départ. Je crois qu'en vrai c'était quand les orbes venaient d'arriver tout au début. J'avais à peine équipé ça comme ça, mais en vrai, oui, oui, on s'en fout, on s'en fout. Par contre, j'ai pas d'attaque spé supplémentaire encore. J'ai du critique, mais c'est tout, hein. J'ai que du crit, donc en vrai, je sais pas quoi mettre ici. Hmm. Est-ce que je mets de l'attaque? Est-ce que je mets... Est-ce que je mets autre chose? 500 def en plus, allez. Défense? Ouais, défense. Full def, vas-y. Allez. Un petit niveau 5 de def, là. C'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Là... Là, il est respecté comme il se doit, là. Ok, vendu. Sachant qu'il est full lien 10 partout. Oh, j'espère que je vais réussir à faire la rotation que je veux avec le Goku, la puissance, sur n'importe quel niveau, voir les dégâts, en vrai. Attaque, ça sert à rien en bronze. Ah ouais, c'est la défense en bronze, c'est les meilleurs équipements possibles entre attaque et point de vie, c'est ça? C'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude qu'en général, je mets attaque, mais si vous me dites que défense, en général, c'est mieux, ok. Salut Lilian, j'espère que ça va. Je voulais savoir comment t'as eu les sphères avec les signes infinis dessus. Alors là, je pense que c'était des events ou des conneries comme ça. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. Ou soit... Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Sinon, je sais pas. Hunter, arrête de spammer. Il est où, Hunter? Qu'est-ce qu'il a, Hunter, encore? Les trois premières saisons de la SNK sont incroyables. La saison 4 est pleine de parties, c'est chiant. Oui, bah ça, on le sait, on le sait, on le sait, ça. Bon, bah let's go, hein. Allez, on y retourne. C'est parti. Bizarre live sur YouTube. Ça fait bizarre, Red Shiro, t'as plus l'habitude ou quoi? Stylé le pull t'as la ref. Ouais, c'est Jujutsu Kaisen, c'est Celio, 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 Jujutsu Kaisen. Alors en termes de lien, ah ouais, c'est 0 ici, ok, et là, ah là on est bien là. Là, on est au max. Ok, par contre, ah, y a pas de spé ultime. Oh, attends. Et si je fais ça, est-ce que en faisant ça, on peut avoir de l'aspect ultime? Je pense que oui. Ah oui, 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 on a carrément spé ultime ici. Voyons voir un peu les valeurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais lui, je crois qu'il aura plus. Ah non, même pas, j'ai rien dit. Il a beaucoup moins en fait. Ok. T'as ZLR, Godku. Godku, lequel Godku? Le ZLR. ZLR, Godku. Oui, 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 le Hint. Bien sûr, on l'a testé en vidéo d'ailleurs. C'est Lilian, t'aurais besoin d'un monteur par hasard? Si oui, je t'enverrai certainement un mail pro. James, tu peux toujours envoyer. Après, besoin d'un monteur pas spécial. C'est qui a lâché 16 millions? J'ai pas spécialement besoin. Mais parce que pour quelques vidéos, ça peut toujours être utile. Après, je bosse déjà avec quelqu'un en général quand j'ai vraiment besoin. Mais je préfère faire les montages de moi-même parce qu'en général, monteur vidéo, bah, faut rémunérer quand même. Et en vrai, je me dis, bon, même si ça sera meilleur que moi, je peux me débrouiller, tu vois, en général. Donc bon, sauf si vraiment il y a une vidéo spécifique où je veux du montage. Dans ce cas-là, ok, quoi. Conférence PlayStation, tu t'attends à quoi? Bah, je m'attends pas à grand-chose vu ce qu'ils ont annoncé, mais on verra bien, hein. Mais regarde sa défense, surtout quand tu as testé dans le endgame, tu vas halluciner. Ouais, mais je sais que là, le Gohan, c'est pas le meilleur endroit pour le tester, je sais. Hein. Je me doute bien, j'en suis conscient. Là, c'est juste pour faire le ZLR, tu vois, que je le mets comme ça. Déjà, pour débuter, il a 161 000. Bon, c'est pas mal.
On verra après un tour, mais ça risque d'être sympa. D'accord, j'envoie un mail à droite à gauche. Merci pour ta réponse. Avec plaisir, James, avec plaisir. T'en penses quoi de Zakaria qui joue à Toulouse? Meruem, bon. Bon. En vrai, il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf. Et garde en plus. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton animé préféré? Enfin, j'ai toujours dit Dragon Ball Naruto, les gars. C'est... Voilà, Dragon Ball Naruto. Après... Après, j'aime beaucoup My Hero Academia aussi. Hein. My Hero Academia, incroyable. Hein. Trop bien, My Hero Academia. Envoie-moi ta luck, Lilian. Je fais mon dernier step sur le Gwen de la Jap. Maluk, merguez, Maluk. Ah, je crois que t'es pas allé sur le bon live, hein. Je crois que tu t'es trompé d'endroit, mon pote, hein. Ah, Maluk, il a dit. Ah ouais, non, c'est pas chez moi, là, Luk, hein. Mais vas-y, hein, je t'envoie un petit bout, quand même. Je t'envoie un petit bout, hein, le peu que j'ai, hein. Je prends tout. Ah ouais, bah là, tu vas rien prendre, quasiment. Pourquoi tu joues plus à DB Legends? Alors, DB Legends, j'y joue toujours. C'est juste qu'en vidéo, c'est vrai que j'en fais pas. En fait, je sais pas, DB Legends, j'y joue, mais tu sais, je me connecte, je fais mes quêtes quotidiennes, je fais mes petites tours et tout, et basta. En fait, j'arrive pas à concevoir, quand tu fais du DB Legends, qu'est-ce que tu peux proposer tous les jours en termes de contenu? Ah tiens, il y a tel event qui est sorti, ouais, mais c'est du PvE, on s'en fout, bon, voilà, c'est pas un truc très intéressant. Allez, tu peux faire du PvP quand t'arrives à un certain niveau et tout, mais moi, j'ai pas un niveau de fou, tu vois, sur DB Legends. J'ai un niveau, il est giga moyen, donc en vrai, c'est pas intéressant, et tu trouveras bien mieux ailleurs. Vraiment. Le duel de la justice sur DB Legends, ça porte malheur. Ah, clairement, sur DB Legends, c'est une catastrophe. Hein. J'économise mes DS pour les 8 ans. Ouais, bah, Heatwave, t'as raison, hein. T'as raison, hein. DB Legends, c'est pas un peu pay to win pour le PVP? Bah oui, en vrai, enfin... En vrai, c'est dur de dire pay to win. Oui et non. Oui, dans le sens où plus tu as d'étoiles sur un personnage, plus le personnage est fort, et automatiquement, si les deux joueurs qui s'affrontent, ils ont exactement le même niveau de jeu... Bah forcément, celui qui a plus d'étoiles, son personnage, il va fracasser l'autre, c'est logique. Mais après, c'est une question, c'est oui et non, dans le sens non, dans le sens où un mec, il peut avoir un personnage en full étoile rouge, toi, tu peux l'avoir que 2-3 étoiles, et tu peux le démonter s'il a pas un bon niveau de jeu, tu vois. Donc, oui et non. Il y a un qui passe pour toi entre le Barça et United. Franchement, je sais pas. Je sais pas qui va passer, mais ça va être incroyable. J'ai rien drop, je vais tout casser. Je t'ai dit, Merguez, moi, c'est pas à moi qu'il faut demander de la luck. Hein. Tu t'es trompé vraiment de live. Hein. Oui, Samba, je sais, ouais. En vrai, DB Legends, faut savoir économiser des cristaux pour invoquer au bon moment. Ouais, et beaucoup plus que sur... beaucoup plus que sur Dokkan Battle. Hein. C'est... faut vraiment faire très attention. Ouais. Comment tu fais pour avoir des objets d'entraînement? Alors, je t'avoue que... Aujourd'hui, je fais rien de spécifique pour en avoir. J'en ai à l'appel parce que j'ai débuté le jeu il y a extrêmement longtemps et que t'as pas besoin de... Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'en farmer. Ça, voilà, j'ai tellement de réserves de côté que bon, j'ai même plus besoin d'y toucher, quoi. Dokkan, c'est plus facile de farm et de drop. Bah, en vrai, ça va, Dokkan. Moi, je trouve que c'est pas le pire jeu en termes de drop et tout. Hein. Franchement, ça va. Hein. En vrai, ça va. Ça serait cool, un Jump Force 2. Je suis pas pour un Jump Force 2, sauf si ils nous le font avec un style graphique vraiment adapté à tout ce qui est animé, manga, et avec un mode histoire intéressant, du contenu, beaucoup de personnages, et un gameplay qui tient la route. Salut Lilian, dans le chat, il y a des fans de Bleach pour savoir si, comme moi, l'arc Fullbring, vous trouvez pas que c'est court les épisodes au vu des autres. Court? Bon, c'est les mêmes épisodes, c'est 20 minutes, non Steven? Et Fullbringer, moi, c'est un arc que j'ai pas trop aimé. Même s'il est important... Personnellement, j'ai pas réussi à accrocher des masses dessus. En vrai, tu penses que Nantes peut passer la Juve? Possible, hein. Moi, ça m'arrangerait par rapport à FIFA que Monaco gagne aujourd'hui contre Leverkusen, vu que j'ai drop Voland, Kevin Voland, je crois il s'appelle. Donc en vrai, s'il gagne, il prend un up, ça me va. Un G-Star Victory 2, plutôt. En vrai, G-Star était mieux hein, par rapport à l'histoire, ouais, carrément, ouais. Vas-y, Niklos, ciao, ciao, bonne soirée à toi. Gogeta 1 ZLR supérieur à Gohan ZLR. Peut-être pas abusé, non, je sais pas, on n'est pas un peu dans la bulle, hein. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la bulle, hein. Je vais invoquer, j'ai besoin de ton ish-ish. Ah, de mon ish-ish, carrément. Tu crois que le ish-ish, il va porter bonheur? Je t'envoie ça, hein. Ish-ish, t'inquiète. G-Star, c'était incre... Ouais, non, non, mais G-Star, il était bien, en vrai, le jeu. Il était... Franchement, il était sympa, en vrai, quand... Quand je réfléchis, quand je repense un petit peu... Non, G-Star, il était vraiment bien, ouais. C'est quoi tes chips préférés? Ouf, mes chips préférés
Oh, c'est dur, hein. Je pense Pringles. Hein. Pringles sauce crème oignon, exceptionnel. J'aime beaucoup les chips au vinaigre aussi. C'est incroyable. Et les chips au poulet, hein. Franchement, les chips au poulet. Mais par contre, mes chips préférés, pas les chips classiques, mais les chips, tu sais, ondulées, bien craquantes, là. Ça, incroyable, ça, là. Oula. Ou alors ça. Attends. J'avançais un peu parce que j'avais peur des... voilà, j'avais peur de... Comment ça s'appelle? Des... droits d'auteur, là, avec la musique. Pringles, crème oignon, merci beaucoup, Lian. Ah, c'est incroyable, hein. Chips nature, la base. Ouais, c'est pas mal, mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé après des chips. Et même des chips nature. Chips à la moutarde à l'ancienne aussi, incroyable. Mais j'aime beaucoup les chips, tu sais, un peu ondulées, là. Les chips à l'ancienne, là, vraiment croustillantes. Vraiment, ça, c'est trop bien. Pringles, oignon, mon dieu. Comment ça, mon dieu? Tu sais que je déteste l'oignon, hein, mais les chips sauce crème oignon sont exceptionnels, vraiment. Oh, on a les deux. On a... Oh, 7 liens. Oh, 7 liens sur 7, les deux. Hein. On est à 7 sur 7. Oh, bon, on va se régaler, là. Allez, vas-y, je mets lui en premier. De toute façon, on craint pas grand-chose. Vas-y, tout le monde part en SP ultime. De toute façon, ici. Let's go. Oh, là, 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 là. On est bien, là. Oh, on est bien. Let's go, hein. J'ai envie de jouer à Bloxfruit maintenant que j'ai vu tes vidéos, là. Ah ouais, la merguez. Bah, teste, hein, tu te fais une idée par toi-même, au moins. C'est quand le retour de Fall Guys? Fall Guys, le retour, c'est quand? Bah, je sais pas, quand ils ajouteront du contenu, non? Peut-être, hein. Dinguerie, la Rota, oui, plus le Goku donne 50% de def en support. Ah, c'est incroyable, en vrai. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, la carte, en vrai. En vrai, le LR, il est incroyable, hein. Franchement, je style. Je kiffe le style un peu à l'ancienne sur l'aspect, là. 7 millions 9, ok. On encaisse. Et Gohan, qui va y aller de son plein potentiel. J'ai eu 3 SSR nuls. Ça sert pas, le ish ish. Bah, en ce moment, je suis cassé. Hein. En ce moment, les gars, j'ai pas de chance. Hein. Lilouch, c'est le Gogeta Inde ZLR qui lui a lâché un 16 millions. Ah, ok, ok, ok. Bah, après, c'est, il est Inde aussi, donc normal qu'il fasse plus de dégâts, quoi. C'est quand la prochaine vidéo dégustation japonaise avec Vivi? Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos dégustation, mais je sais pas. Bonne question, je sais pas. Moi, je suis allé voir le concert Naruto à Lille, c'était une dinguerie. Ah, à Lille. Moi, je l'ai vu à Paris. J'ai trouvé ça trop long. 3h30 avec une entracte et tout. J'ai trouvé ça, genre, un poil trop long. Ça m'a un peu saoulé, en vrai. Ça m'a un peu saoulé. Mais c'était pas mal. Là même, je trouve que les oignons dégueulasses, mais les Pringles, maman, le bonheur. On est d'accord, Joss, hein. On est d'accord. Hein. C'est quand le vlog mariage. On n'est pas mariés, c'est pas prévu, ça. Nanana, t'es à date, cette OST. Nanana, c'est dans un jeu, ça, c'est Budokai 3, je crois. Le doigt de la justice, s'il te plaît. Allez, vas-y, mon pote. C'est pour toi, c'est ton moment, là. C'est Lilian, t'as regardé l'anime Valkyrie Apocalypse? Alors, j'ai pas regardé, mais je connais le synopsis. Les dieux qui se tapent contre les humains, qui veulent punir les humains, tout ça, ils veulent les condamner à mort, mais ils utilisent une loi, je sais pas quoi, qui fait qu'ils ont le droit de se défendre. Et du coup, les Valkyries combattent pour les humains, c'est ça, non? Un truc dans le style. Eh ouais, on est sur YouTube, Salim! C'est incroyable, non? On est sur YouTube. D'ailleurs, attends, on est combien? 300 sur le live? On a combien? 167 pouces bleus? Je suis un peu déçu, hein. Je pensais que vous seriez un peu plus généreux, mais... Vas-y, j'accepte. Faut lire Valkyrie Apocalypse parce que l'animé, il pue un peu. Ah ouais, à ce point? Le manga dinguerie, par contre. Ouais, faudrait que je voie un manga. C'est qui l'édite, en vrai? C'est qui édite à Valkyrie Apocalypse? Je mets mon like. Bah, Kirito, tu peux! Ça ferait toujours plaisir. Puis c'est quoi, un like? C'est un clic. Merci, au revoir. C'est juste clic. Et voilà, c'est bon. Là, on est à combien? 195? Si on arrive à faire 200, ça sera bien, déjà. En plus, pendant le concert de Naruto, il y avait la finale du foot. Ah ouais, bah, pff, ouais, t'es pas y allé au meilleur moment, toi. Ou quoique, si, ça peut être le meilleur moment. Enfin, ça dépend, ouais, quoique, ça dépend. Bonjour, je viens de faire une multi Twitter MDR, une multi 4 Gohan ZLR. Sérieux, Zozo? Incroyable. Bah, GG, ça. T'es de Toulouse. Ouais, Outlaw, on est de Toulouse. Bordeaux rouge. Bordeaux rouge, Bordeaux rouge. Salut, oh, Lilian Le Corps, ça va ou quoi? Tu préfères Budokai Tenkaichi 2 ou Tenkaichi 3? Alors... tu fais bien de poser la question. J'imagine que Tenkaichi 3, on a beaucoup plus de contenu, j'imagine, en termes de personnages jouables. Mais en fait, je me souviens pas des deux. Je me souviens pas des deux, ce qu'il y avait exactement. Ça remonte à il y a trop longtemps. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est bien, c'est intéressant, parce que à l'occasion, ça serait bien d'y rejouer. Même en live sur YouTube, à la rigueur, ça serait vraiment bien d'y rejouer, en vrai, aux deux Tenkaichi. Même le premier, à la rigueur. Tenkaichi 1, 2 et 3, et de vraiment voir l'évolution aussi, tu vois, ça pourrait être pas mal. Mais je me souviens plus de la différence entre le 2 et le 3. Je me souviens de la différence entre le 1 et le 2, entre le 1 et le 3.
Enfin, entre le 1 et le 3, pas vraiment. C'est plus le 3 dont je me souviens plus vraiment, vraiment, en fait. Le 2, je m'en souviens. On est d'accord que, bon, le premier, je sais, il avait une couverture assez sombre en fond. Il y avait Cell, il y avait Goku, là, qui lâchait un Kamehameha, je crois. Le 2, c'était celui avec le fond bleu. Et le 3, c'était celui avec le fond vert, je crois. À moins que j'inverse. Mais je crois que c'était ça. Je préfère Storm 4 ou Xenoverse 2. Aucun rapport. Je pourrais pas te dire l'un ou l'autre. En termes de gameplay, je préfère Storm. Mais en termes de jouabilité, de rejouabilité et tout, Xenoverse. Vraiment. Tu vas faire un Goku Rush après. Pas forcément un Goku Rush, mais on va voir où c'est qu'on peut tester le Cell et où c'est qu'on peut tester le Gohan. Il doit y avoir des modes de jeu assez énervés là, donc on va tester. Hein. Les gars, je suis le manager de Lilian, je valide l'idée d'en refaire sur YouTube ou Twitch. Ah d'accord, ok, carrément, c'est toi qui valide mes opinions, d'accord, très bien. J'adore grave tes lives. Merci Théo, merci à toi et puis bienvenue du coup, ça fait plaisir. Hein. Je sais pas pour vous, mais le Cell Int LR, grosse galère pour le pécho. Ça dépend, hein. Ta team c'est force jointe. Ouais, ben on va jointer, t'inquiète. On est au dernier niveau là? Ok, grosse bagarre, c'est parti. Logique que t'as pas de réponse, Naruto et Dragon Ball c'est pas la même chose. Ben c'est ça en fait, tu préfères Storm 4 ou FighterZ? Ben les gars, vous posez des questions, c'est des jeux qui ont rien à voir. On est sur un jeu de versus fighting avec FighterZ, qui est incroyable d'ailleurs, hein. C'est exceptionnel. Et Storm 4 c'est un jeu de combat, mais c'est pas du versus fighting, tu vois, c'est deux styles différents. Dans l'idéal, moi je te dirais Storm 4 parce que c'est un jeu plus accessible et que moi je joue à ce genre de jeu en mode casu. Mais par rapport à ce que propose Fighters, la fidélité de l'univers, il met trois claques. Les graphismes et tout, il met trois claques. Hein. Tekken ou Call of. Attends, je m'étouffe tellement. Désolé, pardon. Oh, ah non, mais c'est... Ouais, non, c'est, des fois, il y a des choix. C'est dur, les gars. Il y a des choix, c'est très très dur, des fois. Hein. Vas-y, on part par là, let's go, hein. T'as combien de mangas chez toi? Je sais pas, mais j'en ai beaucoup là. Là, je commence à avoir vraiment une belle collection de mangas. Vous l'avez jamais vu, mais j'ai une bonne étagère bien remplie, une deuxième bien remplie dans la chambre aussi. J'ai une boîte de Nezuko où dedans il y a que du manga. J'ai un gros carton où il y a que des mangas aussi qui sont même pas installés encore. Donc j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup en vrai. Il faut que tu rejoues les Budokai Tenkaichi cette année sur tes lives. Bah, attends, parce que déjà en live, moi je voulais faire déjà les Raijin Blast. Oh, Dokenji, merci frérot, j'avais pas vu, merci beaucoup. Merci Doken, merci à toi pour le sub. Enfin, c'est l'équivalent du sub sur Twitch. Donc du coup, merci beaucoup pour le nouveau membre. Bah ça fait plaisir. Du coup, tu dois avoir des émotes exclusifs, non? D'ailleurs, faut que je pense à rajouter les nouveaux badges sur YouTube, parce que je crois que je les avais pas mis. Mais merci, merci en tout cas à toi, ça régale, ça fait plaisir. Merci à toi Doken. Même le chat... Ouais, donc du coup, j'expliquais, pardon, excusez-moi. Pour les jeux Dragon Ball, en gros, ce que je voulais dire, c'est que je voulais déjà tester Infinite Ward. Je sais pas si vous avez connu ce jeu, Dragon Ball Infinite Ward. C'est un jeu qui était sorti sur PS2, qui est plus ou moins l'équivalent des Budokai. Voilà, c'est le même gameplay et tout, tu vois. C'est du Budokai dans un style, je sais pas, avec un... Voilà, c'est un Budokai, mais que j'ai jamais fait. Je n'y ai strictement jamais joué, alors que Dragon Ball Z, Budokai 3, Budokai 2 sont mes jeux Dragon Ball préférés. Infinite Ward, j'ai jamais touché, donc je me dis que ça serait l'occasion de tester. Je voulais le faire en live sur YouTube déjà, ça dans un premier temps. Il y a également les Raijin Blast. J'ai jamais joué au Dragon Ball Raijin Blast, le 1, le 2, jamais joué. On m'a conseillé de faire le 1 pour l'histoire, le 2 pour le contenu. À voir, un des deux. Et puis ensuite, bah, les Budokai Tenkaichi, ça peut se refaire, bien évidemment, parce que je ne m'en souviens plus. J'étais trop gosse, je me souviens plus. Je me souviens du gameplay, mais je me souviens pas du mode histoire et tout, quoi. C'est quand le live Blox Fruit? Je sais pas encore. Par contre, la vidéo Blox Fruit, ça sera demain, les gars. Demain, on continue l'aventure Blox Fruit. Tu préfères Gohan Beast ou Vegeta Ultra Ego? Beast Gohan. D'ailleurs, il a été dit que Beast Gohan était le plus fort de l'univers 7, non? Il me semble. Si je dis pas de bêtises. On a terminé le Cell Max? Entre Migaté, Vegeta, Ego et Beast. Hein. On a terminé le Cell. Y allez. Eh ben écoute, Cell, Terminados. Demain, tu la sors ou tu la tournes? Bah demain, je la tourne et demain, je la sors, SkyZod. Je la tournerai en début de journée vers 14h et je la sortirai vers 16-17h. 17h, quelque chose par là. Tu feras une vidéo 500 000 abonnés. Vidéo 500 000 abonnés alors qu'on n'est même pas aux 400 000. Mais oui. Ah bah carrément, bien sûr. Bien sûr. Mais on n'est même pas au 400 000 encore, donc laisse-nous le temps déjà de faire 400 000, après on en rediscute.
Ouais, ok. Attends, mais j'ai fait deux fois la même équipe en fait. Ah oui, non, ok, j'ai fait deux teams différentes. Il est où mon sel là? Bon, c'est pas grave, je vais aller le trouver là-dedans. Regarde, au pire, LR, Int, Extrême, hop. Il n'a pas 36 000. On passe en éveil. Let's go, mon petit sel. C'est parti. Tu comptes refaire un live 4 millions d'abonnés? Ouais, 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 c'est prévu là. On peut voir un peu ta box d'Okan. Ouais, si tu veux, Mathieu. Tu veux voir quoi sur ma box d'Okan? Je peux vous la montrer et puis ensuite on va partir tester. Ah ben écoute, le ZLR et le de Gohan. Et de sel. Beaucoup de monde dit que Dragon Ball Super c'est pas ouf, mais l'arc Granola est ouf pour moi. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs. Hein. Alors il fait quoi juste? 180%, pareil. Augmente la défense pendant un tour. Augmente fortement l'attaque. Ouais, et dans son passif du coup. Augmente attaque et défense 120%, plus les PV sont enlevés, plus la défense augmente, ok, 120%, qui plus 2 et attaque 30%. Attaque et défense 50% en plus lors d'une attaque spéciale. Grande chance d'attaque spéciale supplémentaire si conditions sont remplies, provoque évolution. Ok, et quand il est évolué, il fait quoi? Augmente fortement la défense pendant un tour. Augmente l'attaque et la défense. Ok. Vous le montez avec quoi, lui? Attaque spé supplémentaire ou critique? Réduit les dégâts reçus de 3% par sphère de ki obtenu. Ok. En vrai, là, je vois, il a des chances de critique et de spé supplémentaire. Donc, je dirais peut-être un peu plus critique, en vrai, lui, non? Full critique, hein? Ouais. Tu préfères Zenitsu ou Inosuke? J'adore les deux, mais hein, je suis un peu plus Zenitsu à choisir. Vas-y, on va aller lui mettre du potentiel. Ouais, spé sup et critique. En vrai, les deux me paraissent pas déconnants, pour le coup. Hein. Je pense qu'on peut faire un petit peu des deux, hein. De toute façon, on va voir. Est-ce que j'ai un peu des deux? Bah voilà, j'ai des deux. Regarde, hop. Voilà, au pire, au moins, c'est réglé, hein. Voilà, merci. On gagne plus 5 partout. Ici. Alors ici, j'ai plus de critiques. Les deux, mais un peu plus de crit. Ouais, ouais, je me doute. Bah, regarde, je peux lui mettre un plus 4 de crit ici. Let's go. Comme ça, on est à 22. On est pas mal. Et là, on peut mettre un peu de spé supplémentaire. Est-ce que j'en ai une qui traîne? Ouais, j'ai ici. Ah, mais j'ai pas beaucoup. Je vais avoir que plus 11 de spé supplémentaire. C'est pas la folie, hein. C'est pas la folie, du coup. Bah, tu me diras, c'est mieux que rien, quoi. Mais attaque. Non, non, mais c'est bon, plus 13, allez, c'est bon. T'as quel âge, Lian? 26. J'ai 26 ans. 26. Allez, 13-22, c'est pas mal. Ça me paraît pas horrible, en vrai. Ok, validé. Bon, sur quel event on peut tester, les gars? Sur quel event vous voulez qu'on teste les deux? Est-ce qu'il y a un mode... Attends, il y a pas des Super Battle Road, des conneries comme ça qui sont sorties, là? Ah ouais, mais non, mais c'est des combats courts, ça. Est-ce qu'il me faut pas des combats longs ou quoi? T'es sûr, 26? Ouais, non, je suis pas sûr, mais bon. Red Zone, Cell ou Gamma? Event de Cell. Red Zone? Red Zone, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Okay. Putain, en vrai, j'ai des DLC à récupérer. Hein. Putain, ça, j'ai toujours pas avancé aussi, j'abuse. Hein. Red Zone, Cell pour proc Gohan. Red Zone, ok. Red Zone de Cell? C'est qu'en plus, il y a tellement de trucs que j'ai pas fait. C'est où Cell? C'est celui-là? Et donc, faut que je fasse. C'est quoi? Contre Cell? C'est ça? Faut que je regarde juste contre Cell, le niveau 4. Ouais, tu préfères Vivi ou Shin? C'est quoi cette histoire? Ça n'a rien à voir, hein. Contre Cell, du coup. Alors, attends, on affronte qui? Tac, 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 tac. Ok. Red Zone, Cell pour Gohan. Ok. Et vous conseillez quoi comme équipe? Parce que je vous rappelle qu'on a 3 tentatives par jour. Vous conseillez quoi comme équipe sur cet endroit et comme objet? Comme ça, je vous suis, je vous fais confiance. On fait un petit peu par rapport à ce que vous avez fait. Attends, après, au pire, je peux m'inspirer des archives. Ah ouais, il y en a, ils ont fait avec tout et n'importe quoi, en vrai. Ok. Oui, c'est un objet, ok. Fais voir ta box. Ouais, univers 7 La team Vegeta et Trunks. Team de Vegeta et Trunks. Et les gars, pourquoi vous voulez... Alors, je comprends pas, vous m'amenez sur le Cell. Enfin, sur de la raison contre Cell. Pour jouer Gohan. Et on le met pas, Gohan. Objet Phantom Dragon Senzu. Non, non, mais t'as qu'un objet. Ça soit... Alors, celui qui m'a dit ça, Théo, t'as jamais joué à ce mode de jeu. Toi, je te fais pas confiance. C'est pour ça que j'aime bien vous demander, j'aime bien avoir votre avis. Mais en même temps, c'est dangereux, hein. T'as Vegeta Trunks. Bien sûr, j'ai Vegeta Trunks, évidemment, ouais. Évidemment. Évidemment, évidemment. Ouais, Momo, dis-moi, dis-moi. Gohan en leader avec Goku Team Z. De l'autre, Burnt Ku, c'est qui? Et Duo God, et le reste comme tu veux. Alors, attends, vas-y. C'est quoi, Momo? Je te fais confiance. Fais une team cyborg. Non, 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 non. Team Kamehameha. Ouais, ouais, on peut faire une espèce de team. De team Kamehameha. Par contre, c'est du leader. Comment ça s'appelle? Ah ouais, mais non. Eh non, mais je peux pas prendre le.
Birdcou, c'est le Goku cui-cui. Ouais, mais il rentre pas avec le... Avec lui, non. Parce que lui, c'est un leader Kamehameha, non. Et ouais, c'est un leader Kamehameha. Et tu voulais faire rentrer le Birdcou, mais le Birdcou, il rentre pas dedans. Vegeta, Trunks... Et Goku, Gohan, Pui, leader de 100%. Vegeta, Trunks, un leader. Ouais. Vas-y, hein, vas-y, je vous fais confiance. Alors, attends. On va partir en LR déjà, on va mettre que les LR. Donc lui, c'est quoi déjà son leader? Lien parental, saga du futur. Et combat du destin après si, si on veut un lead de 200%. Enfin, si on veut 200%. Ok. Je reste sur ton live, mais j'arrête d'écrire, je vais jouer à The Breakers. Vas-y, mais bon Breakers du coup, bon Breakers. Birdcou, c'est un Kamehameha. Ah ouais? Il me semblait pas. Birdcou, c'est il est Kamehameha, il est tout en... Attends, je vais vérifier. Il est Kamehameha. Ah, mais oui, putain, ok, eh oui. Ouais, non, non, autant pour moi, autant pour moi. Ouais, ouais, il est Kamehameha, en fait, sur son ultime, ok. Ouais, ok. Ok, d'ailleurs, putain, c'est étrange, parce que son attaque n'est même pas considérée comme une attaque Kikoa, son super Kamehameha, c'est bizarre. Frère, cet aspect, c'est super Kamehameha. Oui, oui, mais l'aspect ultime, en fait. Moi, en fait, je pensais à l'aspect classique, au Smash météorique, c'est pour ça, je me disais, dans ma tête, il est pas... Enfin, j'ai souvenir de l'attaque, comment elle est, l'animation et tout, je me disais, il n'y a pas de Kamehameha, en fait, ok. Ok, bah écoute, ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Vas-y, je peux prendre lui en leader à la rigueur. C'est quoi, c'est lien parental ou saga du futur? Lien parental, ça peut être pas mal. Vas-y, on va regarder. Lien parental. Lien parental. URLR. Lien parental. Bah du coup, lui, il rentre. En plus, il est combat du destin ou pas, lui? Peut-être pas, non. Non. Bon, c'est pas grave, en vrai, hein. c'est pas bien grave. Birdcou, c'est le meilleur link body de Gohan Aji. Ah ouais, à ce point? Enfin, oui, oui, parce que c'est quoi? C'est 6 ou 7, non? J'imagine. Prends le Goku Pui. Le LR? On peut prendre le LR, si vous voulez. On peut prendre le LR. Après, j'ai pas de double intention, hein, dessus. Hein. Mais on peut le prendre, ouais, si vous êtes chaud. Ça peut se prendre. Il hein. Y a tellement d'unités, en vrai. Oh. Attends, mais j'ai mis que LR, là? Non, j'ai pas mis que LR, hein. Ok. Bon, déjà Gohan, hein, déjà classique. On m'a dit le Goku, je crois, il rentre pas dedans. Ah si, il est là, ok, autant pour moi. Ok. En vrai, est-ce que je prendrais pas le Goku LR aussi? Yo Hans, ça va ou quoi? Tu vas bien? Tu vas live sur quoi? Sur Hogwarts Legacy sur Twitch. T'as vu le LR de la deuxième partie des 8 ans ou pas? J'ai vu. Zenitsu ou Tanjiro? Zenitsu. Goku, ouais, Goku direct, hein. Goku incroyable. Et en dernier, je prends qui? En vrai, il y a du choix. Hein. Le Goku, lui, là? Le problème, c'est que j'ai pas de doublon sur lui, en fait. Il est que 55%, tu vois. En vrai, c'est ça le seul problème que j'ai avec. Jubaida. Faut juste une team simple, Kamehameha, et au moins, t'as Cell et Gohan dans la même team. Oui, c'est sûr, mais bon. Mais Hit, tu sais, le mec... Hit. Goku, Gohan, Pui. Goku, Gohan, Pui, c'est déjà mis. C'est déjà mis ZLR des 8 ans. ZLR des 8 ans. Ah oui, carrément. Ouais. ZLR des 4 ans. ZLR des 4 ans, c'est jouable. Tu te prends trop la tête, il est vraiment pas dur. Bah, c'est juste que j'ai jamais fait le niveau et en fait, je me dis, vas-y, autant prendre un truc sympa, quoi. LR des 7 ans. Ouais, je peux prendre ça, en vrai. Hein. Comme ça, je me prends pas trop la tête. Ok, et en ami leader, ben on va prendre un Vegeta, ouais, on va prendre ça, 69%. J'en ai pas un qui traîne à tout hasard, genre un truc 100% ou quoi. 89%, ça me paraît pas mal. Et on prend un Whis, tu vas le fumer. Tu penses? Vous pensez que je le fume? En vrai, moi j'ai pas l'habitude, oublie pas le Whis. J'oublie pas le Whis, tout est bon. Bon, la team que vous m'avez conseillée, donc on est d'accord que cette team, elle est faite pour le Gohan ZLR. L'objectif... c'est de mettre Gohan ZLR à côté de lui, parce que du coup, ils auront full lien, ou à côté de lui. Ou entre les deux, au pire. Entre les deux, c'est l'idéal, c'est parfait, tout le monde est à 7, on se régale, et on détruit tout. Allez, je vous fais confiance, c'est quoi? C'est Red Zone contre Cell. Moi, Red Zone, ça fait longtemps, j'en ai pas fait, donc... vas-y, hein, j'espère que ça fera le taf. Je vous fais confiance. Mémoire de soutien. Vraiment besoin d'une mémoire de soutien?
Oh, y a pas besoin, non. Allez, j'y vais comme ça, on voit ce que ça donne. Au pire, il y a 3 tentatives. Si je meurs, c'est de la découverte, donc c'est pas grave. On a 664 000 PV. Let's go, allons-y. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de phases, non? Il a combien? Il a 4 ou 5 phases, non? Le sel en face, hein. Donc, on va voir. Ah, ça m'arrange pas, ça. Parce que, bon, du coup, les deux ensemble, ils ont pas de lien. Ah, ben si, je vais laisser le Goku, parce que le Guan, il arrive au tour numéro 3. Donc, il sera à côté du Goku Tech. Bah, c'est parfait, parce que le Goku Tech, en plus, il y a pas un délire où il tank, il y a pas un délire comme ça. Si une attaque est encaissée, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Bon, c'est parfait en vrai. Alors là, la régalade. En vrai, je vais le garder, hein. Je vais le garder. Mais Goku en premier. Ouais, ouais, t'inquiète, Goku est bien en premier, t'inquiète. Salut Lilian, juste pour te dire que je kiffe, continue comme ça. Merci Shinzo Gate, merci à toi pour le follow. Merci, merci beaucoup. Faut qu'il se fasse taper plus SP ultime, ben de coup. Ouais, bah t'inquiète, il va se faire taper. Par contre, je pars pas en SP ultime dessus, non. Ouais, je pars pas en SP ultime, ça c'est un peu dommage. J'aurais aimé partir en SP ultime par contre. Mets le puits comme ça, il stack. Tu veux que je mette le puits en premier? Bon, comme vous voulez, en vrai, l'un ou l'autre. En vrai, après, je préfère mettre le bird, mais ça me va, l'un ou l'autre. Après, il stack quoi, lui, déjà? Augmente l'attaque et la défense pendant un tour. C'est pas non plus... En vrai, je préfère mettre le tech à choisir. Ouais, non, non, je vais mettre le tech. En vrai, je sais que le tech, il est game breaker de ouf. Donc, je mets le tech. Il va prendre des kills s'il se fait taper le bird coup. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc là, on part en spé ultime ici, en plus. Régalade. Vas-y, bah, let's go comme ça. Hop, dommage, il n'y a pas tout qui tombe. Pas de spé ultime. Allez, c'est pas grave, on y va. Allez, voyons voir. Ça donne quoi ici? 17 000. Ok, on prend une spé, c'est pas cool. Mais normalement, je pense qu'on devrait survivre. 110 000, on survivra large. Allez, let's go, mon petit Goku. C'est parti. Il va prendre un peu au début, mais... Ouais, non, mais je sais qu'au départ, je sais que... En fait, cette équipe, c'est une montée en puissance. Donc, je sais que ça va le faire. Allez, 2 millions pour débuter, ça fait plaisir. Allez, monsieur Goku, je me souviens plus par rapport à son passif, c'est pendant combien de tours lui qu'il est... Bon, il a son grande chance de crit là, malheureusement il a pas crit, par contre il a fait une petite esquive qui régale, et ça part en Kamehameha familial. C'est pendant 10 tours hein, le Goku, hein, le LR, ok, 10 tours, hein, 10 tours, ok. Allez, c'est parti pour tout fracasser ici, let's go. Ouf, on a une rotation, je crois que le sel en face il est pas prêt là, hein. Même si on part pas en SP ultime, en vrai, pas bien grave. Attends, quoique, il booste sa défense. Ah ouais, non, faut partir en spé ultime en vrai avec. Faut qu'on arrive à partir en spé ultime quand même. Si, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Le problème, c'est que j'ai rien. Mais non, j'avais mis de côté Dokkan et je vois ton titre, oh my god, ça t'embête pas? Juste, tu pourrais me dire combien sur 10 les persos? Oh, Bernie, ils sont incroyables. Hein. Sur 10, je pourrais pas dire parce que j'ai pas encore totalement joué. Mais le peu que j'ai joué, ils sont lourds, hein. Le Gohan a même un peu de lien avec le Trunks Vegeta. C'est parfait ça. Duo God aussi RIP. C'est vrai que le Duo God. Bon, je pars comme ça. Ah, pas de spé ultime ici encore. Ouais, bon, c'est pas grave. On va dire c'est un tour dans le vent ici. Mais j'aurais préféré partir en spé ultime pour commencer à booster la défense, quoi. T'inquiète, Bernie. Mais de toute façon, tu vas vite voir le Gohan. Regarde, au prochain tour, on a le Gohan. On a le Gohan ZLR AJ qui arrive. Donc t'inquiète, tu vas vite t'en rendre compte au prochain tour. Duo God Masterclass. Ouais, il est incroyable. Après, je crois que j'ai un doublon sur le Duo God. Par contre, le Trunks Vegeta, j'ai pas de doublon. J'ai l'unité, mais j'ai pas de doublon. J'ai pas réussi à en choper. Je le prendrai, je pense, quand il reviendra dans le shop. J'ai 1300 pièces rouges. Donc, je pense qu'à un moment donné, je pourrais le prendre. Sans souci, quoi. Tu voulais refaire le Infinite War? Ouais, Uchiwa, ouais, carrément, ouais, bien sûr. Sans doublon, c'est déjà bon. Ouais, ça fait partie des unités que tu peux jouer même sans doublon, quoi. Évidemment, l'unité qu'on veut tester en dernier. Et en dernier, comme d'habitude. Ouais, c'est ça, Rome. Comme d'habitude, tu sais, à chaque fois qu'il y a une unité que tu veux jouer... Mais tu sais que ça m'arrive souvent, ça, en vidéo. Hein. Quand je présente un personnage en vidéo, à chaque fois, je me dis, bon, j'espère qu'on aura une bonne rotation. Et à chaque fois, elle est horrible. Troisième rotation et tout, laisse tomber. Hein. Salut Lilian, ça fait un moment que je te suis sur tes vidéos et toutes tes vidéos jusqu'à présent sont au top. Continue comme ça. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Ok, bah là, on va pouvoir le tester. Alors, je vais pas le mettre en première position parce que je pense qu'il va se faire arracher comme jamais. Vaut mieux le mettre en deux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est mieux quand même à choisir. Best rotation. Ah bah la rotation, elle est belle, elle est magnifique. Mais je pense que là, le Gohan vaut mieux le mettre en deux, non? Enfin, je crois pas que même en ZLR, tour 1 comme ça... Il a la garde? Il a la garde là, en ZLR? Ah oui, il a la garde. Ouais, non, j'avoue. Hein. Non, faut qu'il stack en deuxième. Ouais, large. Après, il a la garde. Ouais, il a la garde. C'est vrai qu'il a la garde, donc en vrai, je pourrais le mettre en premier.
En deux, oui, mais il a la garde. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va tester sa garde. Au pire, ça nous fera un petit test. J'ai envie de tester, mais en même temps, si je prends une spé, là, je pars en enfer. Laisse tomber, hein. Si tu veux crash test, en vrai, go, première position. Allez, crash test, c'est parti. Contre-type, pas de stack. Si il spé, tu vas bouffer. Je sais. Je sais, mais j'aime le risque. J'aime l'aventure, j'aime les cascades. Au pire, on peut recommencer, c'est pas grave, si vraiment on meurt. L'auto-attaque à 2500... Bon, ça va en vrai, ça va, franchement, ça va. Alors, on était à combien? On était à 160 000 de défense, hein, si je me souviens bien. On était à 160 000, 3 millions de dégâts, parfait, spé supplémentaire, magnifique. Je veux regarder juste, en plus, il double spé, donc nickel. Je veux... Oh, pff, ok, j'ai bien fait de le mettre en première position, magnifique. Allez, 6 millions pour débuter, contre-type. La régalade ici, la régalade. Oh, c'est qu'on a du beau monde ici, c'est qu'on a du beau monde. Là, je pense que je vais laisser lui en first. Hein. Clairement, ça me paraît être une option plus qu'envisageable. Le Gohan Asiagi, ils ont combien de liens? Ah, ils ont beaucoup de liens quand même à côté. Hein. Franchement, ils en ont pas mal. Hein. Laisse le plus devant. Non, non, t'inquiète. Je préfère laisser le hint en vrai. Goku first pour détecter l'aspect. Ouais, je préférais en vrai mettre le Vegeta juste pour être rassuré. Mais ton Goku puis, il stack pas. Ouais, je sais que je déconne, mais bon, c'est pas grave. Je voulais, je préfère quand même la jouer comme ça. Lilian, oublie pas un truc, 30% de défense en plus sur l'aspé, et à chaque tour, il gagne 20% dans le passif, donc sur une spé, 50%, 6 spé, 4... 6, 2 spé, 80%. Ouais, ok. Garde en dessous de 59% de PV, si je me trompe pas, pour le Guanaji. C'est garde en dessous ou au-dessus? Oui, il s'est passé quoi en mon absence? Produit, pas grand-chose, on a fini, là, on teste les unités, du coup. Alors, voyons voir, 4 millions de dégâts pour le Vegeta, pas mal. Alors là, c'est l'ami leader, donc c'est normal qu'il fasse un peu plus de dégâts que le mien. Ah, on est monté à 400 sur le live, mais merci à tous, ça fait plaisir. Ok, double spé, triple spé même. J'avoue que le Trunks Vegeta, c'est quand même un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Hein. Vraiment, c'est un délire. Hein. 400 banger en vrai. Non, non, c'est cool en vrai. Merci, merci à vous. Hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour la rediffusion, ça fera zizir. Allez, le Goku SAJ, ok, qui encaisse. Goku, par contre, là, t'as plus la garde, vu que c'est ton deuxième tour. Mais normalement, je suis parti en spé ultime ou pas? Parce que je crois qu'il peut booster, lui, son attaque et sa défense à l'infini. Ou sa défense en tout cas. Mais je sais pas si c'est un spé ultime ou si c'est un spé classique. De toute façon, au pire, il double spé. Hein. Au pire, voilà. Je croyais que c'était un live Tomb Raider. Ouais, tu t'es trompé, hein, Whitey. Hein. Tomb Raider, ouais, non. Tomb Raider ZLR, ouais, t'inquiète. Lara Croft qui gagne un ki plus 4 PV attaque et défense, 200% pour la catégorie aventurier-aventurière. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Oh, putain, il a de la régène. Pardon, excusez-moi, j'ai dit putain, mais il a de la régène. Je suis monté déjà à 300 000 de def. lui d'ailleurs, faudrait que je pense à faire monter sa défense aussi, non? Il n'y a pas un délire où il peut monter sa défense, lui? Et si, bien sûr, avec l'aspect ultime. Je peux pas partir en spé ultime à chaque fois, là, non? Ouais, je pourrais partir en spé ultime après, mais bon. Fais gaffe à la démonétisation. Tout va bien, t'inquiète. C'est pas bien les gros mots. Oui, pardon, c'est vrai. Mais burn coup devant pour le proc revive. Le proc revive, on est loin là quand même, non? En vrai, on est loin du revive. Hein. Hmm. Je sais pas si ça vaut le coup de le mettre en première position. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En parlant de Tomb Raider, ça me fait remarquer qu'il faudrait plus de waifu. Hein. La régène, c'est bien en vrai pour que tu stack. Ouais. Non, non, je mets Gohan en vrai. Hein. Il n'a pas de revive. C'est ça en fait, là, il est trop au-dessus en fait. Ça me sert à rien là. Ouais, d'accord, ok. Ah, je pars pas en spé ultime? Ah si, c'est bon. En vrai, je pense qu'il sera mort avant. Sait-on jamais. Ok. Bon, il a sa régène. C'est combien? 1 400 000. En vrai, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Hein. Je m'attendais à pire. Il y a combien de phases, juste, s'il vous plaît, sur le sel, là, du coup? J'imagine que ça va jusqu'à sel max. Enfin, sel max. Sel puissance max. C'est genre forme 1, 2, 3... forme parfaite et forme 100%, enfin 100% parfaite là, je me comprends. 5, ok, ouais. Ok. Ça va être un long combat en vrai. Ok, 1 million de dégâts ici. Ça va jusqu'à perfect cell. Ouais, je vois. J'y vois. Bon, bah, en vrai, ça va, on a le temps de booster un peu notre attaque, notre défense. Il y a large le temps pour tout ça. Allez, 1 400 000, parfait. Ok, 2 070 000, parfait. Parfait. Allez, let's go alors. Let's go.
Allez, j'ai envie de l'envoyer en enfer ici. Je le terrasse. Boum. Il va se régénérer encore, mais c'est pas grave. Si Biancou se fait tuer, il y a la revive. Ouais, bah là, la revive, elle est pas trop là pour l'instant. Lilian, t'as vu la saison 6 de My Hero Academia? Pour moi, c'est la meilleure. Elle est incroyable en vrai. Elle est vraiment bien. Hein. Ça va et toi, Raphaël? Tu vas bien aussi en forme? Bonsoir à ceux qui arrivent au passage. Bonsoir à vous. Hein. Ok. Il s'est régène, mais c'est pas grave. En fait, il a régène ce qu'on vient de lui envoyer. Oh, il m'envoie une spé par contre. Attention. Attention, attention, attention. J'aurais dû prendre l'item. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. 290 000, il m'a mis là? Il m'a anéanti en vrai. Il m'a fait mal. 290 000, en vrai, il m'a fait mal. Et t'es encore loin de la revive là, PTDR. Je vois pas pourquoi ils parlent tous de revive. Bah, c'est ça en fait. C'est que là, j'ai encore 300 000 PV de côté. Donc bon. Les gens qui font un stream YouTube du jamais vu. Ah, carrément, monsieur Catrix, c'est du jamais vu sur YouTube. Ah, pourtant, ça fait longtemps, mais. Enfin, j'en ai fait quelques-uns là, la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais ça faisait un an que j'en avais pas fait. C'est vrai. C'est vrai que ça faisait un peu plus d'un an que j'en avais pas fait. Bah, t'inquiète. On est de retour un peu. On est de retour. T'aurais pu prendre l'item C17, C18 parce que oui, ça régène pas. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Je pense qu'on va régène naturellement comme des grands garçons, quoi. T'inquiète. Là, il y a le revive. Là, si je veux, on peut revive fort, là. Oh, cette OST à l'ancienne. Nanana. Attends, c'était quel jeu, ça, déjà? C'était pas Budokai. C'était Budokai Tenkaichi, mais le 2 ou le 3, celui-là? Bon, bah, cette fois-ci, je peux le mettre en first, là, du coup. Wow, la défense qu'on a des deux côtés, incroyable. C'est Tenkaichi 2, ça. Ouais, elle était incroyable, celle-là. Elle était vraiment exceptionnelle. Budokai Tenkaichi 2, ouais. Ok, ok. Allez, let's go par ici. Youhou. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il me met dans la tête? 39 000. Ah, il m'a quand même mis un petit 39 000, là, ce petit salaud. Hein. Salut, les ZLR Gohan et Cell sont déjà sortis. Ouais, ils sont sortis aujourd'hui, Tommy. Tony, pardon, excuse-moi. Ils sont sortis aujourd'hui, là. Binx. Tenkaichi 2, c'était vraiment... Je crois que c'était vraiment le meilleur. En vrai, je crois que vous avez raison. Hein. Les meilleurs OST, Budokai Tenkaichi 2... C'est Lonesome Wild et l'OST Courage. Ah, l'OST Courage, elle est exceptionnelle. L'OST Courage, je l'utilise dans mes vidéos un petit peu, ouais. Ça va ou quoi, Waku? Tu vas bien aussi? Ok, 1 900 000 ici, c'est pas mal pour Gohan. On n'a pas envie de mourir, je crois. Hein. Je crois qu'on n'a pas envie de mourir dans ce tour. Bah, ça m'arrange pas des masses parce que prochain tour, j'ai pas beaucoup de santé. Et si je prends des spé sur des unités de type Int, c'est pas la folie, quoi. Par contre, on lui a fait mal. On a fait un tour où on lui a arraché vraiment la tête, hein. Le meilleur, c'est Xenoverse 2. Mais non, mais on te parle des OST, on te parle pas de jeu. Et même le jeu, de toute façon, Xenoverse 2 n'est pas le meilleur jeu, non. Non. Mais en termes d'OST, les Budokai sont... Ah, il m'a pas tué, putain. Il m'a pas tué. Il m'a pas tué. Ah. Il m'a pas tué, cet enfoiré. Et là, j'ai pas de quoi le finir non plus, quoi. Et là, il y a pas de revive ici, hein. Tu fais quoi là? Là on fait un, comment ça s'appelle? On fait une red zone de sel du coup. C'est chiant ça. Ouais, ouais, là je vais devoir item en vrai. Hein. Je vais devoir item. Mais le problème c'est que même si j'item, est-ce qu'au prochain tour il arrive à me tuer pour la revive ou pas? Je suis même pas sûr. Hein. Active skill, il fait quoi déjà de lui? Mais je préfère le garder pour les dernières phases. Hein. Augmente énormément l'attaque, inflige des dégâts suprêmes, coup critique garanti pendant le tour de lancement, peut être activé dès le troisième tour, ok. Ouais, mais ça, je préfère le garder pour les dernières phases, hein. En vrai, hein. Défense plus 30%. Ouais, mais en fait, c'est... Le... Oh, cette OST de fou, c'était l'intro, ça. C'était l'intro. L'active skill, c'est une spé. Et ouais, mais du coup, ça, même si je fais l'active skill, je le tuerai pas, en fait. Ouais, là, malheureusement, c'est un boost de défense après l'active skill. Ouais, mais c'est pas pour tout le monde, non. C'est que pour lui. Ah non, défense plus 20% pour les alliés. Ouais, mais bon, même avec ça, mon type puissance, en vrai, on sait jamais, s'il prend une spé, c'est fini. Hein. Ou sinon, faut que je claque les deux active skills. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ça? Franchement, je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense, je devrais claquer un item, ce qui me permettrait bah, de augmenter la défense de mes deux Trunks Vegeta. Je pense que c'est beaucoup plus rentable d'utiliser un Whis, de partir en spé ultime avec les deux Trunks Vegeta pour augmenter leur défense. Pour vous, ça vaut plus le coup de double active skill. Ouais, je sais pas. Item égal, pas de revive au prochain tour. Bon, vas-y, allez. Je vous ai dit que je vous faisais confiance, que vas-y, je la joue avec vous. Allez, on la joue comme ça alors. Ok, 5 millions ici. On la joue comme ça, mais ça me fait pas plaisir, en vrai. Hein. En vrai, ça me fait pas plaisir. En vrai, il reste quoi? 3 barres de santé. Est-ce que je peux pas conserver un active skill, en vrai?
Est-ce que je peux pas le tuer genre avec Trunks Vegeta et avec Goku derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux le tuer? Mais si je le tue pas, je suis finito. Hein. Si je le tue pas, je suis finito. Hein. Putain. J'ai peur en vrai. J'ai peur. Si il se paye Goku, puis t'es dead. Ouais, il y a un monde où vas-y, ça essaye. Est-ce qu'on aime la cascade? Fallait garder celui de l'ami leader. Non, mais c'est pas grave. Non, parce qu'il faisait, plus de dégâts en vrai. Oh, c'est chaud en vrai. Hein. On aime le risque? Bon, on aime le risque. Allez, vas-y. On aime le risque jusqu'au bout alors. Allez, allons-y. Ah ouais, mais non, je suis foutu. Ben non, je suis foutu. Il a sa régène. Bah ouais, bah non, mais il a la régène. Combien de mes dégâts ici? 52. À part si je fous le... En fait, faudrait que je fasse 3 attaques P avec lui. Et si possible, minimum 2 critiques sur les 3 attaques P. Voyons voir. 4 millions. Double SP. Allez, peut-être alors. Mais même, je pense que c'est pas suffisant. Troisième SP, ok. Alors peut-être un monde où ça va le faire, mais je suis pas sûr. Hein. Voyons voir. Crit garantie. Ouais. 3 millions. Ouah, normalement. Ah, je suis à contre-type. Ok, ah, mais je prends une SP. Non, il survit. Il a de la def, lui. Ouais, c'est bon. Contre-type. Allez. Contre-type. Il faut faire mal. J'ai peur. Allez, mon pote, vas-y. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est bon. Je pense que ça passe tout juste, hein, vraiment. Mais ça passe. Ouais, on survit. Et donc là, du coup, nous pouvons survivre comme des rois ici. Bah, let's go, hein. Là, franchement, par contre, on est bien. Là on est au max, en T-max. Hein. Il a crit. Comment ça, le chien, il a bien fait de crit, heureusement. Oh, par contre, attends, Gwen, il a déjà 630 000 de défense. C'est pas mal, quand même, hein. Là, on est plus que bien. Là, je peux y aller. Hein. Il va se perdre en première position, lui. Bah, même s'il se perd en première position, de toute façon, il me tue, je revis. Donc, transfo Gohan. Tu penses que ça vaut le coup de le transformer là maintenant, Gohan? En vrai, je sais pas. Est-ce que je ferais pas mieux de continuer à augmenter Il les aide l'air, le Gohan. Bien sûr qu'il les aide l'air, ouais. Ouais, bien sûr qu'il les aide l'air, bien sûr. Est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre encore un tour ou quoi, par exemple? Non, tu peux le transfo si tu veux. Ah ouais, vous pensez que ça suffit? Oui, régène du Goku égale pas de transfo. Ok. Je transforme alors, c'est parti. Je vous fais confiance. Oh, tu sais que j'ai envie de le fracasser en vrai. Hein. J'ai envie de me mettre en première position. Mais... Tu peux... Ouais, vas-y. Tu sais que j'ai envie de mettre le Gohan en première position et de le fracasser comme jamais, mais bon... Non, il faut que je revive. Tu peux. Non. Non. Il faut que je meure là. Vas-y en premier. En vrai, non. Vous me dites tous, vas-y en premier. Fais ça en vrai. Non. Éteins-le. Non, mais vous êtes des fous parce que si je le tue, si je l'atomise, derrière, j'ai plus de vie. Hein. J'ai plus de vie, donc c'est mort. Hein. Frère, tu peux l'allumer. Tu mourras avec le revive, t'inquiète. Tu peux mourir sur le Gohan, Elian. Je mourrai pas sur le Gohan. Je vais pas mourir. En vrai, je vais pas mourir sur le Gohan. Tu meurs avant. Gohan va gratter les PV. Je sais pas. Ah ouais, j'ai le Dokkan mode en plus. Oh putain. Ah ouais, j'ai le Dokkan mode. Ah bon, j'avoue, Dokkan mode. Ah ouais, mais s'il me tue avant. Y'a pas de Dokkan mode hein, s'il me tue avant. Pas de Dokkan mode. Oh là. Bon allez, go Gohan, vas-y. J'avoue, Dokkan mode. Hein. Oh la régène de porc en vrai. Oh la régène, elle est incroyable. Hein. Jamais il te tue avant. Bah ça dépend, s'il m'envoie une big spé de la mort, on sait jamais. Hein. Oh l'aspect. Ah tiens, il m'envoie sa spé. Alors combien il me met de dégâts juste? Je le savais. Mais bon, c'est pas grave. Envole-toi, petit oiseau. Vol. Je le savais qu'il allait me fumer, hein. Je le savais, j'ai rien dit. Ouais, t'as grave rien dit, Joss. Les gars, on est en red zone, hein. On n'est pas en Vegeta Rush là. Hein. On n'est pas en Goku Rush ou je sais pas quoi. Hein. Je pense que vous avez sous-estimé un peu, hein. I don't speak, ouais. Quelle OST de fou, le petit oiseau. Je l'ai pas mise là, mais en vrai, elle est incroyable. C'est vraiment la meilleure OST. Hein. Celle du petit oiseau. Hein. T'as le Dokkan mode. Bah, j'ai toujours le Dokkan mode. Et en vrai. On peut faire un Dokkan mode. Ouais, on peut faire un Dokkan mode comme ça en plus. C'est pas mal. On peut faire un joli Dokkan mode en SP ultime ici. Item. Tu penses là, il m'arrache? Non, il m'arrache pas. J'ai pas besoin d'item, si. Ah ouais? Il part en SP à chaque fois ou c'est comment? Ouais, ok.
Ok, bon, je vous fais confiance. D'abord, juste, je fais ça. Il détruit le popotin, là. Vas-y, je vous fais confiance, Gowis. Hein. Vous avez fait l'event. C'est votre run, c'est pas le mien, donc... allons-y comme ça. Putain, j'ai full regen limite. Combien il me met ? Bon, franchement, je pense que vous avez forcé. Hein. Franchement, je pense que vous avez forcé sur le... sur l'item, non ? Celle, il tape très fort, il a que 200k de défense. Ouais, mais bon. Ok. Ça va faire très mal. Ça va piquer. Ça va piquer, celle. On n'aurait pas dû item. Mais bien sûr, on n'aurait pas dû item. Moi, je pense que sincèrement, il n'y avait pas besoin d'item. Je vous fais confiance, c'est votre run, je vous écoute. Mais en vrai, je pense qu'on pouvait s'en passer, vraiment. On va y voir. 9 millions, 9. Bien vu, Goku, j'allais dire Goku. Allez, Vegeta Trunks, ça passait sans item, à part s'il y avait une spé. Ouais, et là, vu qu'il n'y avait pas de spé, du coup, on s'en sort, quoi. Enfin, on s'en sortait. 3 millions 7, spé supplémentaire. Ah non, pas de spé supplémentaire. Si, non, il a fait qu'une spé. Oh, la déception. Franchement, la déception, là. Monsieur Capfly, Théo, comment tu vas? Spé supplémentaire pour Goku, bien sûr. Il est dead. Je pense que normalement, il est mort, mais ça dépend de combien on met. Faudrait qu'on remette 3 millions... vas-y, Goku, enchaîne-le. 1,7 million. Hey, il est pas mort, cet enfoiré. Il est pas mort. Hein. Il va nous laisser un soupçon de... Ouais, il va nous laisser ici un petit soupçon de... crainte, parce que là, bah, du coup, il attaque deux fois. Hein. Bah, après, je suis souillé, ça, donc en vrai... Est-ce que, en vrai, qu'est-ce que vous en pensez, là? Est-ce qu'il vaut mieux que je parte en spé avec le Gohan, SSJ2? Ou est-ce que, en vrai, de vrai, je peux partir avec lui pour stack sa défense? T'es sous Whis, pars en spé. Ouais, mais je pars en spé avec le Goku, non? Pour booster sa défense, non? Je suis sous Whis, ouais, je suis sous Whis. Hein. Active skill, mais jamais de la vie, active skill, ça va pas ou quoi? Il fait quoi déjà son active skill? Augmente fortement l'attaque. Ouais, non, mais jamais, ça va pas ou quoi? Donne un stack avec Bianco hein, pour les next phases. Ouais, on est d'accord. Hein. Je pense que vaut mieux mettre Gohan pour la beauté des dégâts. Pour la beauté des dégâts, c'est sûr, vaut mieux mettre Gohan. Mais en vrai, le Goku a besoin de... a besoin de se booster en défense. Hein. Je pense que c'est quand même largement beaucoup... enfin, largement plus intéressant, quoi. Allez, on y va comme ça, alors. Mais là, j'avoue, le Whis, les gars, c'est une déception. Le Whis, il nous a servi à rien. Littéralement, on l'a mis pour rien, parce que là, il a plus de vie. On va le tuer. Voilà, c'est un tour dans le vent pour le Whis. Et le tour d'avant, on survivait. Donc, en vrai, sacré Whis, hein. Bon, on va l'arracher, là. 4 millions 5, bien vu. Beauté des dégâts à la dernière phase du coup, Goku. Ouais. Ouf, c'est celle-là la dernière phase? J'imagine. C'est une phase dangereuse, ça, dis donc. Ça attaque beaucoup de fois, là. On est au tour combien, là? Tour 12. Ah ouais, donc Goku à la fin... limite, j'ai envie de repéter un Whis direct, quoi. Tellement j'ai peur, hein. Mais bon. Allez, partons en spé, déjà, ici. Il a combien de défense, là, le 684 000? Trunks Vegeta aussi, c'est incroyable, hein. Ouais. Whis et prochain tour, tu one-shot avec Gohan. Ah ouais? Ok. Bon, vas-y, alors, je fais Whis. Je fais un petit Whis, du coup. Allez, je fais un petit Whis, alors. En vrai, je pourrais l'économiser, mais bon, on s'en fout. Au pire. C'est l'ultime. Allez, go. Whis et prochain tour, tu le one-shot. Ok, il y a un monde où tu one-shot avec Gohan, ouais. À ce point? Tu sais que moi, je me rends pas compte, en fait, de Gohan. Je m'en rends vraiment pas compte, hein, pour l'instant. On verra. On verra. Sachant qu'il est 100% full lien 10, hein, mon Gohan. On prend pas le risque. Non. On la joue tranquille. On est à 292 pouces bleus, je vois, à gauche. En vrai, les gars, on peut faire un 300, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas jouable, un 300? À 300, les gars, il y a NSJ, là, le modo dans le chat. Il tape une multi-invocation. Donc, vas-y. Ça serait RP de fou. On est d'accord, ça serait RP. Donc, je compte sur vous. Voilà. Oh, bah, je l'ai dit, c'est monté direct à 316. Incroyable. Bah, vous êtes des gots. Vraiment, vous êtes incroyables, les gars. GG. GG. D'ailleurs, Catrick, ça va? Ça se passe ou quoi? T'es en ce moment, toi? Tu joues à quoi, là? Jure, leader, multi. Non, NS, j'ai dit, toi, tu mets une multi, pas moi. Toi, tu fais une... Oh, regarde. Attends, on a eu 40 pouces bleus, même plus. On a eu quasi 50 pouces bleus. Tu peux faire une multi, NS, en vrai. Ça va. Hein. T'abuses, en vrai. Bon, voyons voir ici. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un délire, genre, avec l'active skill où je booste les autres ou pas du tout Non, j'interromps juste l'action, mais en vrai, je suis sous Whis, donc je m'en fous d'interrompre l'action. Allez, hein, bah, SP, hein. Let's go pour l'aspect, du coup. Allez, let's go pour l'aspect, alors. Mais Burn Coup avant. Ah, merde!
J'ai pas. Ah, mais tu veux que je mette l'active skill de Burnt Coup? Vous voulez que je le mette? Après, je peux le mettre, hein. Je peux le mettre, c'est sûr, mais bon. Oh, vas-y, vas-y, allez, allez, go. On a qu'une vie, après tout, one life. Allez, let's go. 2,7 millions. Let's go. Et go arracher des dents, quoi. Le Duogode. Ah, allez, allez, le Duogode aussi, vous voulez? Allez, go, alors. De toute façon, il pourra pas utiliser sa spé, du coup. Il pourra faire des esquives, juste, c'est tout. Allez, c'est parti. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Gohan, ok, donc là, il a pas pu attaquer. Il prendra 45. Regarde la valeur d'attaque. Ah ouais, j'avoue, ah oui, si, 15... 18 millions. Oh, 18 millions. Ouh. Attends. Attends, bois pas, Lilian, c'est pas le moment de boire, là. Combien de dégâts, juste? 12 millions. Pas mal, 12 millions, quand même. C'est pas one shot, hein. C'est pas one shot comme attendu. Mais c'est 12 millions quand même, c'est propre. Avec critique garantie. Ouais, ouais, bah, critique garantie, on a mis 12 millions. 12 millions ici. En fait, on a mis 24, 27, on a mis quasiment 28 millions en un tour, j'avoue. Ok, 28 millions, 28 millions en un tour. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que 28 millions en un tour, avec un plateau de ki timide. C'est vrai que le plateau de ki n'était pas optimal. Mais, j'avoue, 28 millions... Ah, c'est balèze, j'avoue que c'est balèze. Incroyable, ok, bah GG les gars, GG. C'est vous qui avez réussi le run, hein. C'est vous qui avez réussi le run. Je joue à GTA RP en ce moment. GTA RP 4X. Ok, ok. Tu fais quoi, genre... Enfin, je veux dire, t'as quoi comme job sur le serveur? Une pierre du dragon réussie. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Le monstre est de retour. Ah bah là, reste avec un meilleur plateau, tu verras la différence de fou. Ouais, bah je me doute, hein, qu'avec un meilleur plateau, ça va être encore plus incroyable, hein. Vas-y, ça marche, Prudy, mais je serai sur Twitch d'ici 20h45 environ. J'ai été ban, il s'est passé quoi? À Momo, rien du tout, pourquoi? J'ai rien vu. Il a des doublons ou pas, ton Gohan? Bah, il est 100%. Il est 100%, il est full lien 10. Regarde, il est 100%, lien 10. T'inquiète, il est en place, il est en place. Allez, go, gamma 1, gamma 2. Invoque. Non, non, mais moi, j'invoque rien. C'était NS, les gars. On a dit à 350 pouces bleus, NS, il invoquait. Donc, il va venir faire un partage d'écran, il va invoquer, les gars. T'inquiète. Non, par contre, je vous fais une petite single, si vous voulez. On est passé à 200 DS. Ouais, comme ça, on reste à 200 piles. En vrai, je suis chaud de faire une petite single, là. Allez, petite single, juste pour le kiff. Imagine un doublon, là. Ce serait pas incroyable? Ouais, non, il y a trop de gens bizarres, là, sur le terrain. Ça va pas du tout. Allez, let's go. Alors, SSJ1, SSJ2, est-ce qu'on aura un SSR ou pas? Non, malheureusement, non. Je fais de la police. Ah, de la police en RP, ok. Oh, si, c'est un SSR. Made in Tech, que j'ai toujours pas ZTUR, d'ailleurs, tiens. Je l'ai toujours pas ZTUR, lui. Animation, oui, oh my god. Ah, j'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement, non. Non, non, non. Bon, les gars, on va tester le sel, maintenant. Parce qu'on a testé le Gohan, c'est bien beau. Bon, j'avoue, Gohan, incroyable. Hein. Les gars, faut qu'on teste le sel. Sur quel event? Est-ce qu'il y a un mode où on peut vraiment bien le tester, le sel? Le faux Meijin LR. Ouais, mais t'inquiète pas que ce Meijin Tech, à l'époque, c'était un roi. Tu sais pourquoi c'était un roi? Budokai Tenkaichi. Ça, le Meijin Tech, à l'époque, sur Cell Max. Oh putain, non, pas Cell Max. Oh non. Le sel, c'est moins fort, je trouve, mais c'est un délire quand même. Non, pas Cell Max. Mieux que Gohan, Cell Max, vous êtes fou. Il a les boosts et il est int. Ouais, mais j'ai peur. Si, si, Cell Max car int. Oh putain, j'aime pas le Cell Max. Ah, c'est un mode de jeu, il me fait péter des plombs, vraiment. Bon, vas-y, 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 vas-y. Cell Max, jamais ça passe. Ah ouais? Cell Max pour la mission vie artificielle. Ça t'a envoyé au charbon faire un Cell Max. Vas-y, on fait un test, juste voir et voilà. Hein. Bon, il faut quoi comme équipe? Il nous faut quoi comme équipe, les gars, pour Cell Max? Je sais même plus, en vrai, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, lui. Bon, on veut de l'extrême, du coup, on veut du int. Du coup, on veut Cell. Attends, mais attends, il y a qui? Il y a peut-être Romy en leader, non? Par un Team Cyborg. 180, Team Cyborg, saga de Cell. Vie artificielle? Oh putain, mais vie artificielle, ça va être un désastre, ça, non? Vie artificielle? Vie artificielle, il y a qui? Ok. Prends les gamma. J'ai pas gamma 1. Ça l'agit en leader. Ouais, j'ai pas le gamma 1, les gars. J'ai que gamma 2. J'ai pas le gamma 1. Du coup, on prendrait lui en leader. Pour avoir un leader 200%. Parce que c'est catégorie cyborg, saga de sel, tout ça. Ok. Nous prenons le sel ici. On prendrait quoi d'autre à côté?
Prends Gamma 2. Ah ouais, Gamma 2, il rentre là-dedans? Gamma 2, mais qu'est-ce qu'il foutrait là-dedans, Gamma 2? En vrai, je comprends pas. Prends le Cell End pour les liens. Le Cell End pour les liens. Ah oui, parce que c'est avec Cell Junior. Ouais, tu peux le prendre. Ouais. Et après, vous conseillez quoi? Twitch après. Ouais, Walter, ouais, on va aller sur Twitch un peu avant 21h. Cell puis deuxième forme pour le support. Ok. Cell MF. Cell MF. Bah, je l'ai pris déjà, Cell MF, non? Ouais, je l'ai pris déjà. Comment t'as eu le Gamma 2 End? Je sais pas, c'était un event, je crois. Il est pas l'idée, Gamma 2. Ah, il est pas l'idée. Attends, il est quoi, lui, comme leader? C'est quoi? C'est Cyborg, Saga de Cell ou Absorption de Puissance? Ah, j'avoue que je crois qu'il est aucun des deux. Et ouais, non, il est pas lead. J'avoue, faut que je parte en vie artificielle impérativement, en fait. Ouais, je pense qu'il faut que je parte en vie artificielle, mais... c'est qui, le leader? C'est pas un machin comme ça, là? C'était pas le end, là, 200%? Mais Gamma 2 en leader, il a quoi comme leader? Héros des films ou Cyborg, poste spécial, digne rival, combat rapide. Ouais. Boutek, il y a Boutek. Le Boutek, lequel, lui, là? Ah oui, ouais, mais défense, 130%. Ouais. Le C16 in Super Strike, il a la réduction, si garde activée. Et je sais pas si j'ai fait le... Ah bah si, il doit être ZTER, si, si. Ah, j'avoue, c'est... Ah, là, en vrai, c'est chiant un peu comme mode, là. Putain, faut vraiment une équipe spécifique et tout. Gamin, un leader. Mais je l'ai pas, gamin, je l'ai pas. En vrai, putain... Oh, ça m'a déjà saoulé, cet event-là de mort. Hein. Baby, là, quoi. Baby, il est nul. Baby, il est éclaté. Il sent l'orteil, vraiment. Vraiment. Au pire, tu fais un autre level basique. Attends, je veux juste voir un truc. Avant de faire l'event, je veux voir un peu les archives, voir un peu les gens, les équipes qui prennent. On va voir un peu. What? Comment ça a réussi avec des équipes comme ça, là? Pardon? Non, mais ils ont triché, eux. C'est pas possible. Eux, c'est des menteurs, eux, en vrai, non? Ouais, c'est des menteurs, ceux-là. Hein. C'est des tricheurs, on est d'accord. Hein. C'est des mythos, eux. Putain, d'ailleurs, je me souviens, j'avais galéré avec cette équipe de mort, là. Putain, c'était grave galère. Il y en a, ils trichent. Ouais, mais je me doute, hein. Prends full vie artificielle. Ben là, on est que des vies artificielles, là. Mais le problème, c'est que j'ai pas de leader, de gros leader vie artificielle, en fait. C'est ça, le problème. En fait, je vais me faire arracher la tête, hein. C'est que si je prends... je peux essayer, hein, mais... Je pense que je vais me faire arracher la tête, hein. Look, absorption de puissance. Ouais, aussi, hein. Gamma 2, il soulève l'event, t'inquiète. Je sais pas en quoi il va soulever l'event, lui, mais... Merde. Pour les liens, vas-y. Et en dernier, je prendrai qui? Vas-y, je fais un test, juste pour voir, je fais un test. En dernier, je prendrai qui, en vrai? Juste pour faire un test, en vrai... Kid Buu puis? Ouais, Kid Buu puis, ouais. Ça peut être pas mal, Kid Buu. Mais après, le problème, Kid Buu... Le problème de Kid Buu, c'est que c'est dangereux. Hein. Enfin, en termes de lien... Ah non, mais avec l'autre, avec le Boutek, à la rigueur. Prends Gamma 1 et 2 en ami. 1 et 2? Bah, je peux pas trop prendre 1 et 2 en ami, malheureusement. C'est compliqué, quoi. Non, c'est la J, pas Bou MF. T'inquiète, j'ai pris les deux, j'ai pris les deux. Alors là... Gamin, il fait quoi en ami leader, juste? Vie artificielle, ok. Ouais, bah vas-y, hein, je prends un gamin. Hein. Gamin 1 et 2 à côté, vas-y, let's go. En item, vous avez des conseils ou on part sur la classique Ah oui, non, mais non, il n'y a même pas de... Ok, c'est... en fait, t'es obligé de prendre ça, ok. Ton Cell End, il va se faire détruire les douches. Tu penses qu'il n'y a pas moyen de gérer? Oui, mais Messel agit en leader, debout MF, c'est nul. Bah, en fait, j'ai pas le choix. Parce que du coup, sinon, le Gamma 2, il est pas lead. Tu vas te faire one tap en vrai. Merde. Comme item, je te conseille Senzu. Ouais, bah oui, tu m'étonnes que tu me conseilles Senzu. En même temps, j'ai pas le choix, quoi. Donc bon, c'est sûr que ouais. Pour réussir, faut transformer Cell et arriver avec lui à la phase, à la dernière phase T1. Ok. J'ai peur. Maman, j'ai peur. C'est normal? C'est normal ou pas? Bon, tu sais quoi, je fais un test. Allez, on fait un test, voir le Cell. On voit, on fait un test.
Et au pire, de toute façon, ça nous permettra de vraiment juger. Parce que je me souviens plus, mais je sais que Cell Max, c'est une angoisse normalement. Alors déjà, tout dépendra de la rotation aussi pour débuter. Bah, nous avons Gamma 1 et Gamma 2 dans cette rotation, donc je vais les laisser côte à côte. Hein. Déjà, Gamma 1, Gamma 2 ensemble, c'est pas mal, non, pour débuter. C'est pas mal pour débuter, je trouve que c'est pas mal. Aïe, aïe, Bou, MF, leader, je sais pas si ça va suffire. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. On va essayer, on va voir. La musique Tenkaichi, incroyable. Ouais, ouais, en fond, là, c'est Tenkaichi, ouais, bien vu. Mais le 1 de... Ah merde, c'était pas mieux de mettre le 2 d'abord? Vu que c'est du contre-type, en vrai, je me suis dit que c'était mieux, non? Je pense que c'était mieux, hein. Bon, au pire, on verra. On me met là-dessus. 97. Je prends une spé. Ouais, je... Ah non, c'est moi qui envoie la spé, ok. Je pense que c'est quand même mieux de y aller avec Gamma 2, non? En first position. Rien voir. Allez, Gamma 2, régale-nous. L'onde de choc. C'est pas mal ce million, c'est pas mal, c'est pas mal. 1,7 million derrière, c'est pas mal non plus. Et plus l'auto-attaque à 2,3 millions, c'est pas mal. Et plus l'aspect supplémentaire. Oh, j'avoue. Oh, Gamma 2. Gamma 2, putain, si je raconte moi, Gamma 2. De toute façon, en vrai de vrai, les gars. Sondage. Sondage. C'est où qu'on fait les sondages? Bouge pas, attends. Sondage. Sondage. Démarrer une session de questions. Non, démarrer un sondage. Merde, hop. Allez, hop, c'est parti. Demandez l'avis à votre communauté. Voilà, il y a un sondage qui se lance. À vous de choisir. Oh là là, la pause, incroyable. Gamma 1 prend des stacks avec les attaques. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aurais dû le faire partir en... Ok, en premier. Aïe. Aïe. Aïe, Bobo. Oui, le boubou. On va y aller comme ça, je pense. Hein. C'est terminé, c'est sûr, tu vas win. Ouais, c'est rien terminé, là, mon pote. Comment ça, genre, qui est le meilleur? Celui que vous préférez, mais pas forcément dans Dokkan Battle. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Pas celui que vous préférez dans Dokkan Battle, mais celui que vous préférez tout court. Faut que tu prennes des dégâts, transfo... Pour transfo le Cell Int. Ok. Oui, oui, faut que je sois en dessous de combien de pourcents de PV? Je sais plus c'est combien exactement, mais... Mais oui, oui, effectivement, ouais. Ah, ok. Je casse la rotation des Cells, c'est pas grave. Allez, let's go. Allez, mon pote. Oui. Ok, 25 000. 36 000. Oui. 70 000, ok, ça va, ça va. Ça... Aïe. 26 000. Aïe, il fait mal ce con. Hein. Putain, il a que des attaques groupées. Bon, j'espère que je ne serai pas mort, je croise les doigts. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, élimination explosive pour le Kid Buu. 4 800 000, parfait Kid Buu, spé supplémentaire. Magnifique le Kid Buu, qu'est-ce qu'il est fort lui, Kid Buu. Lui, je me tâte à prendre des doublons aussi hein, quand il revient ou quoi, parce que vraiment, grosse unité qui debout. Hein. 4,5 millions ici, c'est 9 millions le tour quand même, hein, c'est pas mal. Ok, SP groupé, bon, qui debout, il est bien. Par contre, les autres, c'est toujours pareil, toujours le 70 000 ici, 48 000, ça va, on prend un petit peu moins, ça va. Fallait garder celle int pour les liens. Non, mais je pense qu'avec le AJ, il peut se link aussi, hein. Il en aura un petit peu moins, mais il va se link quand même, non? Faut passer en dessous des 40%. Bah, je crois que c'est bon là, non? J'ai pas fait attention à combien de PV je suis. Moi, quand cause Zappo, 3 millions. Ah, quoique. Ah, ouais, non, non, je suis à 50% là. Ah, c'est peut-être pas. Ouais, pas sûr. Ouais, non, non, je suis pas en dessous là. Je suis pas en dessous. Hein. Ah, mais je l'ai même pas tué. De toute façon, au pire, hein, voilà. La team est trop forte, non? Ouais, mais là, le problème, c'est que je l'ai pas tué. Donc, le sel, il vient te mettre une claque de daron quand t'as 4 sur 20, il part. Ouais. À 47, ouais, 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 mais de toute façon, au pire du pire, j'ai pas tué ou j'ai pas tué ou après là, il va me mettre des petites tartines ici, donc bon, il va me mettre des tartines, t'as régène là, ben ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai full régène quoi, donc bon, malheureusement, c'est compliqué, tu vas te faire one tap à mon avis, hein, comment ça, déjà, petite esquive du papillon rose, ici on prend rien du tout, 28 000. En vrai, j'aimerais bien qu'il me fracasse la tête, mais ouais, non, j'aurais pas la transfo, les gars. La régène avec Gamma 2, et ouais, putain. Ah, c'est pas ouf, là, ce qui s'est passé en vrai, là. Ok, 13 millions. Par contre, attends, l'opening Budokai Tenkaichi 3. Je t'avance parce que on va avoir des problèmes, sinon, de droit d'auteur. RIP. Sans transfo, t'es mort. Ouais, ben là, je suis dans la merde, là, malheureusement, c'est mort. Ouais, ouais, on va recommencer. En fait, je vois le concept. Je vois le concept en vrai, mais là, ouais, pour le coup, malheureusement, dommage, dommage, dommage.
Allez, je me fais juste un test pour le kiff. Ah ouais, ils ont que 3 liens en fait, comme ça, c'est... Putain, je pensais qu'ils en auraient plus, ça. Non, en plus, je pars même pas en spé ultime. Wow. Wow. Allez, tue-moi, prends ma vie, c'est mérité, prends ma vie, on n'a pas réussi le move. Kid Buu en first, non, mais là, on s'en fout, Kid Buu, j'allais dire Kid Buu. Kid Buu en first ou pas, on est mort, t'façon. Crash test, ne refaites pas ça chez vous. Exactement, là, on va se faire allumer, les gars. C'est dangereux, 4009. Allez, spé supplémentaire. Celle bleue n'est pas forme finale, normal, il a peu de liens. Ouais, 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 j'avoue. J'avoue que c'est pas la folie, en fait. C'est vraiment pas la folie. Le sel ZLR transformé, one shot, le sel max, je viens d'essayer, c'est une dinguerie. À ce point? Bon, on verra, on verra. Bon, de toute façon, là, on va se faire ruiner, au pire. Vas-y, fracasse-moi. 300 000. Ok, m'a pas encore tué. Ouah, 500 000. J'ai réussi avec deux sels int ZLR dans la même rotation, tu les transformes et tu one-shot. Ouais, il faut les deux dans la même rotation. Ouais, mais du coup, moi, vu que je joue gamma 1 et gamma 2 en ami leader... En fait, je comprends le principe. Je vois le... Je visualise le chemin. Par contre... ah ouais, mais putain, j'ai pas fait d'équipe, merde. On va faire ça. Vas-y, alors, attends, on va refaire la même équipe. Prends 80k sur l'auto... Adieu les louches. Ah bah là c'était terrible hein. Ça sert à rien d'avoir les gammas dans la team, Lilian. Ah ouais, à ce point? Bah les gammas ils sont forts, t'as vu les dégâts qu'ils ont mis au premier tour. Mais vas-y, au pire je peux faire un test avec double leader comme ça hein. Je peux totalement faire ça bien sûr hein. Mais bon, comme ça on est en 200% et on arrache des têtes quoi. Mais ce qui compte c'est juste celle. Bon, si tu me dis que c'est juste ça, si, il faut les gammas. Pour moi, les gammas, c'est quand même utile. Hein, pour la deuxième phase, même première phase, c'est quand même pas mal. Je sais pas. Si tu veux être sûr, tu prends double cell int et les deux dans la même rota. NDR. Ça fait bizarre de mettre les deux dans la même rota, quand même. Hein. Après, je comprends hein, le concept, hein, mais c'est bon. Vas-y, hein, je fais un test. Je fais un test avec votre technique. Les gammas, c'est peut-être trop fort et tanky pour prendre des dégâts. C'est peut-être trop fort pour tanky pour prendre des dégâts. Ouais, c'est pas faux. Hein. Tu connais Ayano Koji? Alors, je connais, mais j'ai pas regardé. Je connais, mais j'ai pas regardé. C'est. Comment ça s'appelle? C'est le truc avec les étudiants, là. Un truc comme ça, là. J'ai oublié le nom. C'est Classroom of Elite, non? Je crois que c'est ça. C16 in Super Strike, prends-le. Si tu veux. Dans tous les cas, si tu passes pas le premier tour, t'es mort. Donc, sachant que tu vois la puissance de sel, on s'en doute surtout qu'il faut des persos moins forts pour prendre des dégâts, Lilian. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, vas-y, bah, vas-y. Hein. Attends, il passe, lui. Absorption de puissance, il passe, il passe, il passe, il passe. C'est le mauvais C16. C'est pas le bon C16? Ah, merde. Il est où, l'autre? Ah, mais l'autre, attends. J'ai fait le super strike de l'autre, là, de celui que vous m'avez dit? Il est où? C'est le mauvais C16. Mais il est où l'autre? Je l'ai pas, je crois, si. C'est le gratuit, il est où? Parce que j'ai lui, mais il est pas gratuit, lui, si. Ah, c'est peut-être lui, si. Si, si, c'est lui, non? Non, c'est... Si, c'est lui, non? Non, c'est pas lui. Si, c'est peut-être lui. Tu l'as pas fait? Ah, je l'ai pas fait, ok. Parce que lui, c'est encore un autre truc. Non, c'est pas lui, hein. Rien à voir. Hein. Ouais, j'ai pas dû le faire, alors, celui dont vous parlez. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Non. Celui puits à la place de Buu MF Tech pour le support. Celle puits à la place du Buu Tech. Non, mais je peux y aller comme ça au pire, ouais. À la rigueur, je peux y aller comme ça. Ouais, si j'ai pas fait, bah c'est pas grave. Hein. T'as regardé Chainsaw Man? Ah, j'adore Chainsaw Man. Bon, vas-y, on fait un test comme ça. On fait un test comme ça. Lilou, je t'abuse. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Ok, attends, y a pas meilleur que lui. Genre un avec... Non. En fait, il y en a plein des 100%, je pense, mais... pas de sphère. C'est quelle catégorie ta team? C'est absorption de puissance, là, cyborg, non? T'abuses, Lilian, offre 100 subs pour te faire pardonner. Toujours plus, quoi. Attends, mais... Oh, mais non, je peux pas prendre ça, en fait. Et ouais, mais je peux pas prendre ça, parce que là, les bouts, ils sont même pas lead. Si je prends double sel, les bouts, ils sont pas lead. Et non, c'est pas good, en fait. Parce que les deux bouts,
Ils sont pas lead. Il est pas lead des deux côtés. Si, 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 avec lui, il est lead. Parce que lui, c'est absorption de puissance. Donc lui, t'inquiète, il a absorption de puissance, je crois. Ah non. Ah non, il a même pas, putain, je pensais. Ok. Prends le support sel, puis sinon c'est... Ben je l'ai déjà, il est le sel. Le fail. Non, 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 ça passait pas comme ça, les gars. Et ouais, mais du coup, si en ami leader, je prends lui, il faut absolument que ce soit Cyborg. Cyborg, saga de sel. Mouais. Mouais, 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 mouais. Cyborg Saga de sel, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, Cyborg Saga de sel. En vrai, je peux prendre lui, et lui, je crois, il est... Mais même pas, je peux prendre lui aussi, non? Lui, je crois, il est bon, hein. Le duo Int. Ah, lui, il est incroyable, il me semble. Lui, il était très bon. Je vais prendre ça. C'est bon, c'est bon. Yosh, et si tu essayais hors détecteur le C14? C14 Ind, c'est qui déjà celui-là? C'est qui C14? C'est celui avec le chapeau sur la tête là? C'est 17, c'est 18, ils ont un ghost en plus. Ouais, avec l'active skill, ouais. Vas-y Hunter, tchou, bonne soirée à toi du coup. Profite bien. Allez, let's go, on y va comme ça. On va voir ce que ça donne. Aïe, je me suis fait mal. Après, c'est RNG, faut perdre des PV sans crever. Ouais, 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 carrément, carrément. Ok, ben on peut y aller comme ça. En vrai, ça peut être pas mal. On a un leader 200%. De l'autre côté, 180, ça me paraît bien. On est à 589 000 PV. Allez, le sel max ZLR. Sel max ZLR, qu'est-ce que je raconte? Sel max. Sel max. Mais non, mais c'est pas sel max, c'est sel ZLR. Qu'est-ce que tu racontes? Sel max, il est en face, ouais. On est en sel max, ça c'est sûr. Mais bon, ok. Première rotation. Première rotation. Ok. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Est-ce qu'on garde les cyborgs côte à côte? Ces dégâts, c'est... T'inquiète. Ou... Non, je pense que je vais garder un sel. Ah ouais, mais quoique, si on veut jouer les deux sels dans la même rotation... Si on veut jouer les deux sels dans la même rotation, mets en flotteur le C19, C20. Ouais. À la rigueur, ouais. Ouais, 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 à la rigueur, je peux faire ça. Combien de défense, là, juste pour débuter? Oh, 259 000, il a d'entrée de jeu. C'est énorme, en vrai. Franchement, c'est énorme, hein. Garde un sel par rota. Ouais, ouais, ouais. Par contre, dommage, je pars pas en SP ultime. Ça, c'est dommage, par contre. Est-ce qu'il a toujours un boost de défense? Ouais, toujours un boost de défense et d'attaque en SP ultime. Ok. Pas besoin de deux sels, je croyais tout à l'heure. Ouais, bah en vrai, on aurait pu, hein. Après, lui, il fait quoi, déjà? Il a un passif, il a pas de la garde et tout. 6, 6, 7 sphères de ki, 8 sphères de ki, ok. Ouais, ok. Là, il y a combien de sphères, là, du coup? 5, ouais, c'est pas énorme, en vrai. Oh, allez, j'y vais comme ça, comme un bonhomme. Allez, c'est parti. Plus 4 ici. Allez, let's go. Tu vas skip le badak, Lilian. Pour garder au Saiyan Day? Ouais, 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 je pense, ouais. On va garder au Saiyan Day et... Badak, je sais pas, je vais peut-être invoquer un petit peu, mais... En vrai, c'est pas super rentable, les gars. Allez, mon petit sel, c'est ton moment. Fume-le. La petite frappe parfaite. Huch. 7,6 millions pour débuter, SP supplémentaire, monsieur Cell ZLR, tout va bien ici dans le meilleur des mondes. Huch! 3,5 millions, alors il a pas tué, mais c'est tout comme en vrai. Par contre, ça aurait été bien que tu tues, parce que là, si tu prends une SP, c'est pas cool. Bon, écoute, au pire, il est mort, hein, au pire. Hein. Voilà. Oh, Billy, tu vas bien ou quoi? C'est pas vie artificielle, les louches. De quoi c'est pas vie artificielle? Non, on est en Cyborg saga de Cell, là. On est Cyborg saga de Cell en catégorie, ouais. Alors, voyons voir ici. Qu'avons-nous? Nous avons au menu... nous avons de belles choses. Et je vais garder le puissance dans la rotation. Parce que du coup, le puissance, il va nous régaler en vrai à côté de lui. Même s'ils ont que deux liens, c'est quand même un superbe support. Ou soit je l'envoie dans l'autre pour l'avoir dans l'autre rotation en vrai. Et garder ces deux-là à côté parce qu'en termes de liens, c'est beaucoup mieux. C19, C20, c'est pas vie artificielle pour la mission. Ah, mais c'est pas grave. Moi, je fais pas pour la mission là. Je fais juste pour tester le sel en fait. Faut prendre des dégâts. Ouais, 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 faut prendre des dégâts ici. En fait, les gars, moi, je fais, c'est pas pour la mission vie artificielle, là, que je fais le run. Même si, oui, on aurait pu, mais c'est rien à voir, hein. C'est, là, je fais juste pour tester le sel, en fait. Vas-y, bon appétit pour la douille. A tout à l'heure, du coup, sur Hot Guards. Alors, 48 ici. Voyons voir.
Bon, faut qu'on perde de la vie, hein. Allez, les selles, là. Je compte sur vous. On se fait tabasser la tronche, hein. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Il a lâché un 14 millions, lui. Ok, t'as pas tué, ça va. Heureusement, t'as pas tué, hein. Heureusement, t'as pas tué. Oh, il a lâché un 14 millions, comme ça. Attends, par contre... zéro, hein. On prend littéralement zéro. T'as un perso que tu voudrais absolument en Saiyan Day. Pas spécialement, je veux juste être surpris en vrai. Juste une surprise. 3 millions, oh putain, oh putain, oh putain, tue pas, tue pas, tue pas, tue pas, déconne pas. Oh putain. Oh putain, on a tué trop vite en fait. On a tué trop vite les gars. Ils ont abusé de... Ils ont abusé... abusé, j'ai dit. Hein. Abusé d'Okan, get les monstres. Ouais, non, non, mais... Je sens que tu vas te faire one shot. Ah oui, non, mais là, je suis mort, hein, ça y est, hein, je suis finito, là. Quoi, il m'a fait quoi, là? Il m'a bloqué? Ah, il m'a bloqué, en plus! Ah, vas-y, il force. Ça va ou quoi, Austin? Tu vas bien? En vrai, attends. En vrai, ouais, j'avoue. T'inquiète, hein. Ghost, t'inquiète. J'y ai pensé. Tu peux ghost tranquille. Ouais, j'aurais pas dû utiliser le Senzu en vrai, mais bon, c'est pas grave. J'y ai pensé au dernier moment. Mais bon, on fait chier quand même, quoi. Croix en lame des cartes. Ouais, on va faire mal. En vrai, on va faire mal quand même, quoi qu'il arrive. Mais moi, le principe, c'était de perdre de la santé pour arriver à la dernière phase et faire le fameux plan où on est transformé et on lui arrache la tête, tu vois. Donc bon. Eh ouais, comme quoi, Momo, t'as vu Austin, là, je l'ai vu direct. Ça va bien depuis le début du live. Ça va, on va bien, tranquille, en forme. Garde le sel agi pour les liens au prochain tour. Ah bah je crois que je l'ai viré, malheureusement. Ouais, je l'ai viré, hein. C'est vrai que j'aurais pu le garder, en vrai. Allez, let's go. En vrai, il me fait penser à Babidi, le sel deuxième... Oui, le sel deuxième forme. Bon, on dirait trop un sbire de Babidi. Bon, on a arraché 2 barres de santé, malheureusement. Oui, c'est compliqué, effectivement, hein, mais bon. Est-ce qu'on survit en vrai? Est-ce qu'on survivra? Je suis pas sûr, hein, mais bon. Allez, adios. Combien? 67 000, 68 000. Allez, adieu. Bonsoir, non. Ah ouais, non, bah là, c'est clairement, c'est bonsoir, non. Hein. T'as la revive. Quel revive? Y a pas de revive là. 12 millions quand même. Qu'est-ce qu'on fait mal? T'imagines, on n'est pas transformé, on met des 12 millions quand même. Hein. C'est incroyable, hein. Quand il se paye sur C19, C20 et qu'il absent. Ah, si il se paye sur C19, C20. Ouais, mais je sais pas si c'est pas une attaque physique qui fait. Ouais, non, je crois que c'est une physique en vrai. Hein. Je sais pas du tout. En vrai, je sais pas du tout. En vrai, c'est le max jouable pour. Que en penses-tu? Oui, bah large jouable, bien sûr. Alors, ok. Alors, voyons voir. C'est une attaque physique hein, qui fait, ouais, je crois, après en attaque SP. Donc, j'absorberai pas en fait. Je vais pas absorber. Putain, on fait mal quand même. Ouais, ouais, c'est une spé physique. Attends, quoique. Ouais, non, parce qu'en fait, il commence l'attaque spé en physique, donc ça sera physique. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, ça pourrait être considéré comme Kiko, hein, vu qu'il balance un gros rayon avec sa bouche. Mais vu qu'il commence l'attaque par un coup de poing, coup de pied, bah en fait, ça compte pas. Eh ben, c'est pas grave, on y retourne, on recommence, jusqu'à réussir à avoir la rotation pour des... Ah, j'ai pas sauvegardé l'équipe? Non, j'ai pas fait ça. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est sauvegardé, c'est bon, j'ai eu peur. Hein. Non, c'est pas physique, c'est autre chose, donc ça marche pas. Ouais, c'est dommage en vrai, c'est dommage. Allez, on y retourne avec le... En plus, il est pas mal celui-là. Et réussir, il y a grave moyen. Bien sûr, il y a grave moyen. Bah allez, monsieur CellZLR, là. Tu nous montres un peu ta puissance. Cell Max en face. En vrai, de vrai. Cell puissance... Cell... Enfin, Cell forme parfaite face à Cell Max. Je me perds avec les Max parfaites et tout. 1v1 à la même taille. On fait grandir le petit Cell. Bouh, on le fait grandir. Qui est le plus fort? En vrai, on sait qui est le plus fort, mais bon. Bon, sans, non, on s'en fout. On va perdre de la santé, c'est bien ça. Perdons un peu de santé. Sors le C19, C20. Non, non, il est bon. C'est le max, vas-y, il m'a saoulé, il est moche. Quelle est ta réaction quand t'as appris le ZLR des unités des 5 ans? Des LR des 5 ans, bah, j'étais plutôt content parce que, en vrai, ils méritent. Ils sont un peu obsolètes aujourd'hui, donc ils méritent. Mets le 1 de devant pour prendre des dégâts. Ah, j'ai mis le. En plus, j'ai pris le. J'ai mis le cyborg du coup avec masse sphère de ki. Ah non, j'ai pris le. Ah non, j'ai mis le agi. Ok, je pensais que j'avais mis les cyborgs. C'est le max jouable pour. Qu'en penses-tu? Mais je t'ai répondu SBB. Oui, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien en vrai, ça pourrait être sympa.
Quel opening de fou, celui-là aussi, de Burst Limit. Ah, je le kiffe, celui-là, il est incroyable. Salut Natsu, tu vas bien ou quoi? Ça va en forme? Ah, j'ai les deux selles dans la même rotation, c'est cool. Mais c'est pas cool. Allez, go le fumer ici. Bon, par contre, je vais skip parce que du coup, les droits d'auteur... Pas cool les droits d'auteur, je vais me faire allumer. Attends, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, voilà, j'aime bien ça. Ici. Let's go. Imagine Cellmax en forme parfaite. Oh, ça serait un délire, en vrai. Genre, tu sais, un Cellmax, mais qui réfléchit. Un Cellmax achevé, parce que en vrai, si je me souviens bien, Cellmax, il sort, mais il n'est pas achevé complètement. Lian, tu vas voir... Attends, tu vas voir l'avant-première de Demon Slayer au cinéma. Ouais, j'y vais samedi, ouais, pour l'avant-première de Demon Slayer, ouais. La prochaine fois, laisse-toi taper. Ouais, je pense qu'en vrai, il faut que je fasse ça, parce que là, on prend pas de dégâts, et là, on n'en prendra pas suffisamment. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on se laisse démonter la tronche volontairement, en fait. Hein. Ouais, je vais garder ça comme ça, en vrai. Je vais garder ça comme ça, ça me paraît pas mal. Ça va ou quoi, Nagano? Tu vas bien? Salut, Bojoum aussi. Le vrai Bojoum en plus, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, le Bojoum. Comment tu vas? Alors, let's go ici. Allez, voyons voir. S'il te plaît, fais-moi mal. Mais ne me tue pas, juste, tu me fais mal, mais tu me tues pas. Laisse celle agir first. Ouais, non, mais je voulais prendre des dégâts là. Vas-y, voyons voir. 21 000, ouais, mais on prend rien. Les 3, ils tankent trop en fait. Le problème, c'est que les 3, ils. Il m'a fait une esquive en face, c'est incroyable. Après, tu me diras, je le tue pas, donc bon. On verra. Mais j'ai peur. J'ai peur que, encore une fois, on prenne pas. J'ai l'impression avec cette équipe, on prend pas de dégâts. Ah, quoique. Il suffisait peut-être de parler pour subir. Attends, mais c'est qui en deuxième là? Ouais, c'est pas suffisant, 83 000. 83 000, c'est pas ça. Nous, on a besoin de manger un bon 200 000 dans la tête, 300 000 là. Tu vas au Gaumont en centre-ville? Non, je vais aller au CGR à Blagnac. Parce que centre-ville, Gaumont, il y avait plus de place. Ou en tout cas, il restait que des places de merde. Le CGR Blagnac, c'est place libre. Donc en vrai, premier arrivé, premier servi. Vas-y. Ok. Pas assez de dégâts ici. Prends des unités palides au pire, comme ça tu prends des dégâts. Oui, on en est là. C'est terrible quand même de se dire, ouais, on va prendre des unités palides pour se faire démonter, se faire arracher la tête. C'est un peu honteux, hein. En vrai de vrai, c'est un peu honteux. Attends, combien de liens avec lui juste? Attends, je veux juste faire un... 3 liens juste. Eh ouais, mais là on a le... Ouais, non, là il y a trop de liens, en vrai. Trop de liens, je suis obligé de laisser ça. En vrai, je vais mettre celle en first, vas-y. Mais bon, je vais le tuer, là. Le problème, c'est que je vais l'arracher, là. Oui, Natsu, tu vas bien ou quoi? Cell End. Tu penses que j'aurais mieux fait de mettre Cell End en first? Ouais, t'as peut-être raison parce qu'il m'aurait fait les attaques groupées. Non, j'avoue, je suis con. Non, c'est pour moi. Eh ben, on va recommencer, hein. Let's go. Ah, c'est pour moi. C'est vrai que j'ai mis lui comme un débile. 4 millions, spé supplémentaire. Voilà, je fais un critique, je l'envoie au fin fond de l'espace. À la rigueur, si ça crit pas, ça va, mais sinon, bah, RIP. Ok. Ok, ça va. T'aurais dû mettre Cell End en first et t'aurais pris tarif. Bah, ouais. Bah non, mais c'est moi. C'est terrible, hein. C'est terrible d'être aussi con, là, mais à 33 000, je prends. Bof. Ok, 17 000. Allez, je pars en spé, de toute façon, on va le tuer, c'est ça le problème. Aïe, Lilian, t'abuses, hein. Après, à voir. Je demande à voir, quand même, s'il n'y a pas moyen de moyenner quelque part. Ok, il m'envoie sa spé groupée encore. Ah, mais on prend pas de dégâts, on prend pas suffisamment de dégâts là-dessus. Après, j'allais dire, si je le tue pas, j'aurais bien aimé qu'il me fasse une esquive pour pas le tuer. Ah ouais, Natsu, premier youtubeur qui te répond, bah t'inquiète, ça fait plaisir. On va bien. C'est pas prévu, SBB, c'est pas prévu. Et re Kirito. Allez, l'absorption du coup ici. C17, C18, et nous passerons du coup en forme finale, c'est ça? Yeah! Jamais réussi à le passer, ce boss. Bah en vrai, le problème, c'est qu'on peut le passer les doigts dans le nez ici, mais... Mais bon. En termes de lien, on doit être bien là, non? On est pas mal. Le problème, c'est que j'ai aucun moyen de perdre des dégâts. Enfin, de prendre des dégâts sans mourir, en fait, là. Et en fait, j'ai aucun moyen là de m'en sortir. Fais le truc de C17, C18. Bah oui, non, mais je peux faire ça, l'active skill de C17, C18. Je peux, c'est pas un problème. Mais en fait, j'ai pas de quoi subir sans mourir, donc bon. Ça va ou quoi, TKS? Tu vas bien? En vrai, limite, ça sert à rien, là.
J'abandonne. En vrai, ça sert à rien, ça sert à rien. On va recommencer. Bah, tente de tuer sans ce transfo. Moi, je veux le tuer avec la transfo, en fait. Dommage, il n'y a pas un item, il t'enlève beaucoup de santé. Ouais, il manquerait plus que ça, tu sais, pour le challenge, on te met un item qui te fracasse la tête. Ça serait rigolo, en vrai, mais bon. Est-ce qu'il va bien, notre freezer terrien? Ah, Ziol, t'inquiète. Il va bien, il va bien, il va bien. Du coup, on reprend ça. 2. En vrai, ouais, je vais enlever lui, par exemple. Le problème, c'est que même ça, c'est même les trucs comme ça, ça tank, je crois. Donc... En vrai, lui, c'est un bon support, quand même. Je vais mettre lui en support aussi. Free to play. Non, mais tu sais quoi? Non, mais même pas. Je vais y retourner comme ça, et avec un peu de chance, je vais me faire défoncer, t'inquiète. J'ai une idée, j'ai une stratégie en place. Mets le sel int. Non, non, mais regardez, les gars, j'ai une stratégie. Le sel ZLR, on va le faire partir comme jamais contre ce sel max. Il va montrer qui est vraiment le plus fort. J'ai une idée en tête, là. J'ai une strat. Je pense qu'elle est incroyable, ma strat. Mais vraiment. Hein. Ah, là, on peut pas faire mieux. Regarde, là, je vais me faire taper sur le puits. Je mets pas le AG en premier. Sel max en face, t'inquiète. Fais-nous mal. Y a pas de problème. Même à la fin, tu peux me faire mal du moment où tu me tues pas. Moi, ça me va. Premier mai. Ah, c'est tout! Attends, faut taper un peu plus fort par contre. Tu manques de vitamines là. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? La strat, elle va être nulle, je le sens. Non, non, regarde bien. Franchement, j'ai une superbe strat. Bon, 3 millions ici. Ok. Faut juste pas qu'on le tue dans ce tour. Si on le tue pas dans ce tour, en vrai, je pense que ça peut être bien. Alors, voyons voir. 9 millions 5. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites ça aussi? Pourquoi tu fais ça aussi? Et là, on a un tour où on prend 0 dégâts et en plus... Regarde, j'ai une strat. J'ai encore une strat, regarde. Je pars pas en spé. Bon, je pars en spé avec lui à la rigueur. À la rigueur, lui, pourquoi pas? Mais je pars pas en spé avec... Ah, merde. Ok, je pars pas en spé. T'inquiète, regarde. Les deux premières phases, elles sont trop gaises. Mais ouais, en fait, c'est ça, il fait pas assez de dégâts, cet abruti. Oh non, l'aspect supplémentaire. Je voulais pas te tuer, je suis désolé. C'est pas toi. Après, j'ai des rotations de merde aussi, là. J'ai pas de chance. Enfin, en fait, c'est terrible de dire j'ai des rotations de merde, alors qu'en vrai, les rotations, elles sont bonnes pour le détruire. Mais je veux pas le détruire. Moi, je veux des rotations claquées pour me faire taper, en fait. Le jeu, il a dit non. Ah, mais clairement, là, le jeu, il veut même pas qu'on... En plus, appliquer la strat, quoi. C'est terrible. En fait, c'est ça le problème du Selmax, c'est qu'il tape que dalle au début, arrive à la troisième étape, il te déchire en deux. Ouais. Lilian, c'est quoi ta réaction au ban de Twitch de Shiny? Comment ça, ban Twitch de Shiny? J'étais même pas au courant. Il s'est fait ban de quoi? Il a fait quoi? Après, c'est un petit ban, les gars. Ça va être 48 heures, hein, vous inquiétez pas. Hein. La strat de génie, tu vois. Attends, parce que c'est pas fini encore, Momo. Tu parles. Mais regarde, c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore moyen de moyenner quelque chose, quelque part. T'inquiète pas, Momo. Saiyan, c'est pas prévu, non. C'est pas prévu. Alors attention ici, alors voyons voir, ah j'ai trop de PV encore, mais, ouais d'accord je le tue pas avec ça, j'ai trop de PV, mais, t'inquiète, il va me faire mal, allez fais-moi mal, mais comment ça 24, voilà attaque un peu plus fort quand même, 27 000, 18 000, ouais, c'est pas encore suffisant hein. Ok, esquive ici. Ouais, ok. Lilian, c'est un ban def. Non. Bah, c'est pas grave, il va recréer une chaîne, les gars, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il peut contester ou faire un truc, en vrai. Je sais pas, il a fait quoi exactement, j'ai pas vu. Ok, 3 millions 5. Ok. C'est la première fois que je suis sur un de tes lives et c'est nice. Mais merci Théo, merci beaucoup. Hein. Omegle, mais c'est quoi le problème avec Omegle? Omegle, tout le monde fait des lives dessus. Lilian, je te connais depuis longtemps, et je te le dis, la stratégie doit être bonne, mais vu ta luck, elle va pas marcher MDR. J'espère qu'elle va marcher, mais ouais, là, ça a l'air compliqué, en fait. Il me fait pas suffisamment de dégâts. 4 millions, faut pas le tuer. Faut pas le tuer. Ok. On l'a pas tué. En vrai, ma strat, elle va être bonne, c'est bon. Elle va passer, les gars. La strat, elle va passer. Je vais garder lui, parce que c'est un bon... Ah ouais, mais il y a qu'un lien, et là, il y en a combien? Ouais, il y en a qu'un aussi, au pire, tu me diras. Je voulais pas partir en spé. Non. Ok, à la rigueur, je pars en spé avec lui. Normalement, je le tue pas avec lui. Normalement, je le tue pas. Normalement, je le tue pas.
Ok, normalement je le tue pas. Salut Lilian, je t'avais croisé à la TGS, t'étais super sympa et accueillant. Ah ben merci Lupo, c'est gentil. Tu vas bien ou quoi? Ça va en forme? La TGS, Toulouse Game Show. Mais c'était quand? C'était il y a longtemps, non? C'était quand? Attends, non, il y avait une TGS là en fin d'année, non? J'y suis allé ou pas? Je me souviens plus. Je me souviens plus. C'est que j'ai un trou de mémoire là en vrai. Prends pas de Kitek pour ta régène. Ouais, ouais, faudrait. Attends, mais je prends pas assez de dégâts en fait. Ouais, cette rotation, elle prend pas de dégâts, c'est terrible. Elle prend pas assez de dégâts, cette rotation. Je vais manger. Vas-y, Kirito, bon appétit. Tu penses que c'est quoi qui va arriver en premier entre la découverte du One Piece et la sortie de Dragon Ball Xenoverse 3? C'est une bonne question, ça. Attends, il est pas mort? Alors? Non, tue pas. Magnifique, on n'a pas tué. Ok. Il y a encore moyen de faire appliquer la strat. Il y a encore moyen. Il y a encore un monde où on peut faire quelque chose. Tu veux pas faire une spé groupée encore, là? Non? Il va rien faire. Ok. Il m'attaque en premier encore. Ok. La strat est toujours opérationnelle. La strat, les gars, est toujours opérationnelle. Non, pas de régène. Pas de régène. M'en fous. Fais-nous des attaques groupées, fais-nous mal un peu, là. Allez, le trait a l'air de fou. Le trait a l'air rien du tout. Alors, voyons voir. Ok. Ouais, mais il m'a pas enlevé assez de dégâts. Putain, il m'a pas enlevé assez de dégâts. Je crois, je peux pas me transformer, je crois, au prochain tour. Il m'a pas encore assez enlevé de dégâts. Je crois qu'il m'a pas enlevé assez, malheureusement. J'ai pas fait attention, mais je crois que c'est pas suffisant. Voyons voir. Ah, il en manque un peu, je crois. Ah non, si, non. Non, il en manque un peu. Non, pourquoi? Attends, il fait quoi, lui, son active skill? Attends, tu pourras montrer ta box. Ouais. Ah, il s'enrage. Ah, mais s'enrager, du coup, ça veut dire qu'on prend... Lilian, je t'ai vu de loin, mais j'étais pas sûr que c'était toi, car le reflet du soleil sur ton front m'aveuglait. Pas mal, Kevalel. Pas mal. Après... Ah ouais, mais j'ai passé 18, là, dans le tour. Je sais pas quoi faire. T'as un Senzu pour tanker, voir si tu survis? Non, mais jamais je survis là, non? J'ai un Senzu, mais... En vrai, y a aucun monde où je survis là, dans cette histoire, en fait. À mon avis, c'est dead. Je pense que c'est dead. Yo, Mohamed, ça va ou quoi? T'es à 42% de PV MDR. J'étais à 42%, voilà, c'est scandaleux, en vrai. C'est scandaleux. Bon, c'est pas grave, on va tenter de voir... Avar. Tu meurs à la fin. Ah oui, là, je meurs avant même. Allez, je retente un coup. T'aurais dû active skill. Ouais, mais ça aurait rien changé en fait. J'aurais été enragé, j'aurais pu faire des dégâts, mais je m'en fous. En fait, moi, je veux pas le tuer sans être... En fait, je veux transformer le sel pour voir la puissance en fait. C'est surtout ça. C'est surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est de le transformer pour voir la puissance. Là, c'était pas le cas. Mais... En vrai, il y a de l'idée. Je pense qu'on peut y arriver, les gars. Je recommence. Allez, Monsieur Cell, tu me défonces le Cell Max. Tu nous montes la puissance. On arrive à te transformer. On a une stratégie en place. Tu me le démontes. Alors, voyons voir. Première rotation. C'est une rotation où on a moyen de prendre un peu de dégâts, là. C'est une rotation comme je les aime. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Cell en premier. On va mettre Cell en premier. Ça me paraît bien, Cell en premier. Pour prendre des bons dégâts dans la tête, ça me paraît pas mal. Bon, je pars en spé ultime, ça c'est pas la folie, mais ça me paraît pas mal. Allez, on va faire ça tant qu'on y est, au pire. Ouais, voilà, pars pas en spé, toi, du coup, pars pas en spé. Voyons voir. Prends des dégâts. Envoie-moi une spé, s'il te plaît. C'est rare que je demande à... Oh, il a esquivé, magnifique. Super, Cell, c'est super ce que tu fais. Là, l'objectif... Non, mais attends, mais il m'envoie rien, il est nul, ce Cell, le premier Cell, il est horrible. Ah, le premier sel, il est horrible, en fait. Il fait vraiment zéro dégâts. C'est terrible. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Allez, sois gentil. Tu veux pas envoyer des spé, tu veux pas faire des dégâts un peu, quelque part? Bon, c'est pas grave. Écoute, pour la peine, vu que tu veux pas faire de dégâts, moi, j'ai un deal à te proposer. Je t'envoie en enfer sur la première phase et on accélère directement à la deuxième. Parce que là, sinon, tu nous fais pas avancer, mon pote. Et ça, j'aime pas. Lilian fait tanker ses 18 et ses 16 endurance sur la première et deuxième phase. Oh, t'inquiète. Hein.
Fais la red zone de Broly, c'est mieux. Ah, c'est maintenant que vous me le dites, après une heure à essayer de faire le Cell Max. Allez, je reste ici. Maintenant que j'ai compris la stratégie, je reste ici. Hein. Allez, descends du coude. 4 millions 3. Allez, on l'envoie en enfer ici. Il se passe quoi depuis le début du live? Alors, on a fait les ZLR de Cell, de Gohan. On a testé Gohan et là, on est en train de tester Cell. Mais c'est un peu chiant parce que... Parce que du coup, bah, il arrive pas à nous faire des dégâts sur les premières phases. Et nous, on lui en fait un peu trop. Et du coup, bah, c'est un peu chiant. En fait, on n'arrive pas à appliquer la strat qu'on voudrait. Qui est intéressante pour le, vraiment l'atomiser sur la dernière phase. Allez, go comme ça. Lilian, après avoir calculé, merci la calculatrice, tu étais en dessous de 237 000 PV pour transférer... Tu dois être en dessous de 237 000 PV. D'accord, en dessous de 237 000 PV, je peux transformer le sel. Ok, super. Allez, ben on y va comme ça alors. Même là, il fait zéro dégâts en fait. Même sur mes personnages de type endurance, vraiment, il me fait zéro dégâts le bonhomme en face. Ouais, envoi d'SP Blaster Max, vas-y. C'est sur qui l'a envoyé? Sur sel, ok. 100 000. Ah mais bon, faut, en fait, c'est pas 100 000 qu'il faut que tu m'envoies, c'est genre 400 000 même. Mets un perso nul pour prendre des dégâts. En vrai, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais quitter, et je vais mettre un mec, pas de l'idée, rien du tout, qui sort de nulle part. Et voilà. Comme ça, on survivra. Enfin, on survivra, on prendra des dégâts, mais on survivra. Dis merci au moins. Merci Momo. Manene Momo. Ok, mais j'ai pas passé les animations de... Il me semblait avoir enlevé l'option. Sinon, je te suis depuis Xenoverse 1 et les modes MDR, j'étais gamin, j'avais 8 ans. Oh putain, ça date, Gojo, du coup, t'as quel âge là? 16 ans même, non? Tu dois avoir 16 ans maintenant. Bon, attends, regarde, je vais quitter. Regarde ce que je vais faire. Allez, dernière tentative. Parce que sinon, c'est prise de tête en vrai pour rien. Donc bon. En vrai, je savais que j'aurais pas dû aller en Cell Max tout à l'heure. J'ai dit quoi? Oh, vas-y, j'en peux plus, je veux pas faire ce mode de jeu et tout. Je le savais, j'aurais pas dû. 16 ans maintenant, Gojo. Ouais, 8 ans, hein. 8 ans, 8 ans. Bon, regarde. Enfin, regardez, pardon. Du coup, je prends le même ami leader, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, juste, c'est que je vais enlever... Je vais enlever... Allez, toi, je t'enlève. On va faire ça. On va faire... Bon, on va prendre quand même un UR ou un LR, là. On va prendre un truc, franchement, claqué un peu. Hein. Ah, c'est Lilian, je te suis depuis 2016 avec Dokkan Battle et Xenoverse, toujours heureux de te suivre en 2023, continue comme ça, t'es un monstre. Est-ce que tu penses... Attends, et que penses-tu du perso qui est Granola? Ah, Fares, merci déjà pour ton message, déjà gros merci. Et écoute, qu'est-ce que je pense de Granola? Que j'ai hâte de voir en animé ce que ça va donner, parce qu'après moi j'ai pas forcément lu les scans de Dragon Ball Super. Je sais ce qui se passe, mais sans avoir vraiment lu. Et en vrai, son histoire elle peut être super intéressante. Donc à voir. Je connais plus ou moins son histoire, sans spoil, mais pas tout dans les détails, donc j'aimerais bien voir. Salut Dora, salut salut, ça va aussi? Garde-le, il a le Ghost gratos. Ouais, mais le Ghost en vrai il nous sert à rien. En vrai, le Ghost... Ouais, quoique, en vrai, ouais, si, c'est vrai que j'avoue que Ghost, c'est bien. Mais les autres, c'est des supports, en fait. C'est pour ça que je les ai dans l'équipe. Et du coup, je peux pas les enlever non plus, tu vois. Bon, au pire, vas-y, j'enlève lui aussi. Et je vais mettre... je sais pas, je vais mettre un truc Hervé... Hervé et Jean-Pierre, là, vas-y, hop. Voilà, je mets deux unités. Je mets deux unités qui sont pas lead. C'est bon comme ça ou pas? Deux unités qui sont pas lead, je pense que ça peut le faire. Donc on y va comme ça. On voit ce que ça donne. Monsieur CellLR, ZLR même, 100% full lien 10 contre CellMax. On a beaucoup moins de PV. Mais normalement, on a une stratégie en place qui nous permettra de l'atomiser, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors ici, première rotation, et évidemment sur la première rotation, ce qu'on ne voulait pas est arrivé. En fait, je voulais pas cette rotation parce que... Bah là, en fait, on va le tuer, et lui, il va nous faire zéro dégâts. Donc c'est pas la folie, malheureusement, ici. Là, je suis obligé de le tuer, en fait, et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc je suis un peu triste. Vegeta agile et lead. Ouais, mais il prendra cher quand même, t'inquiète. Alors, voyons voir. 46, donc là, on prend pas de dégâts. Là, on va l'envoyer en enfer. Je fais exprès de pas partir en spé ultime, mais je pense que ça va suffire quand même à le tuer, parce que on a des bonus, tout ça. 5 millions... Spé supplémentaire, et encore ça a pas critique, hein. 5 millions sans critique. Hein.
Alors, voyons voir. Descente du coup d'ici. 5 millions encore. Allez, l'auto-attaque supplémentaire à combien? 1 800 000 et nous avons passé déjà la première phase. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, ça va, Dora. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, ici. Ici, ici. Objectif. Prendre cher. Alors, après, est-ce que le Vegeta, là... est-ce que vraiment Vegeta, je le mets là, comme ça, là? Ça fait peur, quand même. Hein. J'ai peur de prendre trop cher, quand même, sur Vegeta. En vrai, le Vegeta, il est quand même pas l'idée, donc... là, est-ce que je le mets... En fait, avec les attaques groupées... Vegeta agit, il est lead. Ouais, mais c'est pas grave, Vegeta agit. En vrai, je pense qu'avec les attaques groupées, il y a moyen qu'ils prennent cher le Vegeta Int, non? Je pense que j'ai pas besoin de... Techniquement, de le mettre en première position. Je pense que ça ira. Ici, je fais exprès de... Si, je vais l'arracher quand même un peu ici. Si, je vais l'arracher un petit peu ici. Il a combien de défense? Je sais pas, mais il a pas beaucoup, en vrai. Je pense pas qu'il ait grand-chose. De toute façon, on va vite s'en rendre compte. Alors, 73 000 déjà là-dessus. En vrai, je pense que je vais prendre suffisamment cher ici. Je l'adore, ce Vegeta. Ce Vegeta, il est trop trop bon. Hein. Je sais pas si vous le jouez, mais vraiment, c'est un petit kiff personnel. C'est comme le Goku Crise Cardiaque, c'est deux unités que j'aime énormément. C'est pas des Dokkan Fest, mais je les adore. En plus, ce Vegeta Super Saiyan là, notamment celui-là, je le trouve vraiment stylé en vrai. Ok, ici. Allez, envoie-nous des attaques groupées. Parfait. Attends, j'enlève ça. 49 000. 160 000. Oh putain. À tout moment, je crois qu'on passe même pas. Hein. MDR, l'équipe. Ah, je suis obligé de régresser l'équipe pour passer. Mais là, je crois que le Vegeta Int, en vrai, je crois que j'ai un peu merdé, là. Parce qu'à la fin, je vais prendre cher. Hein. À la fin, je... Ah, je suis mort. Hein. Il me met des grosses baffes. Oh, il a fait une esquive. Ok, c'est bon, parfait, c'est bon. Le plan a fonctionné plus ou moins. Le plan, je répète, le plan a fonctionné. C'est bon, je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis pas mort. C'est bon. L'esquive magnifique. Ah, l'esquive, elle nous a régalé. Hein. Allez, la transformation du coup ici. Pour le premier sel, en tout cas. T'as craqué, j'ai... Ouais, mais alors attention, parce que en fait, j'ai le premier sel qui s'est transfo. Eh ouais, mais en fait, j'ai le premier sel, mais le deuxième, il est pas transformé. Et ouais, mais le deuxième, il est pas transformé. Ah ouais, le deuxième, il est pas transformé, en fait. Je suis mort, en fait. Faut pas kill. Ah, faut pas que je le tue là-dessus. Mais le problème, c'est que je pars en spé quoi qu'il arrive. Eh ouais, je pars en spé, triple spé, ce que tu veux. Ah, c'est foutu. Le mauvais timing. Faut que tu le tues avec l'autre rotation. Eh ouais, mais là, je peux pas. Là, je peux pas le tuer avec l'autre rotation, en fait, les gars. Je peux pas. Essaye de limiter les dégâts. Ils ont tous trop de ki. Il y a trop de sphères de ki partout, les gars. Je pars en spé dans... Il s'est passé quoi, la merde? Je pars en spé, quoi qu'il arrive. Ah, putain. Oh, merde. Qu'est-ce que je peux faire, là? Attends, je réfléchis une strat, là, mais... Ah, merde. Fallait garder le duo cyborg pour Ghost, du coup. Eh ouais. Complet, complet, complet. Oh, merde. Oh là là, ça me saoule. Ça me saoule. Ah ben là, il est archi mort en face, il sait pas, mais il est mort. Il faudrait un miracle pour pas qu'il soit mort. Attends, quoique, si je critique pas, les gars, il y a peut-être un monde où... Arrête de taper, enfoiré. Attends. Tu l'allumes rien qu'avec le sel ZLR, je pense. Non, en vrai, vu que j'ai pas critique, je l'ai pas tué. Parce que j'ai pas critique. Mais s'il te plaît, lui fais pas mal, je t'en supplie. Zéro de dégâts. Oh, t'abuses, 6 millions, t'abuses, celle deuxième forme, t'abuses. Et l'autre, il va faire 9 millions aussi, on le connaît maintenant, hein, forcément. À part s'il me fait une esquive. Esquive là, je t'en supplie, esquive là. Adios. Il est mort. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, et là, j'aurais eu C17, C18, j'avoue que là... On aurait pu faire quelque chose, mais bon, malheureusement, rip. Ouais, je vais remettre C17, C18 par sécurité. Purée. Mais c'est un délire, ça fait une heure qu'on est sur ce mode de jeu. Ça fait une heure à rien faire, en fait. C'est une heure limite de live dans le vent, j'ai l'impression, je te jure. Ah, j'en peux plus. Qui a eu l'idée d'aller sur le Cell Max? Pourquoi j'ai écouté?
Pourquoi j'ai écouté? J'aurais pas dû. J'ai l'impression que j'ai perdu une heure de ma vie là. Waouh. Ça me rappelle John avec le Jubai. Ah ouais, pourquoi il a fait quoi? Il s'est passé quoi? Bon, je vais remettre ses 17. Je vais enlever le Vegeta là. Je vais garder le Vegeta Int. En vrai, je vais pas mettre un Int parce que vraiment, j'ai pris vraiment trop cher sur la deuxième phase. Je vais quand même mettre un truc. Je sais pas, un truc tech là, un truc comme ça. Ah, lui, il est l'idée, non? Ouais, il est l'idée, lui. Hein. Si Banks Agathe Sen, normalement. Ouais. Red Zone, au pire, c'est trop long. Ouais. Moi, je suis venu il y a 20 minutes, j'ai vu Cell Max en fait, mais c'est vraiment mieux de faire le Broly. En plus, sa deuxième phase est tech. Ouais, mais c'est vraiment, on a voulu me conseiller de faire ça là-dessus, donc je sais pas pourquoi, et du coup, ben voilà, c'est pour ça que plutôt que de faire Broly, on est parti en Cell Max, quoi. C'est pour ça. Bon, je fais une dernière tentative et on verra. On verra bien, on verra bien. Je vais mettre qui en vrai? Je sais pas qui mettre. Mais ça tank. Mais non, ça tank, il va tanker. Non, 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 non. Non, je mets un truc rien à voir, tu vois. Vas-y, je mets un truc comme ça. Pff, il va se faire éclater, mais c'est pas grave. Tu joues aussi à Dragon Ball Legends? Ouais! Ouais, 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 je joue à Dragon Ball Legends, ouais. Donc du coup, Extreme Tech. Allez, je remets ces 18. 200 tentatives plus tard. Bon, allez, les gars, vraiment, celle-là, c'est la dernière. Ah, de ouf! Non, allez, vas-y, c'est parti, du coup, pour le Cell ZLR. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour le Cell ZLR. Face à Cell Max, avec une team un peu troll, de manière à... Allez, à pouvoir transformer mes deux Cell ZLR. C'est l'objectif. Ok, alors là, déjà, on peut prendre des dégâts. Là, déjà, c'est une bonne nouvelle. Meijin en première position. Il va se faire tabasser, normalement. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, fais-toi tabasser, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais genre, prends une attaque spé dans la tête. Prends un truc, tu t'en relèves même pas, à limite. Combien? 68 000 60... Oh, il a pas pris assez. Tu pouvais pas prendre une attaque spé. Oh, il m'a esquivé celle, ok. Mais bon, la deuxième... Oh, il a esquivé les deux attaques de celle. Oh, incroyable. D'accord, bah il est déterminé en face. Il est déterminé, pourquoi pas. Ça va et toi, Dinaz? C'est fort shot. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, tu vas bien? 4 7 millions ici, ok, de dégâts. Allez, pas de soucis. Ouais, celle, vas-y, tu veux pas prendre des dégâts, celle? Mais je crois qu'en vrai, le Cell, même même lui, c'est un ZLR, mais je pense que même sur la première phase, il encaissera, même s'il y a une attaque SP ou quoi, imaginons, il encaissera quoi qu'il arrive. Lilian, c'est le seul mec qui veut prendre des dégâts sur le Cell Max. Ben ouais, parce que je veux transformer mes deux Cells, quoi, mais en vrai, c'est pas facile, en vrai. Je me rends compte du truc, je pense que celui qui m'a conseillé d'aller en Cell Max, c'est un scandale. Vraiment, il savait dans quoi il allait nous aventurer. C'est un malin, en vrai, c'est un malin. Je prends pas de SP. Tu veux pas nous envoyer une spé, s'il te plaît, on perd pas de... Ah non, il nous envoie pas de spé. Bon, c'est pas grave, prochain tour, on a le Vegeta qui va prendre cher, en vrai. En vrai, il y a moyen de moyenner un truc, hein. Il y a vraiment moyen de moyenner quelque chose. Bon, là, je tue. Normal, Cell ZLR, ça pardonne pas. Salut, Feitan, tu vas bien? Babi dit, ok. Tu dois passer en dessous des 221 000 PV pour transformer le Cell. Ok, merci, Momo. Je vais essayer d'y arriver, alors. Ouais, Aaron, ça va et toi? Bon, là, il y a de l'attaque groupée. Ça va, normalement, attaque groupée, on devrait s'en sortir, non? Attaque groupée, je fais exprès de... Limite de pas partir en... Ah ouais, mais j'aurais peut-être dû garder Meijin, non? Yo, Blatino, tu vas bien? En vrai, je fais exprès de pas lui faire de dégâts. Ok, je fais exprès de pas lui faire de dégâts. Allez, je fais exprès de pas faire de dégâts. Comme ça, on subit. Prochain tour, on a un premier Cell qui se transforme, ça serait pas mal. En vrai, tranquille toi. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez. Bon, là, on le touche, on lui fait un peu de dégâts, pas de soucis. Meijin, il va mourir. Mais non, il va pas mourir, Meijin. Et confiance en Meijin. Ok, on prend une SP sur C17, C18. Ça me va. 200 000. Oh, aïe, 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 aïe. Quoique, j'en ai peut-être trop demandé, là. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, on est mort. On est mort, on est mort. On est littéralement mort. On est mort, on est mort. On est mort, on est mort. Ah, t'inquiète, Blatino, pas de soucis. Putain, j'en peux plus. T'es mort. Ouais, 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 non, non, mais je suis mort. Mais c'est pas possible, putain, c'est pas possible. Non, mais c'est un scandale. Quand je veux mourir... Quand... En fait,
Depuis tout à l'heure, je perds pas de PV. La seule fois où je me dis, ça va le passer, ça va être bien et tout, le mec, il meurt, quoi. Trop fort, le Medjin. Non, mais... Eh ben, on y retourne pour l'appel. Pour la peine. Allez, Cell, ZLR, tu peux y arriver, mon pote, en Cell Max. Non pas que c'est dur, mais que c'est trop facile pour toi, on l'a compris. Mais bon, quand même. Oh, Medjin est en première position. Direct. Après, j'ai une belle rotation, là. Mais vas-y, c'est pas grave. Je casse ma rotation pour que Medjin, il se fasse punir. Allez, Medjin, fais-toi gronder par, par le Cell Max en face. Pas de problème. L'objectif, perte de la santé, transformer. Allez, tu prends combien, là? Rigolons un coup. 58 000? 60 000? C'est tout! Oh, tu pouvais pas prendre plus, en vrai? T'abuses. C'est pas suffisant. Nous, on a besoin que tu prennes un peu plus, même. Français, Blatino, je suis français, moi, d'origine. Ouais, je prends une spé ici, mais bon, elle va pas me faire de dégâts parce que c'est le sel ZLR, donc en vrai, voilà. Eh ouais, mais ça me va pas, cette histoire. Je t'avais dit qu'il allait faire 200 tentatives. Ah ouais, non, mais vraiment. Ok. Bon, là, c'est une rotation, on va pas prendre de dégâts, malheureusement. Là, on sait qu'on va tuer, voilà, y a pas de... Y a rien d'autre d'envisageable. Voilà, là, on est obligé de tuer quoi qu'il arrive. Là, j'aurais beau faire ce que je veux, dire ce que je veux. Là, je suis obligé de tuer, malheureusement. Faut prendre Siki avec Majin. Ouais, mais le truc, c'est que si je prends Siki, je crois il a la garde activée, non? Et encore, là, il est pas transformé en Majin. Donc, du coup, je suis obligé de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tank. Bon, 7 millions ici. Allez. Absorption, du coup, du sel Agis, hein. Salut Bandito, tu vas quoi? Tu vas quoi? Tu vas bien? En forme? Désolé, je fatigue, ça y est là. Ça m'a fatigué de pas réussir ce que je veux faire en fait. C'est horrible. Ouais, le Babidi! Let's go, ça va passer. Bah, j'espère, j'espère. Hein. Bah, justement, avec la garde, il prend des dégâts, mais pas assez pour die. Ah, tu penses qu'il y a une strat à faire par rapport à ça? Tu penses qu'il y a une strat à faire en mode... je prends 6 sphères de ki, je survie? C'est combien? C'est 6, hein, on est d'accord. Hein. Si c'est 6 sphères de ki. Ouais, 6 sphères de ki. Ok, garde activée, ok. Comment je peux faire tomber les 6 sphères de ki? J'ai ma petite idée en vrai. En vrai, j'ai ma petite idée. Non. Là, ça tombe, j'en aurai 6. Ouais, je pense que là, on peut faire là. Là, je pense. Ok, on est à 7. Ok. On est à 7 sphères de ki, donc on a la garde activée. On va prendre cher, mais normalement, ça devrait aller. Vas-y, on va voir. 86, 32, 50 000, ok. Va falloir encaisser à la fin les attaques. Hein. Va falloir encaisser les attaques à la fin. Hein. Alors, on va voir. Ok, ok. Alors, 16 000, 50 000. En vrai, on est bien, là. Franchement, on est bien. Hein. On est pas mal. On a pris des bons dégâts, en vrai. Faut juste pas qu'il m'envoie une spé, parce que sinon, je suis mort. Ah, c'est honteux. C'est honteux. Attends. Ah non, c'est bon, je suis pas mort. C'est bon, putain. Je croyais que j'étais mort. Ok. Fouh. Yo, Zerdali, ça va ou quoi? Ah, je pensais que j'étais mort. Tu connais Gintama? Oui, mais j'ai jamais regardé. Ok, c'est bon. Première transfo. Bon, par contre, il est... Si possible, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à ne pas tuer ici. Faudrait que j'arrive à ne pas tuer là-dessus. Après, quoique, en vrai, si, je peux tuer, non? Faut pas le tuer. En vrai, là. Je fais quoi? Je le tue? Je le tue pas? Non, je le tue pas? Je le tue pour obligé, je pars en spé avec Cell. Et en vrai, partir en spé avec Cell, c'est synonyme de... On va fracasser, quoi. Donc bon, je pense que... Ça va et toi, Pierre-Lucie, tu vas bien? Merci Aaron, c'est gentil. Hein. Non, tu surtout pas. Ok, je tue pas alors. Enfin, je vais essayer de pas tuer. Le problème, c'est que c'est pas un cadeau, là, de pas tuer. Hein. Vas-y, on va voir. Normalement, je pars pas en SP ultime, ok. J'espère ne pas tuer, mais j'ai un doute. Hein. Prochain tour, c'est la fast tech. Ouais, je sais. En fait, faudrait que je tue au prochain tour pour arriver avec... cette rotation au tour d'après et le fracasser, dans l'idéal. Par contre, ton sel ZLR prend 0 dégâts, là. Ah oui, bah complet. Hein. Si tu le tues, prochain tour, tu meurs, hein, tu penses?
Non mais je vais pas le tuer, je vais pas le tuer ici. Ah ouais Momo. Tu m'enverras ça du coup. Regarde les deux sets dans la même rotation sur les 1, tu pourras mieux tempo et partir en spé. Ouais j'ai gardé C17, C18 en fait pour avoir le skip mais... Enfin pour avoir l'active skill mais ouais c'est sûr que les deux sets ensemble c'est bien. C'est bien, c'est mieux en vrai. Ouais. Ça va, ça joue à Dragon Ball. Ben ouais il faut hein. Il faut pouvoir jouer à Dragon Ball. Ok ici. Vendu. Alors... Qu'avons-nous au menu? Ben, on a un menu très corsé, un menu où on n'a pas envie de... En fait, c'est un menu où on a envie de mourir, là. Enfin, de prendre des dégâts, mais c'est un menu où on prendra 0, malheureusement. Donc bon, j'ai envie de garder le puissance. Ouais, je vais garder le puissance, en vrai, quoi qu'il arrive, parce que le puissance, c'est un support. Hein. Tue-le maintenant. Vous pensez c'est mieux de le tuer maintenant, là? Là, tu le tues. Je le tue ici? Ici et maintenant? Face to face? Moi j'avais une autre idée en tête parce que là, prochain tour les gars, j'ai C17, C18. En fait pour moi j'ai pas envie de le tuer ici. Hein. J'ai pas envie, en fait j'ai envie de transformer les deux selles. J'ai envie de... Garde le AJ. J'ai envie de transformer le deuxième sel. J'ai pas envie de le tuer du coup. Pas besoin. Mais j'aurai que C17, C18 dans la prochaine rotation. Ouais Paco, ça fait longtemps que je live YouTube. Hein. Bon, je vous fais confiance, c'est vous qui le dites. Je vous insulte hein, si on le tue pas au prochain tour. Hein. Allez, let's go alors. Célian, t'as repris le live YouTube ou c'est fini Twitch? Non, t'inquiète, Twitch, juste après on va y aller, juste après. Je ferai une petite pause de 20-30 minutes, rapidos, le temps d'aller manger un petit bout. Et ensuite on va sur Twitch pour Hogwarts Legacy KTM, t'inquiète. On fait les deux. L'OST DBZ Burst Limit, exactement. Allez, let's go! Elle est incroyable cette OST en vrai, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une tuerie, mais je vais la skip parce que les droits d'auteur... J'ai un peu peur des droits d'auteur. Ça fait longtemps dans les lives YouTube, disant. Oui, bah oui, enfin que j'ai repris deux semaines, là. Une semaine et demie, deux semaines. Allez, on l'envoie en enfer ici, 3,9 millions. Tu connais Gintama? Je connais, mais j'ai pas regardé. Et là, le problème... Alors là, j'ai une des pires rotations possibles. Mais... It's time! Monsieur Cell... Attends, on a combien de liens? On a que un seul lien avec... C'est terrible, parce qu'en fait, on va pas pouvoir voir l'étendue de la puissance. C'est pour ça que je voulais pas faire ça, tu vois. C'est que là, en fait, je voulais voir l'étendue de la puissance du Cell transformé avec une bonne rotation. Sauf que là, j'ai C17, C18 à côté, c'est que un lien, tu vois. C'est pas énorme, hein. Tu trolls, je te tue. Bah j'ai juste à claquer l'active skill et merci au revoir quoi en fait. C'est tout hein. Tu veux que je fasse quoi de plus? On y va? Parce qu'attends, l'active skill de C17 et C18 il fait quoi? Parce qu'il annule du coup les attaques. Ouais c'est tout, il fait que annuler, il n'y a pas de boost ou je sais pas quoi. Salut Quatzaru, ça va ou quoi? Allez vas-y c'est parti. Active skill 9 millions. SP ultime. Franchement, les gars, j'ai peur, là. Franchement, j'ai très peur, hein. Démonte-le. Ah, je vais faire ça dans la sécurité, mais franchement, 9 millions, l'active skill, t'auras zéro lien. Bah ouais, c'est pas la folie, là, hein, en vrai. Tu galères un peu. Non, mais c'est honteux, en vrai. T'as l'air dégoûté. Mais bien sûr, je suis dégoûté. Franchement, il va pas mourir. Mais à part si je fais 2-3 spé, voyons voir. 16 millions. Oh, il a fait qu'une spé, il a pas fait de spé supplémentaire. Oh mon dieu! Il a pas fait de spé supplémentaire! Il a pas fait de spé supplémentaire! Aïe 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 aïe! Bon, oh, je peux quand même peut-être le tuer, mais. Ah, c'est honteux! Ah, c'est honteux! Le laser dans les boules, ça pique! Ah, le laser dans les boules, qu'est-ce que tu racontes? L'active skill, je m'attendais à mieux. Bah ouais, pareil. Hein. Il aurait tapé 17 millions au moins. Pourquoi t'as pas pris les sphères de qui, tech? Je sais pas, mais de toute façon, au pire, j'aurais pas tué, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, j'aurais pas tué, donc bon. 9 millions ici, c'est pas mal. Et lui, il se paie supplémentaire alors qu'il est pas transformé avec 9 millions de dégâts. Aïe. Voyons voir. 5 millions. Bon, de toute façon, on est mort, hein, mais bon. Tu vas sur quoi après, sur Twitch? Sur Hogwarts Legacy. Ah, le pire, c'est que je résiste à son attaque spé, quand même. Incroyable. Bon, après, là, je suis mort, quoi qu'il arrive, mais bon.
Je résistais à son attaque spé, quoi qu'il arrive. C'était 7 millions. Imagine. Attends, parce que le sel agilité, à tout moment. À tout moment, le sel agit. Oh, oh, le sel agit. Le sel agit. Oh, incroyable. Oh, le sel agit, il est venu, il a vu, il a tartiné. Ok. Ok. Ah, sel agit, ok. MDR, sel agit, il est meilleur. Ah, incroyable, le sel agit. Let's go. Pourtant, je crois... Ah non, mais si, j'ai quand même 2-3 doublons dessus. Mais bon... Incroyable, mais ça m'énerve parce que ça montre pas l'étendue de la puissance. Non mais en fait je m'en fous Momo, tu vois, limite on l'a passé, c'est cool. Mais en vrai, d'un côté je m'en fous, dans le sens où moi ce que je voulais, c'était que en fait on puisse transformer et tuer avec une bonne rotation, tu vois. C'était pas de tuer comme ça. Je voulais vraiment qu'on arrive à se transformer et à le tuer avec une rotation et lâcher des 20 millions, tu vois. En fait c'était surtout ça. C'est pour ça que je suis un poil déçu, quoi. Va sur Broly, tu verras, ça sera vraiment mieux. Ouais, mais là, ça y est, j'ai la flemme. Maintenant qu'on a réussi, ça y est, ça m'a saoulé. Maintenant, on a perdu plus d'une heure et demie dessus, quasiment. Voilà. En plus, t'as des items. Non, mais bien sûr, Gojo, je pense que c'était mieux d'aller sur Broly direct. Sauf que j'ai suivi les conseils du chat. Les fameux conseils du chat. Bah, au final, ils ont pas été rentables. Hein. Majin en troisième rotation. Majin, il est en troisième rotation? Oh, putain. Ah, il est loin, alors. Il est loin. Ah, ouais, il est loin. Oh, Majin, t'abuses. Yoshineo, ça va ou quoi? Salut Sabador aussi, vous allez bien? Merci Gatsugzer, merci à toi. C'est gentil. Lis le passif du sel en transfo, faut prendre 8 ou 9 sphères pour tous les bonus. Ok, ok, Fouet, je vais lire ça après alors. Le ban pour S-Gang, ouais, on m'a dit, mais j'ai pas compris pourquoi il a été ban définitif, je comprends pas, enfin ban def. Au pire, il va recréer un compte, tu vois, c'est pas grave, mais je comprends pas en fait. Il te sert à quoi ici le Majin? À prendre des dégâts? Et en gros, il me sert juste à prendre des dégâts, le Meijin Knil. C'est tout. Il sert qu'à ça. À se faire défoncer la tête pour qu'on puisse derrière se transformer les selles. C'est tout. Je crois qu'il y a eu un troll sur Omegel. Ah ouais, mais c'est quoi? Il y a eu un Shibrax qui a été sorti ou c'est comment? Mais il va être déban, les gars. Il va être déban. Il n'y a pas de ban def, ça n'existe pas. Enfin, vous verrez, il sera déban. Ah, Sabador, c'est pas toi qui a fait ça. Fini, il était ban pour moi, je sais pas, on verra. Mais je pense qu'il sera déban assez rapidement, vous inquiétez pas. Il a des connaissances qui ont des connaissances bien placées chez Twitch. Voilà, soyez sûr, il reviendra fit et fort. All-Star Tower Defense, c'est un jeu Roblox. Je sais pas du tout, Rewano, bon, on verra, pourquoi pas, peut-être. Hein. Peut-être. Hein. Donc bon, on verra. Oh, Vivi, con. Ouais. Bah ouais, putain, j'ai pris du retard de fou, là. Ils m'ont fait faire un truc... c'est abusé, c'est nul, en plus, ce qu'ils m'ont fait faire. Ok, Momo, ça marche. Ah ouais, Omegle, c'est instant ban sur Twitch. Mais c'est bizarre, parce que j'en ai déjà vu plein des streams Omegle, non? Enfin, ça me paraît chelou, quoi, mais ouais. Oi, oh putain, bah là je suis obligé de faire ça en vrai les gars. Tu survis Meijin ou pas là? Tu penses survivre? Ouais d'accord, tu survis Meijin. T'es un beau gosse. Tu survis Meijin. T'es un vrai beau gosse. Tu vas prendre des dégâts mais tu survis. C'est quoi Meigle? C'est un site un peu... en fait où tu mets ta webcam. Oh, oh, on n'a pas le droit au bonheur, mais c'est pas vrai. Mais putain, il envoie l'aspect au pire moment. Mais non, mais il survit pas au carnage. Ouais, mais le carnage, c'était pas grave, parce qu'on le tuait après, en fait. Il fallait juste qu'il survive aux deux attaques au départ, en fait. C'est tout. Enfin, les trois attaques. En fait, si c'était que des auto-attaques, il survivait, mais là, non. Bon, je fais une dernière, des dernières tentatives. Après, je me casse sur Harry Potter et manger un bout. Allez, c'est parti. La dernière des dernières tentatives. Celle LR, ZLR, 100% lien 10, face à Cellmax. Avec un Meijin dans l'équipe. Magnifique, le Meijin. Il est beau. Il est beau, mon Meijin, là. Il est beau. Ben, regarde, il va prendre full dégâts ici. C'est magnifique. Là, en vrai, la rotation est parfaite. Parce qu'il va prendre full dégâts. Prochain tour, on a l'autre sel, il va se transformer. En vrai, ça peut être pas mal là, ce qui va se passer. C'est parti. Ça là, c'est la bonne.
tu gagnes rien face à ce niveau. Non, non, je gagne rien, c'est juste pour le délire et voir la puissance du sel ZLR 100%. 226 000 de dégâts pris, magnifique, magnifique. C'est bon, prochain tour, transformation déjà. Oh, 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 oh. Prochain tour, transformation, ça débute bien là, j'aime bien ce run, j'aime bien ce run. 9 millions, c'est pas grave, prochain tour, on se transforme. Tu vas stream le State of Play? Ouais, 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 Yuku, sur Twitch. Sur Twitch, on va regarder la conférence PlayStation ce soir. Allez, 4 millions. Allez, sel. Voilà la petite transformation du premier sel. ZLR, ok, ça c'est fait. Bon, maintenant, faut pas tuer dans ce tour. Objectif, ne pas tuer dans ce tour. Si possible. Enfin, ni dans l'autre, d'ailleurs. Ni dans l'autre, mais il faut pas tuer ici. Après, lui, en face, il a rien pour me tuer, donc ça, ça va. Déjà, c'est un bon point. Ouais, ouais, mais je vais garder ça comme ça dans l'immédiat. Objectif, ne pas le tuer. Ouais, objectif, ne pas le tuer. C'est quoi les récompenses pour ce niveau? Franchement, il n'y a rien, c'est juste pour voir la puissance max du sel LR. Du sel ZLR, juste. Donc là, normalement, on tue pas. Je fais exprès de pas partir en spé. Je fais exprès, hein. On part pas en spé, sauf avec le ZLR, malheureusement, parce que j'ai pas trop le choix. Mais si possible, j'aimerais qu'il fasse pas d'attaque spé supplémentaire et pas de critique. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, sois gentil, sois gentil. Ok, ok, ça va, ça va. Franchement, il a pas tué, ça va. C'est le principal. C'est qu'il a pas tué, ça me va. Ok. On est bien, en vrai, on est bien. Franchement. Ok, on prend une spé dans la tête. Lian, j'ai dessiné Giorno. Ah ouais? Bah tu... Envoie. J'ai pris un 250 000 là? Ah ouais, c'est qui a pris autant? Bah prochain tour, j'ai l'autre sel qui se transforme. Magnifique. Magnifique les gars. Prochain tour, on a l'autre sel qui se transforme. Eh ben, c'est parfait. Tout est bon. Tout est bon ici. Ah non? Oh non! Il me manque un peu de PV. Oh, il me manque un peu de PV pour me transformer. Enfin, faut que je prenne un peu de dégâts là. Ouais, faut que je prenne un petit peu de dégâts, je crois. Pourquoi tu veux pas le tuer? Alors en fait, je veux pas le tuer. Ah, mais ça m'arrange pas du tout ce qui se passe ici. Ah, ça m'arrange pas du tout en fait. Je veux pas le tuer pour transformer en fait. C'est surtout pour transformer. Ah, ça m'arrange pas du tout ici. Tu dois être à 221 000 PV et pas à 233 000. Eh ben en vrai, au pire, prochaine rotation. Ouais. Je suis en train de penser un truc, mais prochaine rotation, en vrai, ça va le faire. Hein. Imagine, il va prendre assez sur le carnage. Alors oui, il va prendre assez. Mais ok, t'es un stratège. Toi. Ah, je suis un gros stratège. Hein. Ah, clairement, je suis un très gros stratège. Enfin, il faut un minimum, quoi. Le problème, c'est que dans ce tour, je pense que je le tue. Il envoie quoi? Une seule attaque groupée. En vrai. Non, je le tue pas dans ce tour. En vrai, je le tue pas dans ce tour, donc c'est parfait. En vrai, je pense que s'il envoie qu'une attaque comme ça, je pense pas mourir. Je dis bien, je pense pas. Hein. Ah ouais, mais si je prends une spé quand même, je vais mourir, non? Je crois que je suis mort. Je crois que je suis mort. Ok. Alors on va voir, mais je crois que je suis mort. Alors rien voir ici. M'envoie pas de spé juste. Je t'en supplie, il faut absolument pas que t'envoies de spé. Non. Ah oh, c'est bon, oh non c'est bon, on tank. Ok, j'ai cru qu'on allait manger 40 000. C'est bon, en fait on tank suffisamment, c'est bon. Tout va bien. Le phénix, ah ouais, là, clairement le phénix, c'est bon. Fouh. En plus d'avoir un front en pierre, il est stratège. C'est vrai. Front en pierre qui arrive juste après. Mais il tank, il fait chier. Ouais, mais je pensais qu'il allait quand même manger les dégâts, tu vois. J'avais peur, je me suis dit, franchement, 30 000, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Par contre, là, il faut que je le tue sur ce tour. De toute façon, là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de le tuer, quoi qu'il arrive. Je suis obligé de le tuer. Je viendrai sur Twitch, après, je te dirai que c'est moi. Vas-y, Gojo, pas de soucis. Donc là, je le tue, quoi qu'il arrive, je l'envoie en enfer. 90 000. Allez, je prends ça, comme ça je garde cette rotation magnifique. Nanana, prochain, il se transforme. Ouais, ouais, là, de toute façon, je survis, je pense que je mange pas 100 000, là. Qu'est-ce que tu caches derrière ce front? Il s'en cache des choses, mais mieux vaut pas savoir c'est quoi. Ok. Allez, magnifique. Magnifique, normalement, on meurt pas, on prend 20 000, là, 23 000.
Et heureusement j'ai régène quand même. Heureusement que j'ai régène parce qu'en vrai, je prends des patates. Hein. À quand le prochain épisode de Xenoverse 2, beau gosse? Billy, normalement dimanche. Dimanche. Ok, on a tué ici. Là, on se transforme avec sel. Voilà. Là, on se transforme. Magnifique. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, on a C17, C18 dans la rotation normalement, si je dis pas de bêtises. On a C17, C18 et surtout, on a le sel puissance. On a le sel puissance. Donc du coup, en termes de rotation, ça pourrait être mieux parce qu'on a que 3 liens de ki, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, on va utiliser l'active skill ici, ce qui nous permet d'effacer voilà, les attaques de Jean-Paul. On va regarder rapidement son passif. Son passif, du coup, non, c'est pas ça. C'était ça. Ouais, j'ai pas l'active skill là de dispo. Ouais. 9 millions de valeur d'attaque, c'est énorme. Il faut prendre 8 sphères de ki. C'est 8 sphères de ki? Ok, je vais vérifier. Alors, si 8 sphères de ki ou plus sont obtenues, attaque 100% en plus et grande chance de coup critique lors de l'activation de l'aptitude active ou lorsque ki a 24. Ok, très bien. Eh bien, les 8. Ah, les 8 sphères de ki. Ah, il n'y a que 7. Je fais comment? Il n'y a que 7, les gars. À part si je prends ça. Ouais, je peux peut-être mettre le sel en première forme. En vrai, je peux peut-être faire ça. En vrai, je peux faire ça. Vas-y, ça marche, Noxstar, à tout à l'heure, du coup. Ouais, je fais ça. Et là, j'aurai les 8, normalement. Voilà. 6. 7. Oh, non. 6. Non. Bah, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai les 8. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas le sel à côté. Eh ouais, j'ai qu'un lien. Bon, c'est pas grave, c'est le prochain qui fera des dégâts. Reset le jeu. Non, 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 t'inquiète, regarde. En fait, on va pas le tuer ici. On sait qu'on va pas le tuer, c'est normal. On va pas le tuer. Normal, on le tue pas. Prochain tour. Reset. Non, non, les gars, pas besoin. On va pas le tuer, mais c'est pas grave. Prochain tour, j'aurai la meilleure rotation pour le tuer. Quoi qu'il arrive. J'aurai vraiment la meilleure rotation possible. Alors, voyons voir. On le tabasse. Relignant, yeu, Blatino. Ça va ou quoi? Alors, combien de dégâts juste? Oh, 28 millions, là, j'ai bien vu. Hein. Là, on a une rotation. Voilà, là, on est bien. En plus, regarde toutes les sphères de ki. On a 8 sphères de ki ici. On a l'active skill. Oh là là, on a la rotation parfaite. Active skill, 16 millions. 8 sphères de ki. Oh, la régalade. En plus, on a combien de liens de ki hein, avec les deux, là? On a fait un combien de liens? 3, 4, 5. Magnifique. Allez, Vegeta, il sert à rien. Ouais, Vegeta, il est juste là, il fait de la contemplation. Voilà, c'est bon. Allez, mon petit Cell ZLR, c'est ton moment. Montre-nous la puissance. Voyons voir face à Cell Max, qui est le meilleur. C'est lui. 28 millions. Et dommage, il a pas critique, parce que là, on pouvait lâcher un 30, 40, je sais même pas combien de millions, mais 28 millions quand même. Pfiouf. Incroyable. 28 millions sans critique, hein. Vraiment sans critique. Hein. Oh, ça aurait été terrible qu'il fasse un critique. On aurait fait combien à votre avis hein, avec un critique là? Ça aurait été un délire. Hein. Ah, ça aurait été. Ça aurait été combien? Là, il est au maximum. Ah, là, il était au max de chez Max. Là, la rotation, elle était parfaite, vraiment. 25 millions de valeur d'attaque. 48 millions des fois, 36 millions, easy. Ouais, je pense qu'il aurait fait dans les entre 30 et 40 millions. Je pense aussi, ouais. Incroyable. Dommage. En vrai, dommage qu'on n'ait pas vu le 40 millions affiché. Mais bon, 28 millions quand même, c'est incroyable. Mais là, tu vois, quand on arrive à aligner les planètes, ben, ça se passe. On a fini la phase en même temps. Ah ouais, Austin, let's go ça. Et le Gohan LR, il avait fait combien de dégâts? Gohan LR, il avait fait 28 millions, mais pas en une seule attaque SP. C'était en faisant deux attaques plus une auto-attaque. Deux attaques SP plus une auto-attaque. Il avait fait en gros 13 millions, je crois, et 2 millions en auto-attaque, un truc comme ça. Donc, un bordel, quoi. Je trouve celle meilleure que Gohan. Alors oui et non, le truc c'est que Cell il rentre dans beaucoup moins d'équipes que le Gohan. Gohan il va partout. Hein. Gohan il va vraiment partout, donc bon. Go essayer avec le support puits. Non, 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 c'est bon, ça y est. J'ai eu ma dose, les gars. C'est bon. J'arrête là, c'est bon. Gohan ZLR, il peut quadraspé après. Bah c'est ça en fait. Je trouve Gohan meilleur juste pour la garde, il rentre mieux. Bah c'est ça en fait, pour la garde, pour les SP supplémentaires et pour les équipes. Il est large au-dessus. Voilà. Bon, ben allez, on va pouvoir s'arrêter par là. Alléluia, quoi. Fouf. Tiens, il en aura fallu des essais quand même. Hein. Il en aura fallu. Hein. Quel délire.
C'est abusé, quoi. Bon, je suis vraiment désolé, les gars. On a perdu grave du temps, hein, sur ça. Hein. J'ai pas le Gwen et j'ai le sel 0 doublon. Bah, le sel 0 doublon, même si t'arrives à le ZLR, il est très bon, hein. Même sans doublon, t'inquiète, il fera le taf, hein. Donc bon. 18 millions, sachant que t'avais un plateau de merde. Oui, c'est vrai, Matt. C'est vrai. Après, cette transfo a quand même 1 million de def, la réduque de spé. C'est pas faux non plus. Eh ben, écoutez, ma foi, je vais m'arrêter par là, pour YouTube. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Le Gohan, le sel, bah, tout est bon. On a vu ces deux monstres de puissance. On a mis du temps, hein, pour le sel, parce qu'on est parti dans un mode de jeu spécifique où on n'aurait pas dû. Je pense qu'on aurait dû aller directement sur la red zone de Broly pour tâter ça. Mais bon, ça nous a permis au final, en fin de compte, après une heure et demie à taper dans le vent, eh bien, de voir qu'on peut lâcher des 30-40 millions si on critique et des 28 millions normales sans pression. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, voilà. En tout cas, bah, écoutez, moi je vais m'arrêter par là. Il est 20h45. On se dit à 21h10, rendez-vous sur Twitch pour Hogwarts Legacy. Et puis, en tout cas, moi, j'espère que vous avez quand même kiffé le live, que vous avez passé un bon moment. Il y aura d'autres lives dans la semaine sur YouTube. Demain, il y aura la vidéo normalement sur Roblox. Dimanche, sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et puis, avant qu'on se quitte, les gars, s'il y en a qui n'ont pas mis le pouce bleu, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et si jamais il y en a qui veulent venir sur Twitch, ben, n'hésitez pas, pareil, 21h sur Twitch, 21h10. Vous avez le lien dans la description du live. Voilà, n'hésitez pas à passer, ça fera plaisir. T'inquiète, Mister, y a pas de souci. Hein. Regarde MP Twitch après. Ouais, carrément, mon mot, je regarde ça juste après. Moi, je vous remercie pour ce live. J'espère que vous avez kiffé les deux ZLR. Et puis, si jamais il y en a qui sont là sur la rediffusion, dans les commentaires de la rediffusion, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces deux unités-là. Voilà, moi, je vous laisse là. Merci encore, YouTube. Bonne fin de soirée à vous. Des bisous à tous. Profitez bien. Et on se capte rapidement. Ciao les gens, et à tout à l'heure du coup sur Twitch pour les autres.